Salut la team créative, c'est Tourop et je suis très content de vous recevoir pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose la rediffusion du live de la demi-finale du French Tabletop Circuit, le FTC, tournoi d'inauguration qui a eu lieu pas plus tard que le week-end dernier, à savoir le 17 et 18 décembre 2022. Alors avant de vous lancer le replay, je vais recontextualiser un petit peu le FTC, je vais vous présenter les listes, je vais vous présenter le scénario et ensuite je laisserai place au live, tout simplement rediffusion d'un live. Vous noterez avant de commencer que les listes, la totalité des listes et notamment les listes que vous allez voir dans ce live, elles sont disponibles sur notre Discord. Vous avez le lien en description, je vous invite vraiment à nous rejoindre sur Discord. On a un salon qui a été créé qui s'appelle French Tabletop Circuit et dans lequel je vais au fur et à mesure alimenter de liens et alimenter l'actualité autour de cette ligue, de cette organisation de tournois solo en France. 74 joueurs d'engagés sur ce tournoi, ce qui en fait le deuxième plus gros tournoi solo de France de l'année 2022, le premier étant le Paris Grand Tournament, organisé, co-organisé tout du moins avec Creative Wargame et l'association ACE, qu'on salue évidemment. Voilà, on est vraiment content aussi d'être au cœur de ces initiatives, de supporter ces initiatives. Et je ne vous cache pas que le live que vous allez voir dans la foulée est probablement en termes de technique le meilleur live que nous avons réalisé parce qu'on avait à la manœuvre Franck et on avait aussi Rob à la manœuvre, que je salue tous les deux et tout particulièrement Rob qu'on vient d'intégrer à l'équipe Creative Wargame et qui a vraiment apporté une plus-value en termes de matériel et de technique sur le live. Donc vous allez voir, il y a vraiment une très très belle réalisation. J'en profite aussi pour saluer les deux animateurs de ce live que sont Tortue Ben et Godoul, donc qui seront les commentateurs de cette partie, qui ont fait un super taf pendant tous les lives. Vous verrez aussi apparaître dans ce live Ben, qui est arbitre FEC, donc voilà, il me semble en plus qu'il portait son polo FEC, donc il faisait un petit peu office de délégation de représentation, mais surtout Ben qui est un proche soutien de la chaîne, qui soutient vraiment Creative Wargame depuis très longtemps, qui est tipeur de Creative Wargame, que je salue et qui pareil, qui s'est mis à notre disposition pour commenter les lives et puis rapporter. Donc pendant le live, vous avez le reporter de guerre qui est Ben, qui pour le coup amène aussi la vision périphérique de toute la salle pour savoir comment ça évolue sur certaines tables, puisque je vous rappelle que là vous êtes en demi-finale du tournoi et que il y a encore plein de tables sur lesquelles il y a un véritable enjeu pour atteindre la finale ou tout du moins le podium. Donc voilà, c'est suivi par Ben que je salue évidemment. Je salue aussi l'indispensable Lexod qui était à la manœuvre pendant la totalité du tournoi, enfin pendant au moins la totalité de notre mise en place du live, puisqu'on a le live et que la journée de dimanche. Voilà, là on a un produit qui est vraiment abouti. J'espère que ça vous plaît vraiment. Les lives ont été diffusés sur Twitch, mais vous allez voir très bientôt, je ferai différentes annonces sur la chaîne. Il y a beaucoup de lives qui vont basculer, on va rebasculer un petit peu plus sur YouTube. Je vous expliquerai tout ça pourquoi dans la deuxième partie de la croisée des chemins, où je vais, dans la première partie, je vous avais confié l'état des lieux. Et dans la deuxième partie, je vais vous confier les projets pour 2023, mes réflexions, etc. Donc on va continuer ce format qui vous permet aussi, vous, de vivre en immersion notre média. Si vraiment ce type de projet vous plaît, si vous avez envie de continuer de voir évoluer la scène compétitive, de découvrir aussi des nouveaux joueurs, parce que c'est vraiment l'occasion de découvrir des nouveaux joueurs, des nouvelles personnalités et surtout des gens qui sortent du pool, on va dire Île-de-France, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que comme les chaînes sont plutôt centralisées Île-de-France et on va pas se mentir, la majeure partie des tournois, des gros tournois sont en Île-de-France. On a souvent un peu les œillères sur certains joueurs et là aussi c'est l'occasion pour nous de vous montrer d'autres gens. Donc ça c'est vraiment vraiment cool. Je vous invite, si c'est le cas, à nous soutenir, likez la publication les gars, likez la vidéo, likez tout ce qui passe Creative Wargame, tout ce qui est estampillé Creative Wargame, c'est indispensable. Commentez aussi, partagez, n'hésitez pas à riposte sur vos Discord, sur vos WhatsApp, etc., etc., etc. Je vous rappelle aussi, le soutien économique de la chaîne est indispensable. Quand vous verrez, si vous n'avez pas encore vu les lives, la qualité audio et vidéo qui a été amenée sur ce tournoi, je vous laisse deviner derrière l'investissement en matériel, en énergie, en tout en fait qui a été mis en place. Et pour ça, évidemment, on a besoin de soutien financier si on veut pousser le concept, si on veut pouvoir payer des gens aussi parce que ça nécessite
nécessite de payer des gens, de déplacer la technique, etc., etc. Donc on a besoin de soutien financier pour ce genre de projet très ambitieux, on va pas se mentir. Ça passe aussi par les liens d'affiliation, ça passe aussi par le Tipeee. Voilà, d'ailleurs, je vous diffuse là la demi-finale. La finale est déjà disponible sur Tipeee pour nos tipeurs. Pour les gens qui ne sont pas tipeurs, eh bien, il faudra encore attendre un petit peu et qu'on la republie, qu'on republie cette finale sur YouTube. Voilà, les amis, sans plus attendre, je vous ai balancé le discours de fédération et je vais maintenant me porter sur les listes des deux joueurs. Alors, l'affrontement que vous allez voir aujourd'hui en demi-finale, il est très intéressant. Il oppose Ashord, qui va jouer Necron, qui, à mon sens, est aujourd'hui l'un, voire le meilleur joueur Necron de France. C'est un vrai performeur sur le codex, Ashord. Je pense qu'il lui manque encore quelques petits ajustements pour pouvoir graber des podiums, parce que il était au Paris Grand Tournament, il a eu un parcours exemplaire au PGT, il a affronté que des top players et il a fini dans le top 15, je crois, parce que il rip à la dernière ronde de mémoire. Il est allé au WTC, au championnat du monde. Je l'ai croisé là-bas d'ailleurs. J'en profite pour le saluer parce que c'est quelqu'un de très sympathique. Il est allé au WTC et c'est pareil. Il a ripé à pas grand-chose du podium avec, je crois, une égalité contre Bizutor de mémoire. Mais il est vraiment pas passé loin du tout. Et là, là, je vous laisse découvrir la demi-finale. Je ne vais pas vous spoiler parce que ça voudrait un petit peu vous annoncer le résultat. Mais en gros, tout ça pour vous dire que c'est un excellent joueur. C'est un performeur sur le codex Necron. Pour l'instant, moi, je le connais en tant que monocodex. Je ne l'ai pas vu manœuvrer compétitivement autre chose que du Necron. Peut-être qu'il le fait, mais je ne suis pas au courant. Voilà, on lui avait envoyé des invitations pour participer au Creative Wargame Championship. Malheureusement, on n'a pas réussi à caler nos agendas. Donc, mais j'espère pouvoir vous le montrer en live. Là, en l'occurrence, vous allez l'avoir en live pendant 3 heures. Et puis, les joueurs ont des micros, donc vous allez pouvoir aussi avoir ces réflexions de fond, etc., etc. Voilà, donc très très bon joueur Ashord. Qu'est-ce qu'il nous joue? Déjà, il est sorti des sentiers battus puisqu'il joue Mefrit. Et je vous renvoie immédiatement, puisque la liste a déjà en vérité été présentée par Lucas dans une vidéo d'analyse des listes du FTC. Donc n'hésitez pas à vous rendre dessus, il y aura sans doute plus de précisions et Lucas a une vision plus périphérique, plus globale, plus profonde du jeu compétitif que moi. Voilà, il joue Mefrit, donc pour rappel, Mefrit, hein, plus 3 pouces de portée, moins 1 en PA supplémentaire quand il tire à mi-portée. Et il a les deux protocoles actifs sur les protocoles de tir, hein, qui boostent les capacités de tir. Donc ça rend une armée très létale. Vous vous doutez bien qu'il va jouer le protocole entre guillemets Mefrit, le protocole qui est adapté à Mefrit pendant toute en protocole à long terme. Voilà. Il joue le Silent King, qui est son seigneur de guerre, auquel il paye le trait de seigneur. Il a deux entrées qui sont en no slot, c'est le Canoptech Plasma Sith et le Chronomancer, auquel il paye le Counter Temporal Nanomine. C'est une arcane de Cryptek qui permet de choisir une unité à 18 pouces du Cryptek. Je crois que c'est la phase de tir. Et il réduit par deux les mouvements. Je sais pas si. Alors, comme là, je découvre aussi la partie au fur et à mesure. Je sais pas si ça a été très très utile sur ce match, mais ça peut être un bel outil sur certains match-up, je suppose. Il joue la catacombarge, on va dire full stuff, comme d'hab. Voilà, sauf que là, il a mis un trait de seigneur de guerre Mefrit, au lieu de mettre le classique réduction des damage de 1. Donc c'est pour augmenter la létalité, hein, le trait de seigneur de guerre. Il joue un Technomancer sur lequel il a mis le voile des ténèbres. Il y a 5 immortels, 10 guerriers Necrons, 3 petits scarabées, 5 Tomblades, 7 Destroyers Locust. Donc là c'est le gros pack de 6 avec un autre Destroyer. Donc là c'est vraiment le Maxi Best of Plus. 3 Locust Heavy Destroyers. Donc là c'est les 3 gros pruneaux de tir anti-char. Et 2 Doomsites. Plus la Ghost Arc. Voilà, c'est une liste qu'on a vue un petit peu tourner plutôt sur le côté objectif secure, mouvement d'avant-garde. Là, il va opter pour la destruction pure et je pense que c'est très intéressant et c'est une belle solution à porter à la méta actuelle. Voilà, c'est une très belle liste. Vous allez le voir la manœuvrer dans quelques instants.
Ensuite, face à lui, il y aura LBS. Alors, c'est un joueur que je ne connais pas, bien qu'il soit estampillé Petit Ramoneur Savoyard sur le roster. Petit Ramoneur Savoyard, c'est une équipe qui est dans le coin du sud-est de mémoire, qui est de Savoie. Bref, voilà. Et ce sont des très bons joueurs. C'est un groupe de joueurs compétitifs depuis très longtemps. Ils ont des excellents compétiteurs dans ce groupe de joueurs. Donc, c'est des gens à prendre très au sérieux quand vous les rencontrez en tournoi. La preuve en est, bah, LBS est en demi-finale. Il joue Thousand Suns, Démon, liste somme toute classique, hein, on va pas apologiser dessus pendant 10 plombes, Ahriman, un sorcier exalté, un Infernal Master, 3x5 rubriques, 10 scarabs occultes avec 2 lance-missiles et 2 Soul Reaper Cannon, 9 scarabs avec 1 lance-missile, 1 Soul Reaper Cannon. Il joue par la suite 5 des Chaos Spawn. Et ensuite, il a un détachement démon avec le Changecaster et 3x5 flammeurs. Enfin, 2x5 et 1x4 flammeurs. Voilà, c'est une adaptation de ce qu'on avait vu en Thousand Suns depuis un bon moment avec la partie Codex Chaos Demons et notamment bah, une unité qui pour l'instant est complètement sous-cotée en termes de points et en termes de dégâts par rapport aux règles. C'est les flammeurs qui sont peu cher et très létal pour leur impact. Donc voilà pour ça et on bascule immédiatement sur le scénario. Le scénario, c'est le numéro 22 qui s'appelle Conversion. Ils sont déployés dans les quarts de table. Le primaire se fait en 4, 8, 12 pour 1, 2 plus que l'adversaire. Petite règle spéciale, vous gagnez votre point de commandement seulement si vous avez votre seigneur de guerre sur le champ de bataille ou dans un transport. Et le primaire bis, vous marquez 4 points à la fin de votre tour si vous avez l'objectif qui est dans la zone de déploiement adverse et vous mettez 2 points à votre tour si vous contrôlez au moins un objectif du No Man's Land, ce qui est quasiment systématique. Quand vous ne le faites pas, là, c'est compliqué. Donc voilà. Ce qui me permet de basculer immédiatement sur les secondaires. Côté Necron, on a pris le Trésor des Éons. Alors, il y a une petite erreur sur le choix des secondaires Necron. Alors, c'est bien, ça me permet d'illustrer quelque chose qui permet aussi de relativiser sur les erreurs de jeu. Ashord, qui est pourtant un excellent joueur, qui ponce le codex Necron comme Jaja, il fait une erreur importante de règle puisqu'il prend nos prisonniers et Trésors des Éons qui sont dans la même catégorie. Donc, en termes de secondaire, il ne pouvait pas le faire ça. Alors, c'est vrai que c'est pas instinctif du tout parce que Trésors des Éons, qui est un secondaire de contrôle d'objectif et dans pas de pitié, pas de répit. Donc c'est pas instinctif, effectivement, mais du coup il pouvait pas prendre ces deux-là et il l'a fait puisqu'il a pris nos prisonniers. Il aurait fallu qu'il prenne Abhor the Witch plutôt que nos prisonniers. Voilà, sachant qu'en plus dans la liste il y a 13 points, il y a 14, 15, il y a 15 points, on va dire maximum, il y a max 15 points de secondaire sur le nos prisonniers alors qu'il y a 22 points d'Abhor the Witch. Voilà, peut-être Ashord s'est-il dit que en prenant nos prisonniers plutôt qu'Abhor the Witch, il laissait moins de possibilités de contre sur ce secondaire à son adversaire, puisque on va dire que LBS face à Abhor the Witch aurait pu jouer un peu plus ses Psykers en rétention et empêcher trop Ashord de scorer. Peut-être que c'est ce qui a amené cette réflexion. Je le laisserai commenter s'il voit cette vidéo. Je le laisserai nous commenter ça. Donc, Trésor des Éons, hein, qui fonctionne très bien sur ce scénario, notamment avec le secondaire bis, qui consiste à contrôler un des trois objectifs. Alors, c'est un petit peu plus spécifique que ça. L'adversaire doit choisir trois objectifs dans le pool d'objectifs qui est dans le No Man's Land. Alors, il y a un choix à faire quand il y en a 4. Là, sur ce scénario, il y en a 3. Donc, c'est automatiquement les 3 qui sont dans le No Man's Land qui sont choisis. Et Ashord va mettre 2 points s'il contrôle un des objectifs, 3 points s'il contrôle 2 des objectifs. Et il met 5 points s'il contrôle les 3 objectifs. Voilà, sachant que c'est obligatoirement dans le No Man's Land, ça veut dire qu'à la fin de son tour, s'il contrôle un objectif du No Man's Land, il mettra 2 points sur Trésor des Éons et il mettra 2 points sur le primaire bis, donc 4 points qui grabent automatiquement tous les tours, c'est cadeau. Donc voilà, le No Prisoner, bon ben là c'est pété du PV, il y a 131 PV dans la liste de LBS, et vous savez, quand vous passez le palier des 50 PV, vous mettez un point supplémentaire, et quand vous passez le palier des 100, vous mettez un autre point supplémentaire, donc si table rase d'adversaire, il met 15 points.
Voilà. Et le dernier de mémoire, il a pris éliminer la vermine. Donc éliminer la vermine, c'est contrôler les quarts de table. Voilà. C'est à la fin de son tour dans les quarts de table et sa zone de déploiement. Voilà. Ce que je pense de ces secondaires, eh ben, tout simplement, Trésor des Éons, 10 points minimum. 10 points minimum, clairement. Avec une appétence à le caper à 15 assez facilement, sans engager trop de ressources. Ensuite, nos prisonneurs. Là, pour le coup, nos prisonneurs peut être un petit peu plus compliqués, parce que les Terminators sont quand même pas faciles à arracher. Les rubriques, vous allez voir, avec les secondaires qu'a pris LBS, on comprend bien que les rubriques vont être juste là pour être planquées et faire un petit peu de scoring. Donc, difficile d'aller choper les rubriques. Ce qui fait bah, potentiellement 30 points pour les rubriques de nos prisonneurs, plus 90 points de Terminator qui sont durs à aller chercher. Voilà. Donc le nos prisonneurs peut créer un delta sur cette partie. Et enfin, le dernier, donc éliminer la vermine, pareil. 3 points par tour, 3 points par tour sans forcer. Il capait à 15 à la fin de la partie, quasiment sûr. Voilà. Donc après, ça va se jouer beaucoup au primaire et le No Prisoner pour le coup qui fera le delta. Du côté de LBS, on a pris Landscape Mutate. Donc là, ça consiste à faire des actions psy sur les objectifs. Il met 3 points par action psy réalisée, par objectif en gros qu'il a muté. Donc bah clairement, il y a 12 points grabable, 9 points sûrs, sa zone, le centre et un quart de table qui va sécuriser, 12 points avec un léger effort qui va demander un léger trade de ressources pour aller chercher le 15 sur ce scénario-là, ça me paraît très compliqué quand même. Donc je doute qu'il ait fait 15, il est entre 9 et 12 max. Il va prendre Raise the Banner, donc qui revient encore une fois, hein, je pense qu'il va sécuriser son quart de table, probablement le centre et un autre quart, ce qui lui permet de sécuriser trois bannières. Il mettra entre 10 et 12 points, je pense, sur les bannières. Et enfin, le dernier qu'il a pris, c'est, je ne m'en rappelle plus, je vais le voir juste très rapidement. Tayala, qu'est-ce qu'il nous a pris? Il a pris 15 secondaires des Thousand Sons, ça je m'en rappelle tout à fait. Et il a pris Bring It Down, les véhicules, tout simplement. Les véhicules, bah parce que les avions donnent 2 points. Donc chaque avion donne 2 points. La Ghost Ark donne 2 points. Ça fait 6. Et la catacombe barge donne 1 point. Ça fait 7. Et le roi silencieux donne 5 points. Il donne 3 pour lui et 1 pour chaque pilier. Ça fait 5 points. Ça fait 12 points en destruction de véhicules. Voilà. Et j'ai peut-être même un doute sur le fait que les Doomsight et la Ghost Ark, vu qu'ils ont 14 PV, ça donnerait pas 3 points. J'ai un petit doute là-dessus. Mais je vous laisserai le dire en commentaire. J'ai un doute et je vais pas vous embêter à les regarder exactement dans le détail. Mais c'est minimum 12 points et ça peut être peut-être 15. Voilà. Donc en gros, clairement, les avions, c'est des cibles prioritaires pour LBS, parce qu'il y a une létalité monstrueuse, et puis surtout ça va se balader sur la table et ça va venir chercher des unités qu'il n'a pas envie qu'on vienne chercher. Donc les Doomsight à éclater, le Roi Silencieux pareil, indispensable à éclater. Donc là déjà on est à quasiment 10 points sur ces 3 cibles qui vont être probablement détruites pendant la partie. Après la Ghost Ark, la Catacombe Barge, là ça va être plus de la gestion, je pense. Ça aura peut-être tendance à plus à avoir lieu en fin de partie. Mais voilà. Voilà, vous avez les listes, vous avez les secondaires, vous avez le scénario, vous avez tout. Je vais maintenant vous laisser découvrir la partie en détail. Vous avez tous les liens dans la description. Les amis, j'espère que ça vous plaît. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur Creative Wargame. Allez, bon live! Le jet de dés, eh ben c'est parti, allez-y. À vous de jouer, les gars. Je vais remettre les décors. Hop. Priorité à vous. Priorité. Ouais, bah, bonne partie. Toi aussi. C'est moi. C'est le TS qui commence. Donc moi, je peux rien faire. Non. J'ai pas de primo. Ça change. Ça change. Et mon protocole au début sera Eternal Garden, donc tout le monde est considéré en light cover. Très bien. Bon, les véhicules aussi. Tout le monde. Même mon roi. Ok. Alors, phase de coup.
Est-ce qu'on va faire des bêtises, aller TP des trucs? Qu'est-ce que tu veux? Pas en soi. C'est moi, le test des mots. Les tests. Si là je peux avoir des choses. Si je viens là comme ça. Juste là-bas. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je TP est-ce que je TP ou est-ce que je TP? C'est rigolo, si je peux le faire. Parce que si je suis ici comme ça, on va emprunte. On va dépasser un peu là. Je pense que je vais aller. Globalement j'ai envie de voir si je peux TP mes dix totors. Et que tu puisses me voir entre guillemets que avec les avions ou alors si tu crames ton cristal avec les autres. Et... Tu vois pas l'intérieur, hein, oublie pas. Hein. C'est pas non, c'est, le but c'est pas de tirer. D'accord. C'est de voir si je peux. Achord. Achord. Alors le joueur TS, c'est Achord. C'est Achord. Ah, tu m'as niqué, bravo. C'est, bah voilà, t'as bien. Ah, le joueur TS. Ouais. Le joueur TS, c'est. C'est LBS. C'est LBS, c'est ça. LBS. C'est Achord, c'est le joueur Nécron. C'est le joueur Nécron. Merci, je t'ai suivi, ça m'a fait plaisir. Ah bah ouais, je voulais voir si tu suivais, hein. Et on voit que non, ça fait, c'est toujours plaisant. Donc je sais pas où ils en sont, ils ont commencé la phase de mouvement, je pense. Ouais, c'est ça. Ils doivent y être. Donc on a Kuro qui nous fait des bisous, et on t'embrasse aussi. C'est ça. Franck, tu es sur nous au niveau du son ou pas? Ou tu es sur les joueurs? Je sais pas s'ils ont entendu les commentaires sur les cratères et les forêts, ni les vents par hasard d'ailleurs. Je sais pas s'ils avaient été coupés à ce moment-là. Je sais pas. Donc d'accord. Ils nous ont pas entendu, ils nous ont pas entendu nos commentaires sur les cratères et les vents. Donc on disait oui, il n'y a pas de cratères ni de vents. Ce qu'il y a, c'est des petites barricades. Donc il y a des petites barricades qu'on voit au centre, l'objet du centre. C'est des petites barricades qui donnent un moins 1 pour toucher si le tir traverse cette barricade et qu'on n'est pas à 2 pouces en fait. Les petites, de, c'est un peu loin de pour vous les montrer, mais... Mais voilà, donc c'est une toute petite barricade. Donc ça donne un moins 1, sauf si on est à 2 pouces de cette barricade. Et couvert d'once. Tout à l'heure, du coup, on a fait une petite présentation de l'événement sur l'événement. Donc là, on va le recontextualiser. Donc là, on est au FTC, donc c'est l'inaugurational, c'est le premier événement du solo, du circuit solo que nous lançons. Du coup, l'idée, en fait, c'est de faire un vrai circuit solo en France. Pour ce faire, en fait, on a fait un partenariat avec le LGT qui joue en format UKTC. Du coup, les points de tous les tournois que nous ferons compteront dans leur classement. C'est ça, dans leur classement, et leur classement compte pour nous. C'est-à-dire qu'on aura en fait un classement français solo à l'issue de l'année qui arrive. Donc là, pour l'instant, on est sur 6 tournois. Organisé par nous directement. Et on est en train de mettre en place des partenariats divers et variés pour que d'autres organisateurs de tournois le fassent aussi sous ce format. Donc sous le format ITC en fait, pour que l'ensemble du circuit puisse monter et que ça compte vraiment au niveau des points, etc. On va essayer de ne pas se brider que à la région parisienne. Oui, on va essayer de faire, normalement on doit faire des événements un peu partout en province. Donc un peu partout en province. Alors, je ne comprends pas les pairings pour cette ronde. Pourquoi ce ne sont pas les deux premiers qui se rencontrent et le 3 et 4, etc., sachant qu'ils ne sont pas rencontrés précédemment? Alors, c'est parce que le système de pairing, il se fait par rapport au nombre de victoires en premier. Et après, on peut, sur BCP, faire différentes façons en fait, de faire les pairings. C'est-à-dire qu'on peut le faire après au nombre de points. Donc, le 1 rencontre le 2, le 2 rencontre le 3, et ainsi de suite. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait en aléatoire. En aléatoire pour éviter en fait, de faire du sous-marinage. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui vont faire des victoires et qui vont essayer de ne pas marquer trop de points. Pour pas tomber sur les gros joueurs, mais tout en étant proche à la fin, en étant proche. Entre possiblement et atteindre un podium en c'est ça, c'est ça. Et donc pour éviter ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un système aléatoire. C'est-à-dire que tous ceux qui ont deux victoires rencontrent ceux qui ont deux victoires. Ceux qui ont une victoire rencontrent ceux qui ont une victoire, et ainsi de suite à chaque ronde. Sauf là pour la dernière. Mais de façon aléatoire. Et donc là, la ronde 4, c'est fini. On avait 5 personnes qui avaient. 4 victoires et du coup il y en a 2 qui ont joué ensemble, 2 autres qui ont joué ensemble et le dernier
à jouer contre le meilleur, par contre, des de ceux qui ont trois victoires. C'est ça, tout à fait. Et du coup, la rencontre d'ailleurs, ce serait bien de. Alors les rencontres qu'il y a, je vais repasser. Je sais pas si c'est pas Zig, j'ai un doute. Alors on a du coup sur la table qui est streamée pour l'instant, donc c'est Ashord et Ashord et LBS. Oui, je joue en même temps, je suis assez fort pour ça. Tu présentes et tu joues en même temps, c'est pas mal. J'ai jamais joué TF, mais je vais y arriver, je le sens. Du coup, on a en table numéro 2, on a Salizia, donc Alexandre Sacco, et Guillaume du Sossois, c'est Guilou, le capitaine de l'équipe belge, qui se rencontrent. Donc on a un affrontement Harley-TS Flammer. Et en table 3, on a donc Zig. Ouais, qui affronte Damien, voilà, ça c'est Damien Bartholomé, donc je sais pas c'est quoi son pseudo, qui lui joue en Tau, donc c'est Votan contre Tau. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le premier que Alexandre a rencontré sur sa première ronde, il me semble. C'est ça, oui, je crois que Alexandre l'a rencontré en première ronde. C'est ça. Et donc si Alexandre n'avait pas gagné sa première ronde, Et ben Damien serait peut-être éventuellement à 15 victoires. C'est possible. C'est ça. Je vous en prends un petit micro de 2 secondes. Oui. Allez, vas-y. Alors, j'apparais rapidement, simplement pour vous dire que déjà, je tiens à remercier Robin qui est à la technique, qui nous fait des images en gros plan. Bon, là, vous êtes sur Zenithal, c'est pas le cas, mais vous avez bien compris. Je remercie aussi Gabi qui nous permet de faire le scoring en live. Superbe travail de sa part. Merci à toi si tu nous regardes. Voilà, pour les remerciements. Ensuite, juste petite chose, comme d'habitude. Moi, j'aime bien faire les prédictions sur Twitch. Je vais lancer la prédiction qui, selon vous, va remporter ce match qui de LBS, SC, TS, Démon ou Ashord et ses Necrons. Claquez vos points de chaîne, c'est le moment. Voilà, et je retourne à ma régie. Bonne partie à tous. Franck, est-ce que tu peux éventuellement nous amener les secondaires ou nous les dire ? Je vais vous les afficher tout de suite, comme ça je vous laisse les commenter. D'accord, très bien. Moi étant joueur Necron, je vais parler sur le Necron. Voilà. Je pense que ça tu peux regarder. Alors, voilà. Trésor d'Éon. Forcément, purger la vermine, pas de prisonniers. Et nos prisonneurs. Donc bah nos prisonneurs, donc ça c'est le nombre de. Deux objets Necron et prisonniers, c'est le nombre de PV. Oui c'est ça. C'est le nombre de tués, on additionne à la fin le nombre de points de vie. Si on fait plus de 50, on a un bonus de 1, et si on fait plus de 100, on a un bonus de 2. C'est ça, exactement. C'est ça. Et je crois que du coup, LBS, il donne pas mal de points, je crois. Il faudra regarder sa liste. Il faudra regarder sa liste, mais je crois qu'il donne pas mal de points. Les bannières, mutette et breaking down. Donc tu es plus. Plus d'unités d'unité que l'adversaire. Breaking down, c'est les véhicules. C'est les véhicules ? Je me rappelle plus. En anglais, je crois que c'est ça. Je vais vous dire tout de suite. Alors, les secondaires Necron, du coup, c'est quoi le trésor d'Éon ? Purge la vermine, c'est un. Si je dis plus de bêtises, Purge la vermine, c'est le quart amélioré des Necrons. C'est, d'accord. Si t'es absent, c'est 2 points. Mais il me semble qu'avec les derniers changements, ça avait été modifié. D'accord. Il faut regarder dans les. Il faut regarder dans dans les Néphilim. D'accord. Et le trésor des Éons. C'est ouais. Où on se pose sur les objets, si je dis pas de bêtises non plus. Étant, ça fait très longtemps que j'ai pas rejoué Necron. Faut s'y remettre. Je suis plus, ouais, t'es plus sur le culte Genestealer. Je suis plus sur le culte Genestealer. Tu aimes le challenge. Voilà, je suis un joueur Xenos avant tout. Étant joueur Necron tôt en compétition, ça a été beaucoup en V8, début de V9 en Necron. Et j'ai penché sur le culte un peu après la sortie du Codex. Et je suis encore sur le culte à ce moment. Alors, si on est en Xenos, on va mettre Necron. Et j'aurais d'ailleurs dû être joueur culte Genestealer à ce tournoi, mais ils ont eu un empêchement hier, j'ai pas pu être là. Donc je suis là en tant que présentateur. C'est triste. C'est dommage. On est très très triste. On essaie de se. Alors, du coup. De se former. On verra au prochain tournoi, je serai là en tant que joueur, on espère. Wrath of Magnus, non. Ah oui, Trésor d'Éon. Alors. Là, je sais pas où ils en sont. Ils sont toujours à la phase de mouvement, je pense. Les gars, on va repenser un peu sur le joueur parce qu'il y a un tour qui est terminé déjà du côté. Ah, ils ont déjà terminé un tour. D'accord. Bah, voilà. Tiens, je savais pas. Et ben, on va retourner sur les joueurs. On va leur laisser le son, je suppose. Ouais. Et c'est parti. Ok. T'as fait 3, c'est ça ? Ouais. Je comprends l'objectif de Manson, donc j'ai 2. En tertiaire. Ouais.
et le bring in. Bring in down, non. Down, ce sera plus tard, et voilà. Bannière, j'en ai levé une ici. Ok, à toi. On passe à 7 et 4 CP. Ouais. Un Pepsi, Pepsi. Ouais. Pepsi, rien Pepsi pour l'instant, Max, merci. Ouais. Donc le plus 1 pour toucher de ma commande barge sur celui du fond. Ça vient. Mon roi, le premier sur celui-là. Ouais. Et le deuxième. Parce que là, en vrai, les locustes, effectivement, ils vont pas pouvoir faire grand-chose si je reste là encore un tour. Là, je vais bouger de 6. Je vais en avoir quelques-uns. Je peux planter une charge. Peut-être la barge qui peut y aller. Potentiellement, j'ai elle qui peut tirer sur eux là-bas. Ça me mettrait un peu à découvert, quoi. Non. Eux, c'est sûr que je vais faire mon move pour faire mes 9 de mouvement et faire une charge potentiellement sur ce qui restera. Je vais sûrement amener les avions ici pour essayer de shooter ça et ça. Ok. Lui, il fera sûrement une advance pour se placer là. De toute façon, je pourrais rien tirer. La Ghost Ark, elle suivra les Warriors pour se placer là. Donc j'ai 13, donc elle pourra se placer là, la Ghost Ark, pour pouvoir avoir cela aussi. Ok. Après, les Locusts, ils viendront se caler ici, en gros, en protection. Puis on va faire comme toi. On va patienter un tour. Bah, je pense que là... De toute façon, la table elle est trop découverte, en fait. Je pense que je vais patienter un tour et essayer de récolter les points où je peux, quoi. Ouais, très bien. Donc, de toute façon, hop, là, c'est un 6 pouces, ça sera plus simple. Ouais. Déjà, attends, on va mesurer la charge. Ouais, ouais, j'étais à portée du roi. C'est à 14, on avait dit que c'est 8, c'est ça? C'est 14, je crois. C'est à 14, donc c'est à 8. Donc, je fais un tout droit, en gros. Le seul truc, c'est que tu perds. Il y en a un qui perd. Oui, non, il y en a un que je pourrais pas tirer avec. Non, mais tu perds peut-être même un poil de mouvement parce que tu pouvais pas traverser le mur. Oui, mais j'ai les 6, ça faisait pile poil. Là, t'as 8? Ok, j'ai l'impression que c'est plus loin. J'ai bougé de 6, donc. Ça me paraît être un poil plus. Ça, je pense que c'est un micro poil de mur. Bon, ça sera 9 alors. Ouais, ouais, d'accord. Donc lui, il va bouger de 12 pour se mettre là. Normalement, lui, je vois là. Ouais, tu le vois comme ça. Ouais, donc attends, ça vient là. En gros, ça arrive ici. Ça... Je fais 12. Pas de soucis. C'est bon. Je remets le doigt. Ah, pardon. Je vais faire le mouvement. Hop. Voilà. Ok. De toute façon, il faut juste qu'il reste à 3 pouces de quelqu'un pour être protégé, donc ça sera pas un problème. La sortie des Warriors. Ouais. Oh. 3 pouces de toute façon, c'est là. Donc c'est pas compliqué. Donc je vais rebouger ensuite de là de 6, à 6. Donc ça fait là. Pour regarder, si tu peux regarder pour la charge à comment tu seras. Hop, on est donc du mur jusqu'à moi, un poil plus 11. Ça reste 5 Oui, 12, oui, c'est 11. Tu bouges 6, ouais. T'as le plus d'un mouvement, même si t'es à l'intérieur. Je vais bouger, je vais les sortir, je vais bouger lui, je vais bouger lui, je vais leur aller plus 1. Je le fais dans l'ordre pour que ce soit plus simple. Très bien. Merde, il m'en manque un. Mince, il m'en manque un. Flûte. Est-ce que je pouvais tirer sur quelque chose en tous les cas? Si je bougeais par là quelques-uns, non, de toute façon, j'aurais pas eu la... Je vais juste m'arranger pour pas me gêner ma Ghost Ark qui va venir aussi. Ok. Vu que de toute façon, les 3, ils sont en face des 3, j'aurais pas de réduction. Pas de truc, faut t'arrives à... T'as peut-être un peu plus, faut t'arrives là. Si tu veux, là, tu peux pas placer ton socle, faut que t'arrives ici. Oui, tout à fait. Mais il y aura peut-être des morts, donc... Ouais, bien sûr, bien sûr. Lui, il va bouger 12, 13, parce que lui, pour le coup, il était déjà à portée. En gros, les Terminators, ils sont juste à l'étage là. C'est pour être plus simple, c'est ça. Donc, bouge de 13, d'accord, comme ça, pour venir ici. Parce que là, il est déjà à portée de l'autre. Ouais, t'arrives à voir du coup, Bah, là, je bouge comme ça, donc en fait... Ah oui, t'arrives à voir. En fait, il fait ça. Il fait pas comme ça. Il se pète. Non, ça va, tu l'as pas collé. Non, c'est le... slide. En fait, en gros, il slide comme ça. Pour le but, c'est que je sois à portée après des variants. Et pour que je puisse voir ici les mecs. Ouais, ok. Donc les avions, de toute façon, je serai plus à portée, donc je vais pas m'embêter. Il y en a un qui va venir, je vais juste me mettre un peu moins... Un peu moins de mouvement pour faire une rotation. Ouais. Et en gros, le but, c'est que les avions ne gênent pas. Il y en a un qui va venir là. Ok. D'accord. Et il y en a un qui va venir là. Ok. Il y en a un qui va venir ici. Ouais. Et en termes d'angle, t'es large. Juste regarder l'angle pour celui-là. Donc, je ne peux pas faire comme ça, donc je vais faire l'inverse. Hop, lui, il va aller jusqu'au bout. Celui, t'es droit. Ouais, ok.
Je les place au maximum en fait. Ouais, très bien, là ça marche. Le but là, c'est qu'on voit les flammeurs avec les deux. Ouais. Okay. Bah, là tu arrives. Le but c'est que je vois tous les flammeurs avec lui. Donc lui il tirera en premier. Ouais, et lui est-ce qu'il va avoir le dernier? Oui, ça oui parce que t'es dedans. Ouais, non mais je regardais ce que en termes de mur. Hein. Tout à fait. De toute façon je pourrais pas avoir la reroll, donc ça change rien. Je vais faire mon advance de mon roi. Ouais. Pour voir jusqu'où il va. 3, donc il bouge de 11. Je sais qu'il peut pas être complètement collé parce qu'il y a juste les warriors qui sont là. Ouais. Je peux pas aller vraiment plus loin. De toute façon, c'était pas compliqué, les warriors ils sont sur le truc. Donc, Hop. Ok. Ok. Lui, on va mettre juste un mec à 3. Ouais. Pour qu'il soit protégé des. Et puis ils vont rester là. Ok. Les avions, on mesure tout du socle, c'est ça? Ouais, du socle. Okay. Pardon, j'ai oublié l'invue. Pas de soucis, tu la mets sur qui? L'invue, je la mets sur les locusts. Ouais, sinon je pense que ça va oui, sur les locusts, ça change rien les autres. Ouais, sauf si tu me dis autre chose, ce sera sur les locusts, c'est ça? Bon, ça peut dépendre. Peut-être à ce tour-là, je vais les mettre sur lui. Ok. Parce que là, les locusts, ils vont pas prendre grand-chose. Au pire, tu auras pas une grosse PA. Les autres locusts vont rester ici. Ouais. Les scarabées vont essayer d'advance. D'accord. Pour voir jusqu'à où ils vont. 13, ça fait 13. En fait, en vrai, je vais venir dans la pampa, mais en gros, juste faire une petite zone de. Ouais, d'antifapol. Je comprends. C'est pas que. Hein. T'as pas envie que j'ai. C'est pas que j'ai peur, mais. T'as pas envie que j'arrive dans ton dos. Lui, il vient là, il se met à portée de ça. Ouais. Les motos vont pas bouger pour l'instant. De toute façon, elles seront à portée de toute façon pour le truc. Et le chronomancer, il va faire pareil, il va rester là. Hein. En gros, eux, ils protègent lui, ils sont protégés là. Ouais. Ok. Et puis là, on verra bien ce que ça donne. Là-bas. Ok. Fin de la phase de mouvement. On va aller faire la phase de tir. Ouais. Lui, il va tirer d'abord sur ça. Bien sûr. Donc, le Tesla. On peut regarder, si c'est bon. Tesla, donc les 6 explosent deux fois. Il passe 6. Force 6. À 3. À 3 plus. T'as une save pour 2 dommages. 2 PV. 2 points de vie. Et le Ghost Canon. On va voir si j'enlève un mec. Le Ghost Canon. À 3 plus. Tu as 2 saves pour des 3 dommages. Bah il y a un mort. Hop. Ouais, bah là, ça rallonge ta charge. Puis à moins que tu. Non, parce que j'étais déjà 9 quasi pile poil, donc ça va sûrement pas rallonger la charge. Ah, mais il était devant, lui, il était là. Oui, tout à fait. Ça va rallonger la charge. Bah. Vas-y. On charge 10. Ouais, toi, on charge à 10, ok. Ouais. Les Tesla. Pour le coup, ils ont pris le plus 1, donc ça fait ça en fait. Tu touches à 2 ? Bah, ils ont pris le plus 1 puisque je peux servir à rien que je mette sur les autres. Ah, ok, je pense que tu l'as mis sur les autres. Force 5, tu as 5 save. Ok, à 3. 2 PV. J'en ai un. Reste un point de vie. J'ai les petits marqueurs si tu veux. Ouais, je suis chaud. Vas-y, bah. Tu me dis juste celui plus proche. Celui devant, ouais. Il reste un point de vie, hein, ça. Très bien. Ok. Ici. Ouais. On va faire la celle donc qui est plus loin et qui voit moins bien. D'accord. Qui va faire tous ces petits tirs de Tesla sur ça. Ouais. Tous ces gros tirs sur ça, ouais. Sachant que les tirs, je vais payer un CP. Ouais. Et en fait, tous mes 6 pour blesser feront une mortal wound. Ok, je connaissais pas ça. Sauf que ça fait un maximum de 3 parce que c'est mes frites. Ah, ça sera ta mes frites. Ok, c'est ça, je connaissais pas. Donc en gros, là, je vais commencer par les Tesla parce que mon but, c'est de faire le plus de mortal wound possible au. Les Tesla. Donc 2 plus, les 6 explosent deux fois. Ok, bah 4 de plus. Il touche à 2 celui-là ? Ouais, c'est lui. Touche à 2 grâce au plus. Les deux avions ont plus 1. Bah les deux avions et les immortels. Attends, j'en ai 3. T'as 3 de nez. Le roi, en fait, le oui, fait 2 fois. Deux, ouais, et là-bas. Très bien. À 3 plus. Donc t'auras les 3 BM de toute façon. Ouais. Et après, ça, c'est dommage. Hein, donc, Et bah, c'est du coup de la 2. La 3 plus. Tes dégâts. Non, mais tes flammeurs, ils ont pas de. Ah, ils sont les flammeurs, oui, pardon. Donc 3 BM et à 3 plus les flammeurs. Voilà, donc là, vous entendez. Du coup, on passe autour de la table.
pour vous expliquer, donc là les joueurs ils sont en train de faire la phase de tir Nekron. Donc il y a Short qui fait sa phase de tir Nekron. Là on va essayer d'expliquer un petit peu ce qui est en train de se passer parce que bah là de toute façon il y a la cloque qui tourne, donc il y a le temps qui tourne. On est en tournoi, donc il faut vraiment respecter. Voilà, ils n'ont pas forcément le temps d'expliquer leur mouvement et compagnie, donc on va expliquer ça. Donc là, Shorn, on voit qu'il s'est déployé, il est parti après le tour de LBS, qui s'était déployé sur les côtés, il s'était étalé. Bah là, en fait, Ashord, il fait la même chose. Il n'est pas venu au milieu pour pas offrir, je pense, de tremplin ou d'île de vue et surtout pas s'exposer. Il n'y a pas énormément de lignes de vue. C'est ça, c'est ça. Donc je pense que là, il est en train de se placer, de se mettre sur les côtés et il s'étale sur la table. C'est ça. Donc comme on peut voir. On avait le résultat d'ailleurs des votes. Je crois que le TS était donné gagnant à 51%. Voilà. Contre 49 pour le Nekron. Donc c'est vraiment très serré au niveau du... T'espères quoi toi? Alors c'est pas ce que j'espère, ce que j'en pense, c'est que le Nekron, le problème qu'il va avoir, c'est qu'il pourra pas faire de B-back, c'est-à-dire de faire revivre ses personnes tuées en face de psy. Il peut le faire que au tir ou au coq. Donc c'est-à-dire que quand ça meurt, ça va mourir. Et en face, on a une armée qui fait vraiment beaucoup de BN. Et donc c'est ça qui... C'est ce qui risque de lui faire mal. C'est ce qui risque de lui faire mal et de ne pas pouvoir revenir et ainsi de suite. Et s'il veut faire justement son trésor des éons, il va falloir qu'il s'expose un minimum pour pouvoir scorer. C'est ça, c'est ça. Puisque on rappelle, hein, le trésor des éons, c'est un autre jour, un point, s'il le contrôle. Donc si en fait, l'adversaire choisit trois objectifs en dehors des zones de déploiement, donc forcément les trois de la ligne centrale. Mm-hmm. Et s'il en contrôle un à la fin de son tour, c'est un point. S'il en contrôle deux, c'est trois points. C'est ça. Et cinq points, s'il en contrôle trois. C'est ça. Donc il a juste à le faire trois tours pour réussir à maxer justement à 15 points. C'est ça. Donc là, on voit, il s'est mis avec ses deux avions, il est venu. Il est parti en fait sur le côté. Pour pouvoir éliminer les rubriques. C'est des rubriques, j'ai l'impression. C'est des rubriques qui sont derrière, dans la ruine, qui sont sur l'objet. On a chargé. Ah bah on a chargé avec des guerriers. Des guerriers. 12 après Rerol. Ils sont énervés. D'accord. Des guerriers. Ils veulent vraiment y aller quoi. On a besoin de prendre l'objectif. Donc là, le but là de Hachor, c'est vraiment de reprendre cet objectif là. C'est ça, exactement. C'est vraiment son but là, c'est vraiment de prendre l'objectif. Voilà. Se poser, le garder. Là il reprend l'objectif. C'est ça. Il se pose avec ses guerriers qui sont super OP. C'est ça. Et si je regarde bien la table, parce que s'il ne le prend pas, justement, ce sera 12 points pour son adversaire, parce qu'il en contrôlera qu'un. Ah oui, il en contrôle qu'un. Parce que le TS en contrôle un ici, deux, personne au milieu. Donc s'il ne le prend pas, c'est 12 points pour l'adversaire au prochain tour. C'est ça. Ce qui peut lui faire un peu. Ça peut faire un break quand même déjà important parce que si au tour d'après le Nekron ne marque que 4 points, bah tout de suite ça fait un gros delta de 8 points au primaire. On espère pouvoir éteindre au primaire son adversaire. Sur ça, parce que vu les secondaires qui ont été choisis, alors du côté Nekron, je pense que faire les objectifs. Bah, ça va être de raser l'écart. Bah, je pense que c'est aussi pour ça qu'il veut éliminer les rubriques. Ouais, pour pouvoir marquer ses points sur l'écart. Pouvoir attraper un point en plus, justement, exactement. Ouais, il va vouloir marquer 3 points et 3 points en fait, en se mettant sur les deux quarts et pas forcément au milieu pour pas s'exposer. Exactement. Après, c'était quoi son autre objectif? C'est nos prisonniers. Prisonniers, purge de les ennemis et les éons. Donc, ça, nos prisonniers, ce qui est bien, c'est qu'il a pas besoin de venir ou pas venir. De toute façon, il va tuer. Donc il n'a pas besoin de s'exposer ou pas s'exposer. Il le fera naturellement dans la partie. À un moment, le TS, pour faire la mutette, il va être obligé de sortir. Exactement, aussi. Exactement. Parce que le TS, lui, il doit faire des actions sur des objets. C'est ça. Ça va être en fait à celui qui tire un peu le plus fort. Même si les flammeurs tirent fort, le Nekron, il a peut-être moyen quand même de venir les chercher. À la saturation. De l'embêter. Après, je serais quand même curieux de savoir ce que va donner les guerriers contre les rubriques. J'aurais mieux sauvegardé tes gros trucs que les warriors plus efficaces que les autres. Après, je pense que c'est vraiment. Il avait vraiment besoin de poser ses guerriers pour prendre là, tu as perdu des. Il a perdu des. Il a perdu des warriors en TS. Au corps à corps. D'accord. J'ai des avions par dessus. J'ai mes 4 avions de TS. Donc maintenant, on va voir la réplique des TS. Une douche. Une blesse. Triple 1. Ah, c'est pas. Et les trois attaques du chef. Le triple 1 qui fait mal en général. Si je pas, en fait, tu vois, ce que ça fait, parce que là, les...
Là, le les guerriers Nécro, ils ont de l'invue? Non, ils ont pas d'invue, les guerriers Nécro. Non. Si on save à 3. Après, je sais, j'ai pas regardé sa liste, ils la chronométreront pas, mais normalement, save à 4. Les immortels sont en save à 3, en du 5. D'accord. Eux seront en 4. Je sais pas laquelle t'as enlevé, en fait. En du 4. D'accord. Non, non, je peux pas le mettre, je l'ai regardé, je peux pas le mettre. Donc là, ça veut dire qu'au prochain tour du TS, il serait à 8 points. Là, il sera à 8 points. Il sera à 8 points. Exactement, je crois, voilà, qu'il l'a confirmé d'ailleurs. Ils ouais, c'est ça, ils sont à 8 points. Il sera à 8 points. Donc là, il m'a 2 de trésor d'Éon. D'accord, ah oui, purge vermine, c'est. Comment? Ouais, c'est à la fin. Ouais. Purge, il a mis 2 points. Ouais. Oui, forcément 2 points parce que personne dans sa zone de déploiement un quart, et seulement un seul quart de vide. Ouais. Donc. 2 points, oui, c'est ça. Donc là, nouveau protocole pour le Nécron. Hein? Je sais pas si on entend les joueurs en plus, de toute façon, Franck. Est-ce qu'on entend les joueurs ou on nous entend que nous? On entend que les joueurs. Donc changement de protocole pour le Nécron qui est passé. Je vais vous dire ça, attendez. Comme ça, je suis à plus de portée avec. Quand je tire là-dessus. Plus 3 à ses portées. Voilà. Il a ajouté plus 3 aux portées de ses personnages. Alors, ça veut dire que de base, il a déjà plus 3 parce qu'il est méfrite. Non, ça c'est armes. Là, c'est, il va augmenter les portées d'aura de ses personnages. Ah, la portée d'aura de ses personnages, ça. D'accord. Et Willy Bone sera à plus 3 pouces. D'accord. Ce qui est pas. Ce qui est intéressant. Donc ça veut dire que là, son roi qui est placé un petit peu central, il va pouvoir donner un peu à tout le monde. Ouais, c'est ça, exactement. D'accord. Un bon placement de son roi pour. Bah, bien centré. Et puis je pense pas que le TS ait envie d'aller forcément se chatouiller au roi. Parce non, que pour le coup. Peut-être l'abîmer à la BM avant de. Peut-être avant de l'attaquer. Ouais. Je pense que c'est mieux. Parce que là, du coup, là, qu'est-ce qui va faire le TS? Alors. Je pense qu'il va devoir s'exposer un peu. Il va devoir. Je pense qu'on va être obligé de s'exposer. Je peux pas changer les dates. Et puis, il arrive là. Même avec vous, après derrière. C'est qui dit ça? C'est. Non, personne. Là, c'est toi. Donc là, on est toujours en phase de mouvement. Hop. Donc alors on va passer derrière le TS, voir ce qu'il fait un peu. Ouais. Alors phase de coup pour le. Non, phase de coup pour le. Donc là, il augmente la force de ses armes, si j'ai bien entendu. Ouais. Ça va être la phase de psy, on va voir. Je pense que la phase de psy risque de. De durer. C'est la phase où c'est un peu plus long, hein, de toute façon. C'est un peu la phase du TS. Hein. Là, pour le coup, c'est un petit peu la phase de. Exactement. De TS. Je pense qu'on va remettre les joueurs pour qu'il explique ce qu'il fait. Vas-y, Franck, tu peux remettre les joueurs. C'est à vous, les gars. Ouais, alors du coup, globalement, là, je me suis fait engager au corps à corps, reprendre l'objectif ici. Le but, ça va être un peu de dégager tout ce qu'il y a là. Donc, dégager, idéalement, les avions, un peu la barge. Reprendre l'objectif. Il y a aussi là-bas des petits trucs à gérer. Et du coup, il faut que je réfléchisse encore exactement où est-ce que je vais TP, que ce soit avec le cristal ou avec mon sort de Tench. Et j'ai aussi potentiellement 5 flammeurs qui peuvent arriver, il faut que je vois où est-ce que je les mets. Ta barge là-bas, t'es encore écrantée ou pas? Elle est écrantée par les locusts, ouais. D'accord. Mais pas si c'est la plus près, quoi. Ouais. T'as combien de PV avec la barge? 9. On du 6, mais je suis en transhuman permanente et je peux passer en 4+, 1 vue pour un CP. D'accord. Donc 9, en stat, je te ferai 11 blesses, ça suffira pas à la tuer. Donc ça me paraît pas très intéressant. DR, elle bouge de 12. Ouais. De 12, on arriverait là. Donc si je suis au bout de l'objo ici, je pense que je me démarrais pour que tu aies une charge à 9. En vrai, tu aurais eux qui sont encore vivants. Ok. Alors, est-ce que je crame maintenant le cristal? C'est un peu ça la question. Dans quelle mesure est-ce que je peux me foutre sans que tu me vois après? L'autre question, ça aussi. Alors, à 30 pouces, si je booste ma portée. Ouais, je suis allé jusqu'à là. Normalement, je peux mettre un pack ici, je vais venir tabasser ça, être un peu loin de charge du roi. Bouger de 8, ouais, si je suis là, il faut un 19, si tu ne traverserais pas ça, voire plus. Okay. Très bien, donc j'ai juste besoin de ça en face psy. 8 points de cavale là, enfin 7, 8 ici. Ok, bah, je pense que ça me paraît pas mal. Les 3 flammeurs là, ils vont arriver. On va essayer d'aller cramer du bronze. Je vais faire 12 si jamais, si j'ai envie de charger après. Mmh. Hop. 12 ici. Alors attends, je pose la question aussi, c'est pas plus intéressant d'aller sur l'objet. Non, c'est pas vraiment visible.
Est-ce que là j'arrive à porter 8-2e? Je pense que oui. Peut-être pas avec le dernier. Bah, je sais pas. En étant. Bah, de toute façon, c'était pas compliqué. J'étais à 24, c'était le dernier. Le premier, il était là. Le premier, c'est bon. Ouais, c'est le troisième, ça me paraît. Ouais, troisième, je pense pas. Non, ouais. D'accord. Donc, t'en as deux, deux. Ok. Ça. Je vois bien plus d'un pouce de toi, excuse-moi. Tac. Ok, donc potentiellement, ça en ferait ça en plus. Qui doit voir aussi la catacombe, comment on va. Enfin, la catacombe. La Ghost Ark. La Ghost Ark. Sachant que si j'en ai deux, c'est peut-être pas si intéressant que ça. Ah, bah d'ailleurs, j'ai oublié de tirer avec la Ghost. Je sais pas si vous voyez encore comme j'avais enlevé le mec. Lui je pense qu'il voyait tout le monde. Tu veux le faire? Je sais pas, c'est peut-être plus tard. Ouais. Bon, bah, si ça te dérange pas, on sait jamais si je t'en tue un quoi. Vas-y. Checker si t'arrives à voir où tu vois le socle. De quoi les. Ouais, des mecs, je les voyais large. Hop. C'est du 3+. Et c'est du 4+. Si important, c'est ça, parce que ça sera PA-3. Okay. Les autres PA-2, tu t'en fous. Ah non, ça c'est PA-2, donc tu feras sur 3+, et ça sur 4+. Un 3. Un mort. Ouais, un mort. Ce n'est pas une grosse différence, mais bon. Je vais pas me plaindre. Bon, bah, du coup, eux, ils pourraient venir là, mais après, j'ai peut-être pas besoin d'aller aussi loin. Si je veux essayer de planquer un petit peu, la 12 de là suffirait. Donc pour le coup, j'aurais juste fait ça. Oui, pas de soucis. Vas-y. Se rapprocher comme ça, ouais. Et surtout que ça me permet de mettre tous les... Attends, j'enlève sur... Tu peux comme ça? Non, c'est bon, c'est bon. Ok. Attends, bon. Ouais, là, ça me paraît compliqué. Si tu viens là, t'en aurais peut-être, mais même pas sûr. Ok. Ensuite, les 5 flammeurs qui sont en fait. Peut-être pas arriver tout de suite. Ceux là-bas. Hello, Nagar Matthew. Je vais advance avec... Welcome. Le B. Je vais advance avec mes rubriques. Si je bouge pas d'abord avec les flammeurs, c'est peut-être... Il faudrait lever une bannière quand même, idéalement. C'est Franck qui est avec vous. J'ai mis mon son. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. N'hésitez pas à commenter un peu dans le chat, les gars, pour savoir qu'on ait un retour sur ce live. Celui en PV qui est devant. Tu prends à 12, ça? Ouais, j'en mets 2 à 12, pas le 3-2, j'en ai plus de marge. Ok. Donc, de toute façon, ça fera une charge à 6 dans tous les cas. À 5 pour moi, tout ça. Sans vie. Exactement. Je pense pas, mais. Je déclare que j'ai vu une bannière ici. D'accord, mais dans ces cas-là, tu peux pas tirer, il faudra que tu choisisses. Je verrai, c'est ça. Je verrai. Advance avec le pack de rubriques. 6. Ils sont rapides comme éclair, les. Avec 12, je passe pas. Je pense que peut-être la première rangée, mais je suis même pas sûr. Non. Non, je pense pas que tu passes. Non, ça, mais je reste juste devant. Hop. Bon, bah écoutez, ça me fait plaisir si tout va bien pour vous. Live de qualité, merci Julien. Vous voyez que Robin s'arrache depuis tout à l'heure pour nous faire des caméras reportage, reporter de guerre au milieu de la bataille. Tu fly et que ouais. Hein? Tu bougeras de 8. Ouais, je vole, ouais. Je vole de 9. Un grand merci à lui. 9, tu prends d'avoir combien dans le décor? Je le mets au-dessus, hein, oublie pas. Comme ça. Mais au-dessus, ouais, tu prends. Je crois que pour moi, on aura 2 qui voient peut-être. Peut-être 3. Ouais, 3, je pense. On aura 3 qui voient. Qui voit, ça me paraît honnête. Ok. Les 5 flammeurs, on va encore temporiser un tour, je pense. C'est ça qui va faire ça. Killboom, pour l'instant, c'est la demi-finale. La finale se déroulera techniquement à partir de 17h. Et eux ici, c'est fait. Ok. Et bah, je pense qu'on va pouvoir passer en face ici. Ouais. Je revérifie une dernière fois que j'ai rien oublié, mais je pense pas avoir oublié quelque chose. J'ai donc toujours 16 points de cabale. De toute façon, je regarde, mais je crois qu'il n'y a que lui que j'ai à 18 et 24. C'est ça, lui, je m'étais dit. Ah, lui, toi, j'ai pas regardé. Là, t'as avancé, tu veux te reculer? Ouais, j'ai juste sorcier. Juste recule le sorcier. Et très belle question, Julien. On vous fait un petit récap. En fait, que je peux deny dans tous les cas. On vous fait un petit récap de certaines listes, enfin, certaines parties. À la prochaine phase de mouvement. Je vais juste cramer un CP, souvent encore en phase de mouvement. Je fais quelques dégâts, là. Je vais cramer un CP pour téléporter à la place de bouger. D'accord. C'est un héros de challenge, hein, c'est pas ouais. Donc le héros il va se taper là. Pour se mettre à 18. Hop, histoire de pouvoir mettre des BM. Parce que là à 18 j'en ai encore
beaucoup apporté. Alors ceux qui, sont encore en liste, c'est donc on a ici un short des Est-ce que je peux me mettre en porte de Zig, Guilou et Salizia. Donc ça ferait là. Et j'oublie certainement quelqu'un. Non, là, c'est ça. Champion 18. Ouais, mais que du premier. Ouais, donc faut vraiment que tu commences par lui si tu veux. Ou alors j'accepte, t'as qu'un seul deny. J'ai deny reroll plus deny 4+. Mais c'est 18 le deny Le 18 le 4+. Donc je vais juste mettre à plus de 18, parce que ça met trop loin. Et va revenir. Donc là, voilà. Okay. Oui, tu te mets juste à plus de 18 pour c'est pas ça. Avoir le deny, le super phase deny. Phase de psy, je vais commencer en début de phase psychique par changer leur sort à eux. Ok. Eux, ils vont changer de sort. Tu as un CP. Je passe à 2 CP, ouais. Et ils vont jeter Warframe. Ça passe, donc ils peuvent rebouger. Ok. Ouais, parce que ici on parle de demi-finale, mais bien sûr, c'est pas sous ce format-là que le tournoi est dessiné. Mais c'est ceux qui sont en lice pour la finale, tout du moins. Voilà, plus précisément. Je vais venir là. Plus de 1 du mur de là. Ici je peux pas trop, c'est chiant. Je te remercie, on est juste sous un gros chauffage, on est bien. Je te remercie. Ça fait trop près, donc, je mets à plus de 1 du mur de partout. De toute façon, je serai à peu près. Mais... Ok. Et je me mets de manière à avoir le sorcier qui voit cela. Ok. Je suis bien plus de 24. Ouais. Je vais cramer un spé supplémentaire pour refaire un sort. Ok. Du coup, le bâton vert, il a Gaze of Hate où je jette un smite. Je jette un smite. 6 et un 7, ça passe. Tu prends 2 BM, 3 BM, ils sont bas. Je peux les... Tac. Du coup, j'aurais pas besoin d'annuler mon action. Ok, ensuite. Ensuite, on va faire ça. Ouais, ça c'est pas mal. Je vais ensuite avec. On va commencer par lui faire les BM. J'ai fait faire... ça pour t'aider de. Oui. Parce que ceux-là, on les voit, on les voit mieux. Donc 6, 6 et 4. Ouais. Je vais commencer par faire le portail. Donc c'est à 18 pouces, les unités à 3 pouces. Donc il y aura ces deux-là qui pourront. Des 3 mortels, ça passe. Et 3 si je fais un 12. Ça passe pas. D'accord. Et ensuite, je fais un sort qui fait des BM ciblés. Donc, c'est sur du 5+, je le fais sur tes guerriers. Ouais. Ça passe. Je vais faire 9D sur un 5+, tu prends une BM. Dès que t'as un mort, tu reprends une BM. Ouais, je vais essayer de le deny, celui-là. Ouais. Ça passe. Bon, vas-y. Et là, t'es pas 18, 3, hein, ouais. 6 et 9. Tu prends 4 plus 3, 7 BM. C'est le maximum, 4, en fait. Non, c'est le... Ah bah, le 3 BM, ouais. Tac, tac, tac... 7, ça fait ça. Ok. Ensuite, celui-là, ils vont corrompre l'objet. Ouais. Parce que là-bas, je peux pas, j'ai déjà fait. Comment? Faut que tu lances les dés là-bas. Oui, ils sont là. Choix production de l'objet. Ça marche, donc je remarque 3 points. D'accord. Ensuite, donc là, j'ai terminé ici, ici, là-bas. Il me reste maintenant tout ce bordel-là et ici. Ouais. On va commencer là par les buffs. Je vais donner plus un hit avec Ariman au pack de Terminator qui a devant. Ça passe. Je vais donner 4 plus 1 vue au pack de Terminator qui a devant. Ça passe. Donc ils ont plus un hit, 4 plus 1 vue. C'est où ? Présage et T-Sort Destin, c'est ça ? Ouais. Donc ils ont tous les buffs. Ouais. Ensuite, mon Infernal Master va donner moins un hit au pack de Terminator. Ça passe. Donc ils ont plus un hit, moins 0. Ils ont plus quoi. Et c'est. Je sais plus où il est, mais t'as compris. Du coup, les buffs. Donc, ça, c'est fait. Mon exalté sorcereur, pour l'instant, il ne fait rien. Donc, peut-être que c'est avec lui que je peux faire ça. L'exalté de sorcereur, il va TP mon pack de Terminator. Ouais. Je vais cramer 7 points de cabane, donc il en restera 9, pour que ça passe automatiquement au minimum requis. Ok. Et là, maintenant, on va essayer de se mettre de manière à pas trop pouvoir se faire péter la gueule, ça passe à l'objectif. Et ensuite, les BM, là, il t'en reste 3. T'as encore pas mal de faire une super OP. Donc, idéalement, je vais devoir de manière à le voir. Là, je vois mieux. Tac. Tu vais le mettre peut-être en devant parce que bon, c'est lui qui va mourir. Hop. Hop.
j'ai les deux là encore. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, et le dernier qui est en dessous. Oh, c'est des choix à choper. C'est celui qui est là. Je te propose, je chope lui à la place de but, sur le bouche. Vas-y, vas-y, vas-y. Vous avez fait que je suis bien à plus de 9. Et ensuite, hop, je vais en mettre. Juste checker un peu des mesures pour éviter de prendre une grosse riposte derrière. Ok, donc là, pour me voir eux, le but c'est qu'en fait tu puisses pas voir comme ça. Donc eux, il faut qu'ils écalent encore un poil. Là, comme eux ils sont pas dans le décor, tu peux pas les voir. Ah si, à partir du moment où t'en as un dans le décor, tout le monde est dans le décor, mais c'est pas grave. Là, je les vois pas. Okay. Si, si, c'est pas par modèle. C'est pas modèle. Non. Je pensais que c'était pas modèle. Le roi, si tu voulais venir, tu serais à 18. Pour les lignes de vue, c'est comme ça. Très bien. Pour ton couvert, non. Oui, Sacha. Bah, autant le mettre là. Là, ce sera pareil. Là, tu pourrais pas venir ici. Donc, le roi, là, s'il veut venir, il est à plus de 19. Donc, c'est-à-dire, c'est une charge à 12. Je vais tenter. Je sais pas si ça vaut le risque. Je vais plus prendre le risque. Il faudrait peut-être que tu contournes. Donc, je suis même pas sûr que tu puisses charger. Ensuite, là, en termes de portée, avec 24, j'ai le premier, j'ai pas le deuxième. T'as cramé ton deny. J'ai pas cramé le 4 plus. Mais je suis à plus de 18. Ok. Il me reste du coup toujours 9 points de cabane. La petite escouade là, la corrompue. Mon escouade est permettant ici. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire l'action pour gagner un CP. Bah, 4, c'est ça passe. 4 points de cabane. Ouais. Ok. Moi, 5. Ça passe, donc je reviens CP, je passe à 2. Ouais. Et donc, globalement, il me reste cette escouade là et cette escouade là. Je vais commencer par eux qui vont mettre un smite là-dedans. Vas-y. Non. Eux, lui, du coup, il va mettre un smite là-dedans. Là. Ouais, pardon. 6, 1, 7, là ça passe, c'est le deuxième. Oui, vas-y. Je vais rajouter D3 avec des points de cabale, donc je jette 2 D3. C'est mort. Bon, bah, ok, hein. Ah, j'avoue, les 7 mortels m'ont fait trop mal, là. Ouais. Voilà, ça c'est 6, ouais. Ah, je pensais tanker un tour avec ça, mais... Ensuite, on va donc pouvoir passer en phase de tir. De toute façon, les 3 flammeurs, s'ils ont la barre, potentiellement... Non, t'en as 2 là, sur ça. 2 là, ouais. Mais aussi la barre, potentiellement. Ah oui. Non, c'est ça, sur le syringe. Non, j'ai même pas la barre. Tout à fait, parce que je suis pas dedans. Non, ça, t'es pas dedans. C'est vrai. Non, elle est pas au syringe. Ah oui, elle est trop petite. Elle est trop petite. Donc, ce qu'on va commencer par faire... T'as rendu 6, t'es pas transhumane avec ça. Avec ça, non. Ok, est-ce que je crame, j'ai force 5, plus un bless, ça fait que c'est assez large. J'ai 32 tirs, j'ai touché à 3, non, je vais quand même cramer. Tu restes 2 épées. Ouais, je sais. Ça, si j'essaye 32 tirs, je touche à 3. C'est 24, si je le crame pas, je te blesse à 5, ça en fait 8. 5 PV, les 10 tirs de Gatling qui ferait 7 touches, qui blesserait à 3, ça ferait 5, tu aurais une 6. Encore 4 PV, c'est un peu short, après il y a les flammeurs. Je vais pas cramer mes CP, mais je vais tout mettre dans le premier aveu. Là, celui-là, ok. Si je prends mes CP, je sépare. Puis moi, je suis en train d'hésiter un petit peu. Non, on va faire l'inverse. Je vais cramer mes CP, donc j'ai plus de CP. Ok. Enfin, vas-y. Je vais mettre les armes lourdes dans celui de derrière. Ouais. Et tout le reste, les bolters dans celui de devant. Ok. Et plus un power wound. Oui. Les 4 tirs de missiles. À 3 plus, du coup. Les touches. T'as sur le devant aussi. Derrière. Derrière. Non, j'ai les armes lourdes derrière. D'accord. T'as 2 blesses, du coup, parce que plus un wound. Ouais. Et à moins 2, ouais. Dégâts les 3. PA moins 2, donc je suis en 5 plus. C'est ça. Une seule. 2. Ok, il passe à 10. 4. 10. Les 10 tirs de Gatling. Vas-y. 5, 10. A 3 plus. J'en rate 4. J'ai force 7 parce que j'ai passé plus 1 en force sur eux, donc je te blesse à 2 plus. Ouais. Ça te fait 4 sauvegardes à 6, parce que PA moins 3. PA moins 5, 1 vue à 5, parce qu'il y a rien. Ah oui, putain, j'ai oublié. 3 points de vue. Donc il est à 7. Ouais. Et ensuite, j'ai 32 tirs de Voltaire sur le devant. 5, 5, 5, ça fait 15. Je vais faire en 2 fois 16, ça te va? Ouais, vas-y. 1, 3 plus, 4 plus. 4 plus. Mais de côté ici, comme ça, tu les reprends direct. Donc la première salve, ça t'en fait 6. Bah rien. Ok. Ok. Et bah je vais me battre. Et la deuxième salve. Les warriors sont morts vite, mais les autres ça tient. Ah bah putain ouais. Pas du tout sur le même, j'ai déjà dit. C'est pas fou les jets de blesse, ça t'en fait 4. Bah il va probablement survivre. Ah bah il va pas mourir là non.
3 PV. Donc il est à 9. Les 3 flammeurs du coup qui vont partir sur celui de devant. Ok. Ah, 11, 14, 14 et 9, 23. Ok. Donc 5, 10, 15, 20. Bon, attends, on va prendre 3D, 23. Oui, vas-y. A 5 plus. Oh, stat, il survit. Ah, bah là, oui, du coup. Ah, peut-être pas. 6. T'as combien de PV? 9. Ouais, je peux pas mourir. Oui, ça. Attends, je vais juste remplacer les deux verts comme ça par les deux. Okay. Donne-moi juste de normaux, ouais. Bah, vu que je peux pas mourir, je m'en fiche. 5 points de vie quand même. Il reste 4. Il reste 4. Puis on va tirer avec eux là-dedans. J'ai le pistolet flammeur du chef et 2 tirs de Voltaire. Vas-y. Le pistolet flammeur, 6 tirs. Ah, je te laisse à 6. Ah non, tu vas pas faire cette blague là. Je te laisse à 6. Hein. Ah oui, c'est un plat de force 3. Une. Save. Et 2 tirs de Voltaire. Enfin, une touche. Mais là, là-dedans. Ouais. Ok. Bon, bah, j'aurais vraiment pas du speed. Ça, c'était une grosse connerie. Oh. Je peux te charger. Avec eux, j'ai le droit. Pas de veine, c'est e-fly. Tu veux me charger? Je verrai. Je vais voir. C'était Tesla, c'est vrai que ça peut faire mal. Oui. Ici, à 1 pouce, je peux pas être de l'autre côté, ça m'intéresse pas vraiment du coup. Là-bas, j'ai rien. La question maintenant, c'est. Est-ce que je charge? Tu fais combien de tirs? 12? 10 tirs de Tesla, chaque 6 ouais, c'est. Ça, ça fait mal. 2 touches en plus. Ouais. Et les gros tirs, c'est 3 tirs. Mais après, je te tuerai pas. Ça t'empêchera même pas de. Ça empêche rien du tout sur un avion. Je peux me barrer. Ouais. Bon, bah tant pis. Hein. Écoute, fin de mon tour. Oh mais non, t'as pas eu besoin de tirer. J'ai pas besoin de tirer. Ok. Scoring. 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 La feuille. Il est juste en dessous caché. Je marque 2 points de tertiaire. 2 points de tertiaire. Ensuite, ça on verra plus tard. Mythic Landscape, j'ai refait 3. Je l'ai fait 6. Là-bas chez moi. Et bannière, je fais 1 au début de mon tour. Je fais 1 pour l'instant. Et t'as posé une ici. Bannière ici. À toi. Moi, je fais 4. J'ai pas de trick pour les prendre de points. Ok. Alors, le plus 1 pour toucher normal de lui qui va ici. Je passe à 6 CP, je passe à 1. Ouais. Et le, lui, il va mettre 2 plus 1 pour toucher, il va le mettre à la barge parce qu'il a 12 pouces de portée à ce tour-là. Et est-ce que je le mets sur les motos pour faire quelque chose? Les motos, elles peuvent avoir une ligne de vue ici. En bougeant de 16 à ce tour, avant que le roi y bouge. Ça peut être utile. Je t'enlève le couvert. Je te tire avec tout ça, lui il vient ici pour charger derrière. Je tue ça. Lui il part en mission suicide tout seul faire ça. Sinon il tire à 39 eux. Ou de 9. Tu peux venir m'aider juste pour ouais, la ligne de vue. Tu as la ligne de vue sur quoi? Prends un dé juste, hop en même temps. Sur les flammeurs. La ligne de vue sur les flammeurs, elle est plus encore, parce que t'es pas encore sur moi. Ouais. Je peux encore un peu. Un poil plus là-dedans, toujours. Pense. J'ai l'impression que tu tires encore un peu. Et voilà, ça prépare là-bas. Tu vois? Ok. Ouais, donc en fait, eux, avec leur arme qui dépasse, je devrais. Deux. Oh non, même les trois. Hein. Parce que le premier, il vient là. Ouais. Et les deuxièmes, en fait, ils sont à Ibouja 9. C'est le dernier. C'est le dernier où j'ai un doute, ça me paraît un peu loin. Mais t'as l'arme en fait. L'arme elle fait tout ça. Bah, je vais te montrer sur le premier. Ouais, si alors, si on va regarder sur le premier. Parce que le but ce serait potentiellement eux ils viennent ici en fait pour tirer sur les flammeurs parce qu'ils tirent à 39. Ah, oui, il y a le premier ça. Je vois pas ça. Ce n'est pas obscuring encore une fois. Ils sont trop petits. Ah oui, c'est ça. Donc je peux faire ça. Ouais. Potentiellement je peux faire les motos aussi qui viennent en tirer aussi dessus. Ouais. Lui il viendrait là pour aider et pour finir parce qu'il n'est pas mort. Et la question c'est qu'est-ce que je fais du reste, mais je pense que je vais veil hein, et je vais essayer d'aller à fond sur Tétor là-bas. Le roi il se mettrait par ici, tant pis pour essayer de. Avec les avions devant, pour essayer de t'abîmer. Et je me mettrais sur le point d'ailleurs avec le roi peut-être. Ou la Ghost Ark plutôt. Tac tac tac. Si je veil. T'es déjà en 4 plus 1 vue hein, avec tes. 4 plus 1 vue moins 1 hit. 4 plus 1 vue moins 1 hit, donc c'est-à-dire que ça sert à rien. Donc j'aurai la portée, ça c'est pas un problème, je suis à 27. Donc si je me TP ici, c'est bon.
T'as ton truc qui permet de faire le truc, mais moi je me mets à 27, je me mets plus loin de toi pour pas que tu puisses. Au pire, je vais faire exprès d'en mettre un ou deux. Si t'as envie de payer deux. Mais non, t'as pas... c'est pas 2 CP ? C'est 2 CP, ouais, ouais, tu peux pas le faire. Ok, donc pas de problème. Je me mets à 9 et je fais ça. Le roi. La question c'est est-ce que je me mets. Là, tu m'as dit que t'avais pris un angle comme ça. Hein. Ouais, c'était le but, c'est que son ARD que tu pouvais pas entre les deux. Je peux pas entre les deux, d'accord. Donc c'est. Il faudrait que je passe devant, mais je peux pas parce que j'ai pas assez de portée. C'est ça. Ok, donc dans ces cas-là, j'ai plus intérêt limite de venir ici pour donner la full reroll à eux. Et tirer sur ça. En fait. Les menhirs peut-être, mais peut-être pas le, les gros, les petits tirs de loin. Lui, il resterait là pour faire un blocus devant le roi et pour tirer un peu en se mettant à portée sur ça. Les avions, ils partiraient juste devant. Est-ce que alors déjà, ils vont gagner un point de vie. Je vais payer un CP pour qu'il soit full profil. Ouais, très bien. Ouais, j'aurais vraiment pas du speed. Et c'est parti. Alors, du coup, tu as été faire le tour des autres tables. Alors, dis-nous ce qui se passe sur les autres tables. Alors, on a plusieurs tables à regarder. On a notamment, évidemment, les autres demi-finalistes, Salesia et Guilou, qui sont donc Salesia en Arlequin Light et Guilou en TS Démon. Pour l'instant, ils étaient au T3, là, début T3. On est sur un score qui est quand même un petit peu à l'avantage de Guilou, ce qui est à peu près, qui pour l'instant est normal. Ils scorent quand même pas mal. Sachant que les secondaires sont bien Enemy Lines, Deadly Performance et Retrieve Nephilim Data pour Salesia et Wrath of Magnus, Sorcerer's Prowess et Mutate Landscape pour Guilou, ce qui veut dire que Guilou a moyen de scorer sans interaction avec l'adversaire deux de ses secondaires, alors, et à faire d'un coup beaucoup de scores sur son troisième en létalité, en contre-psy. D'accord. Voilà, donc... Au final, là pour l'instant c'est assez serré, même s'il y a clairement un petit avantage pour le TS Démon. D'accord. Et de l'accord des deux joueurs, de toute façon c'est un peu comme ça que ça se joue. Mm-hmm. Ça va vraiment se jouer à la skill, comme ils le disent, quoi. D'accord. Au talent. Sur une autre table, on a Zig, donc en League of Votan contre Vroom, qui est un joueur, tôt. Bon, la partie est plus ou moins déjà terminée, hein, malheureusement. Le joueur tôt a eu le T1, s'est mis en coyon, il a rebondi sur les forteresses. Les forteresses n'ont pas rebondi sur les Hammerhead et le reste. Bon, ça va. Voilà. D'accord, il lui reste plus grand chose, quoi, c'est ça. Là, les autres joueurs étaient en train de faire une pause parce que, d'un commun accord, les 3 heures n'allaient absolument, et je cite, pas être nécessaires. D'accord, donc c'est-à-dire que Zig, il a pris quoi comme objectif ? Alors, il a pris Bannière, les Ancestors Are Watching et les Claims. Donc, les Claims, ça lui permet de faire tout son scoring en fin de partie, donc bah, c'est parfait puisqu'il va avoir rasé son adversaire. Ça, c'est bon. Clairement. Les Bannières, c'est bon, il marque. Les Bannières, c'est bon. Et Ancestors, par contre, pareil. Ancestral, c'est quoi, bah, en fait, c'est il va avoir tout tué. C'est quand il tue, en fait, unité au close avec... C'est en fonction des tokens, il met des tokens, exactement. Donc là, il va le faire et il m'a dit, mon jeu maintenant, vu que j'ai l'avantage, c'est d'en tuer une au tir, une au corps à corps. Je vais en fait pas être dans la surlétalité juste pour me permettre de marquer mes points, quoi. C'est ça, oui, parce que même si l'autre, il marque des points aussi, en fait, il s'en fiche. Il aura son but, c'est de maximiser son scoring pour la place. Parce que là, c'est la place. Là, la place. Parce que les autres, de mémoire, Stig, malheureusement, n'est pas très haut en termes de goal average. Tout à fait. Donc il faut qu'il marque le maximum de points. Il faut qu'il marque le maximum de points et voilà. Ce qu'il faudrait, c'est que soit Salesia Guilou, soit LBS Ashorn se nulle un petit peu. Quoi. Se nulle un petit peu. Et l'un des deux se nulle pour pouvoir qu'il passe un petit peu entre les gouttes. Quoi. C'est ça. C'est... On a LOL aimé, donc là, LOL aimé, c'était assez, assez prudent des deux côtés. D'accord. La harpie est tombée, j'ai l'impression qu'une pas de forteresse n'est tombée encore. Mm-hmm. Quand je suis passé, le problème, c'est que c'est clairement l'avantage du Votan, on a vu sur ces tables pour l'instant. D'accord. Hein, les autres précédents match-up sur le tournoi le montrent. Ouais. Aimé était contre Zig le tour d'avant. En termes de scoring WTC, c'était un 12-8, donc une petite défaite, mais une défaite quand même. Ouais. Le problème, c'est que voilà, c'est dès que le Votan voit la moindre chose, Il la tue. Il le tue. Il le tue et... Et voilà, elle est sur une liste qui a quand même les outils pour pouvoir avoir la létalité nécessaire, mais ça reste compliqué. Au niveau des secondaires, LOL a pris nos prisonniers, assassinat et les claims. Donc, d'accord, ça lui permet, donc évidemment, il va viser le personnage qui est normal et la létalité pure, d'accord, et poser donc ses objectifs en fin de partie. De son côté, Mé a pris les bannières, Warp Ritual et Engage Battle Front. Qui, Elle joue tout seul et elle joue le maximum tout seul. Et elle fait son truc un peu sécure, elle pose ses bannières, elle va faire son rituel 3 tours. C'est ça. Elle s'éclate un petit peu sur la map et puis elle attend, quoi. Elle tient les objets et elle attend. Sachant que c'est LOL qui a eu le T1, mais de manière générale, donc ça lui permettra potentiellement d'avoir peut-être un peu de scoring sur la fin, mais de manière générale, elle est quand même.
elle est quand même dépendante un petit peu de la table et sur, du fait que la moindre forteresse qu'il voit... D'accord. Ah, est-ce que l'expérience dans le match précédent va lui être utile pour faire je crois la que, je crois que le problème, c'est que le Tyranide, il a pu les armes, et même avant, même en Léviathan, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'aurait pas les armes contre le Vautour. Alors, en Léviathan, non, il n'aurait pas les armes, puisque la transhumaine ne sert à rien contre les c'est tokens. C'est ça, c'est ça. Par contre, le Behemoth a l'avantage énorme d'avoir ce plus un bless. Et ce plus un bless permet du coup de contrer un petit peu cette endurance de 8 problématique des forteresses. Des forteresses, d'accord. Voilà, donc ça permet d'avoir une létalité par rapport aux autres flotruches qui est quand même au-dessus en termes de létalité pure au corps à corps. D'accord, ouais, parce ça, en voilà. plus, c'est parce qu'il a le plus un bless, mais parce que le Vautour en plus il empêche la reroll des blesses. Mais là, le plus un bless, c'est une mécanique qui s'en fiche. C'est bien. Voilà. Donc, c'est, donc pour le coup, et là, c'est le psy plus ce plus un bless qui est vraiment propre au Behemoth, hein, qui est la flotruche qu'elle joue. Donc voilà, à voir ça si ça fait la différence. Donc on verra. Donc ces trois tables-là, déjà, on a vu. On a Elgringo Quenzel. Donc là, on est sur un match plus ou moins miroir entre en Aeldari. D'accord. Swift Strike, si je dis pas de bêtises. Donc Elgringo a pris No Prisoner, Beyond Enemy Lines et Scout. C'est un objet avec les Rangers. Avec les Rangers, oui, voilà, ouais, tout à fait. Et Quenzel lui a pris Beyond Enemy Lines, Wrath of Cain et Warp Ritual. Wrath of Cain, donc c'est utiliser les guerriers aspects pour gagner. Pour tuer des au points, corps à corps ou au tir. Au tir. Et si on a fait les deux, on fait 4 points. Fait plus de points. Voilà. Ils étaient assez égales. De toute façon, dans un match miroir. Quenzel, hein. Il joue quoi? Il joue en Inari De mémoire, il joue en Inari et ça lui permet ça, quand même maintenant de prendre les objectifs Eldari. C'est ça, il peut prendre les objectifs à Eldari. D'accord. Donc voilà. On a Lucas qui est contre Bob l'éponge. Donc là, ils ont un match où, là pour l'instant, le scoring, ils ont vraiment pivoté la table, chacun de son côté. Ouais. Ils étaient donc on était sur du 14-19 à la fin du T2. 14 pour Lucas, 19 pour Bob. Bob, alors Lucas a pris Retrieve Nephilim Data, Engagement dans le Front et un terreau. D'accord. Donc, à mon avis, il va faire assez facilement les trois. Il n'y a pas vraiment de possibilité pour le Death Guard de l'empêcher. En revanche, Bob, après, il spread the sickness, donc là il va faire 9 points facile. Ouais. No Prisoner, donc là pareil, il devrait avoir une létalité suffisante pour faire correctement. Il a pris Despoil, The Ground, qui est un secondaire assez complexe en Death Guard, qui a 5 conditions différentes en fin de partie. Et en fonction de ces 5 conditions, on marque 3 points à chacune, et donc on fait 15 points, on fait entre 0 et 15. D'accord, mais faut rester en vie quoi. Mais il faut rester en vie. Voilà. Donc c'est un peu le truc quoi. Comme c'est une liste tyrannie de GSC, on n'est pas assuré d'avoir une létalité suffisante pour raser le Death Guard, hein, là. Le Death Guard est quand même très tranquille. Donc à voir, je repasserai. On a dit cette table, elle peut vraiment partir d'un côté aux autres. Moi, j'ai, en tout cas, personnellement, là, à l'heure maintenant, tout de suite, j'ai pas de lecture sur un clairement un bon. Alors je regarde un petit peu là avant qu'on fasse la table d'après s'il y a des. De Ben pour le prix d'un, oui. Ouais. De Ben pour le prix d'un. Enchanté, bonjour. Coucou, Johan. Oui, Balot, Ben. Il y a moyen d'avoir accès aux listes. Alors sur BCP, on peut avoir accès aux listes. Si vous êtes sur le Discord, ouais. Sur le Discord. Allez sur FCC, le Discord de Creative Wargame parce Discord que vous ne pourrez pas les voir si vous n'avez pas de compte payant et que vous n'êtes pas joueur du tournoi. C'est ça. Donc voilà, allez sur le Discord de Creative Wargame, il y a un channel dédié à ça, avec les listes postées par Tourop sur un document et Google Doc, vous aurez tout. Je crois que sur BCP, même si tu n'as pas de compte, par contre tu peux avoir les résultats. Ah, il y a les résultats, mais pas les listes. Oui. Mais du coup, vous pourrez, si vous voulez regarder en fait des listes qui vous intéressent, les résultats, voir quelle liste a performé, contre qui, et comme ça après vous pourrez regarder ce que c'est comme liste. Bon, c'est un petit peu de travail de recherche, mais comme ça vous pouvez voir ça. Hello tout le monde, alors comment ça se passe? Bah très bien Poulki Starter, ça se passe très bien. En UKTC, Linari ne peut pas prendre des objets à su, mais Hugo est en Swift Strike. Ah d'accord, donc il est en Swift Strike aussi. Linari. En UKTC, Linari ne peut pas prendre les objets, donc contrairement de l'ETC. Ok, my bad. D'accord, donc il est en Swift Strike, donc en fait ils sont vraiment en miroir dans ce cas-là. Ah donc ils sont vraiment en miroir. Ouais. Bon, bah on verra lequel des deux est le meilleur. Voilà, bon, sachant que là, si je dis pas de bêtises, c'est Quentel qui a eu le T1. D'accord. Mais je ne sais pas si c'est un avantage dans ce match-up, pour être honnête. Non. À minima, avec Behind Enemy Lines, ça permet d'avoir un petit peu un edge, mais bon. Mais c'est vrai qu'à un moment de la méta, c'était avantageux d'avoir le T1 pour pouvoir faire de l'Alpha Strike. Aujourd'hui, il y a très peu d'armées qui font ça. Il n'y a plus d'armée qui tire sans ligne de but, sauf l'Astra qui revient un petit peu avec ses mortiers, mais ça va. Et du coup, le fait d'avoir le T2, je trouve devient plus d'être deuxième joueur est plus intéressant ça va par rapport au secondaire, par rapport à beaucoup de choses.
c'est plus intéressant de ne pas avoir de terrain, quoi. Alors ça va dépendre de la liste. Est-ce qu'elle est focalisée sur l'attrition ou pas? Si elle est focalisée sur l'attrition, et notamment les aircraft, hein, on voit les multiples listes Necron avec les avions, même les taux, qui font une létalité très forte, en fait, dès le T1. Ça leur permet quand même d'assurer une létalité qui tue indirectement le scoring adverse dès le début. C'est ça. Donc avoir le T1 est quand même un avantage, surtout dans ces listes où, quand elles sont en miroir, bah, le T1 est en fait pas synonyme de victoire. Mais, bah, c'est gamble, donc c'est T1 qui... Bah, de toute façon, c'est voilà. D'avoir le T1 ou de ne pas l'avoir. Voilà, c'est quand on a de quoi se cacher. Après, ce que me disait quelqu'un, alors je ne sais plus qui c'est qui me disait, un joueur Votan de DFLP, hein, qui disait ça ce matin, il disait, contrairement au WTC, si on est une méta, une armée avec que de l'infanterie sur ces layouts-là, eh bien, on peut avoir tout caché. Alors qu'au WTC, il y a toujours moyen, en déplaçant de sa ligne, d'avoir une petite ligne de vue sur un côté ou autre. Ouais. Là, c'est très complexe d'avoir la moindre ligne de vue sur tout ce qui est full infanterie. Et du coup... C'est intéressant comme remarque, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose moi, que j'ai spécialement analysé, mais ça permet à des armées, justement, typiquement l'Eldari, etc., d'avoir une protection qu'elle n'a pas forcément en WTC, à part ces fameuses volières qu'on voit toujours avec le 9 par 5, avec tout le monde dedans. Mais là, on a un 9 par 9, avec 3 étages cachés, parce que le 4e étage peut encore être utilisé, mais on est visible. Ouais. On a 2 décors qui sont beaucoup plus grand, et même celui qui ne fait que 4 pouces de haut, bah, cache pas les grosses figurines, mais cache parfaitement l'infanterie. Les petites, tout à fait. Et c'est très focalisé sur la comment dire, si on le regarde, hein, de toute façon, on voit le layout, donc on le voit pas, mais on peut le voir sur la table. Ouais. Vous voyez que vous avez en bas à gauche, là, si vous regardez l'écran de la partie qui est streamée, vous voyez en bas à gauche la grosse 9x9, et vous avez 2 ruines 5x9 qui sont de 5 pouces de haut, donc occultantes. Et ensuite, il y a en plus une autre ruine où vous étiez quand même avec la possibilité de vous cacher. Donc ça veut dire 4 ruines dans sa zone de déploiement pour se cacher au niveau infanterie, c'est génial. Mais vraiment, à moins que l'adversaire en face ait une énorme mobilité, vous êtes caché énormément au T1 de la dernière adversaire. C'est surtout que quand on regarde ça, en fait, en fonction du déploiement qu'on fait, si on a des armées qui sont assez mobiles, par exemple qui bougent de 12 comme du Blood Angel ou des choses comme ça, avec des réacteurs, et bien en fait on peut aller de décor en décor, et si l'adversaire se met dans un décor, on est à portée, on fait 12. C'est ça. Charge, boum. Voilà, sachant boom, qu'il ne faut charge, pas oublier boom. Qu'en UKTC, on a en plus ce fameux trick de se mettre à 1,1 pouce de la ruine, ce qui empêche de charger de l'autre côté pour des figurines qui ont un socle autre que du 25. C'est ça, il n'y a que les socles de 25 qui peuvent passer. Donc à partir de là, vous obligez l'adversaire non seulement à venir chez vous pour vous voir, mais en plus de ça, vous l'obligez à faire le tour pour vous charger. C'est ça. Donc les armées de corps à corps, qui ne sont pas rapides, donc pas en réacteur dorsaux, comme voilà, on va avoir un énorme défaut. Donc c'est pour ça que les Eldar sont d'autant plus intéressants et avantagés sur ce layout. Après, là on le voit, de toute façon, là, qu'est-ce qu'on a sur le... On a League of Votan, bon, qui tire très fort, on a du TS Démon, bah, le TS Démon, ça fait du psy, ça se TP, ça bouge partout. On a donc un écran qui a des avions. Et le Votan, il est fort au tir, mais il bouge aussi très bien. Mais il bouge très bien. La forteresse, elle peut faire 22 de mouvements avant de tirer. Les motos, ils font je sais plus combien. Je crois qu'il peut tirer qu'avec les assauts, hein, du coup, mais donc pas avec tous les tirs, mais ouais, il mais peut bouger de 22. Les motos bougent très vite également, enfin voilà. Ils ont move pré-game, move avec une advanced auto de 9 ou de 12, les motos, c'est de 12. Pire. Ça, c'est 12. La forteresse, c'est 9. Elles peuvent faire de 24 avec le CP, oui, tout à fait. Et elles sont obsèques. Non, mais tout va bien. Et bah, après, voilà, on avait des démons, mais voilà, on a quand même beaucoup d'Eldar ou d'armées rapides dans ce top de tournoi. Oui, donc c'est la rapidité et le tir. La rapidité et le fait de pouvoir tirer. Par exemple, les Necrons, c'est bête, mais ils ont le Veil, alors combiné avec un gros pack de locustes. Il y a plusieurs listes, même si elles ne sont pas là, que je ne les ai pas citées, il y a quand même plusieurs listes qui sont à peut-être une seule défaite, qui sont Necrons, et qu'elles ont tous en commun. Elles ont ou des avions, ou bien des avions, mais un pack de locustes avec le Veil of Darkness. Ouais. Et ça permet d'avoir une létalité folle sur quelque chose de planqué. Voilà. Écoutez, je pense que je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont au niveau des joueurs, là, s'ils ont repris. Ouais, ils lancent des dés, à mon avis, ils sont en train de faire une phase. Ouais. On va peut-être revenir. Du coup, on va juste finir les deux petites tables. Donc, il y a Sven et Modjet. Sven et Modjet. Donc là, on est sur Sven, n'est pas en CK, en Chaos Knight, il est en Arlequin. Donc, il a pris des 10 performances, Beyond Enemy Lines et Assassinate. Ouais. Il avait un avantage, là, sur la table. Il joue contre un Empereur Shedron. D'accord. Qui a pris The Long War, Assassinate et Dark God, donc qui est un objectif spécifique qu'on voit pas souvent, qui est un objectif spécifique CSM, qui lui permet, c'est un peu un Nephilim Data CSM. D'accord. Faut faire dans chaque quart de table, faut faire une prière au dieu noir. Une petite prière au dieu noir et machin, et on est content. Et on est content. C'est ça. Bah là, Sven, il a un avantage sur lui, c'est de bouger très vite. Voilà, il bouge très vite, mais l'Empereur Shedron ignore les malus, du moins 1. Donc il y a toujours la règle light qui s'applique s'il est en light.
excusez-moi, je ne sais plus. L'an prochain, Ignore les Malus, il a un contre naturel au Troop Master qui vient sniper les persos, puisqu'il peut mettre en fight last et comme il fight first, et que, mine de rien, la moindre perso CSM tape fort, ouais. Eh bien, il peut se faire laver avant même d'avoir tapé. Ouais. Donc c'est pas forcément il y a match. Après il y a la qualité du joueur, je ne connais pas Mojet, donc je ne sais pas, mais s'il est là, bon, Sven a apparemment eu deux défaites pour l'instant, donc voilà, on est sur du milieu de tableau, mais n'empêche que y a priori, si l'autre joueur est là, c'est qu'il a qualité équivalente. Hein. C'est ça. Après, pour la petite confidence, il faut savoir que Sven est venu avec les Arlequins, il a fait zéro partie avec sa liste, il n'a pas joué avec les Arlequins avant de venir. Il n'a fait aucune game en Arlequin depuis qu'il joue avec CCK là, donc il a fait, je crois, il m'a dit 125 parties avec CCK, et là il vient de passer aux Arly, il a fait zéro game avant de venir ce week-end. Arlequin, on sait tous que c'est très facile à jouer. Il aime beaucoup le challenge. Donc je pense qu'on est bon. On est bon, moi je vais aller faire un petit tour. On rebascule sur les joueurs, ils ont fini leur. Ça marche. Allez, donc je c'est fais parti. Un petit tour et je viens vous dire et comment ça avance le reste. Tout à fait. A plus, reporter de l'extrême. Merci bien. Ah oui, petite, attends, c'est bon, c'est déjà passé ou pas sur les joueurs. C'est déjà passé ? On voit pas encore ? Ouais, alors non, juste, attends, parce que j'ai un petit message que m'a demandé de dire Salizia. Salizia a mis le col roulé avec lequel il a gagné le LGT. D'accord, voilà. Ah, ça commence les superstitions alors. Voilà. Allez, c'est parti. Là, je serais PA-1, potentiellement PA-2, il y a recouvert. De toute façon, t'es pas à couvert. Enfin, je veux dire, ça sert à rien de les tuer en fait. Donc on va faire ça, les trois gros tirs sur eux. Ok. Les Tesla sur ça. Très bien. Les trois gros tirs, donc c'est à 4+, puisque j'ai pas de plus 1 cette fois-ci. Une seule, touche. À 2, une invue. À 4, allez. Un autre mort. Les Tesla. Sur tes flammeurs, c'est à 3+, par contre, j'ai pas de moins 1 là. Ah, c'est fini, y'a pas de 6. Non, bon ça va. Pas du temps. Et 2. Ah, je vais finir un petit point de vie. Même un autre point de vie. Tac. Donc il n'y en a plus que deux flammeurs avec deux points de vie. Ok. Je vais. Avant de faire celui-là, je vais aller de l'autre côté. On va faire un peu les autres combats. Ok. Parce que ici ça a l'air pas mal. Ah bah pour ici moi. Ça s'est plutôt bien passé, ouais. C'est ça. Donc on avait dit, eux, de toute façon il faut que je commence par eux parce que c'est eux qui ont le moins de lignes de vue. Ouais. Parce que eux de toute façon ils pourront tirer sur ça au besoin. Donc c'est pas un problème. Là j'ai 30 tirs potentiels. Je vais faire les trois, donc on avait dit il y en avait un qui était voyait et deux devant, ok. Ouais. T'as la portée, je sais pas combien tu tires. 39. Oh oui, ça va. ça va. Un et deux devant. Je vais pas faire de strat avec eux parce qu'on va tirer nature peinture. Ok. Donc celui sur les flammeurs, ça fera 5 tirs. Ah bon. 2 plus quoi, hein. 2 plus, ça, eux qui l'ont. C'est eux qui ont le buff. Eux, la barre et eux. C'est ça. Je vais faire de ton côté. Force 7, t'as 3 saves. 3 saves, bah 3 hein, toujours. Ah, c'est dans les flammeurs, ouais. Oui, c'est les flammeurs. C'est bon. Ok, les 6 des 3 tirs sur les autres. Ah, c'est fini, hein, j'ai eu toute ma chance là-bas. Franchement, choisir. 2. Bah c'est bon. Et à 3. Bah, de toute façon, là, je vais rien de faire sur ça. Hein. Et moi, j'ai de la 2. Ouais. Rien du tout. Ok, donc eux, ils ont tiré dans le vent pour l'instant. Bah écoute, eux on va venir les 3 qui pouvaient tirer là-dedans et les 2 sur les autres. Par contre je vais payer un CP pour que les 6 pour blesser fassent des mortels. Ah ils l'ont aussi eux ça ? C'est toute l'armée qui peut tirer qui ont ça. Avec 3 max c'est ça ? C'est 3 max ouais. Donc je vais d'abord évidemment tirer sur les flammeurs. Voilà logique. Comme ça les mortels si j'en fais c'est sur eux d'abord. Jusqu'à là rien de choquant. Donc déjà les 18 tirs. 4+ parce que j'ai advance. Et ouais, tout à fait. Et force 5, c'est du 3+. Donc t'as une BM. Et 5 et 6 sauvegardes. Ça fait 3 PV. Je sais pas si on va récupérer des PV. J'aime bien tes 6. Donc un mort. Et lui qui perd 2 PV. Ok, donc il t'en reste 4 points de vie, c'est ça au total. Ok. Et je peux encore faire 2 BM puisque je n'ai fait que une. Et donc les 2 autres sur les autres. À 4. Pas monté, non. Ouais, bizarrement, là, c'est. Je te dis, il y a eu un truc qui s'est passé. Ah, bah là, c'était assez magique, ouais. Pas de BM, bah non. Voilà. Hein, c'était pas de plus. Je savais que ce strat, c'est nul. Ok. Lui, il va tirer, il va faire tous ses tirs sur les. Okay. Sur les rubriques. Ouais. Les 4 tirs de Tesla. Allez, les 6. C'est l'inverse. A3.
Alors par contre, ça c'est du PA, enfin c'est ton invu. C'est PA-4 là. Moins 4, oui. Et sans couvert. Un mort. Un mort et des gosses. Bah pareil, un PA-. PA-5. Ok, bon, c'est, franchement, je fais. J'aurais préféré faire ça là-bas, mais. Ouais, moi je fais ce que je peux, mais ça veut pas. Hein. Bon, ça va. Allez, je t'ai fait un mort avec ta 3 unités de tir. Les IK, j'en enlève 2 avec oui, ça. Oui, bah ça va. Le dernier avion. Ouais. The Winner. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, le petit dernier avion? Est-ce qu'il finit à abîmer tout ça? Bon, les flammeurs, on s'en fiche, ils vont être bloqués. Donc c'est pas trop grave. Est-ce que je peux finir en entamer encore ça? Comme ça, je suis tranquille, il y a un pack fini. Et je teste là, ça, à la limite, pour finir. Celui-là, c'est quoi la différence? Ouais, c'est que je te touche à 3+, et je te blesse à 2, et t'as une 5+, un vu, quoi. Quand même sympathique. On va faire ça, je vais faire 3 tirs sur ceux-là, okay. Et je vais faire tous les tests là-bas. Très bien. Est-ce que ça vaut? Dans les flammeurs, je me dis? Ouais. Ok. Quand même, si je pouvais t'en buter un, ça me met bien, quoi. Ah ouais, non, parce que là, il reste le sergent et les deux armes longues. Oui. Ouais, bah je vais tirer mes 3 tirs là-dessus. 4 plus. 4-21, j'ai gagné. une invue. J'ai bien réussi à les invues sur les gros tirs, j'en ai pas encore réussi. Bon, toujours pas. C'est ton pack qui est maudit, je pense. Ah, mais fait, vraiment. C'est vrai que sur les saves, eux, ils ont pas été bons. Mauvais. Ouais. Mauvais. Les autres, oui. Mais eux, non. Eux, non. Les Tesla sur les flammeurs, je touche à 3. J'ai 3-6, ça fait 6 dés en plus. Plus. Ah, les flammeurs, pardon. C'est pas, oui, c'est pas moi. C'est pas mal, ouais. Force 7, à 3. 3 plus. C'est bon, bien. Ah, mais c'est l'un ou l'autre. Hein. À 3. 3 points de vie, bah écoute, c'est bien. Voilà, ça se finira à coup de tête. Bam. Elle tape au club. Surtout qu'il touche à 5, hein. Attention. Ça touche à 5, wow. Avec le plus 1. C'est vrai. Eh oui. Ok, et eh ben on va faire les charges. Ouais. La charge. Vas-y. Oh, ça marche. Je pense que je suis dedans. La question c'est, est-ce que je laisse la place pour charger avec eux? Non, je vais juste justement bien bloquer le chemin et tout le tralala avec lui. Et je vais te socler ici. Et là-bas, je vais charger bon, les rubriques seulement en fait parce que... Ouais, attention, j'arrive. Fallait faire un carnage sur le terrain. Je vais charger les rubriques, comme ça je ferai le pile-in sur les flammeurs pour pas me prendre l'overwatch. Quoi. Ça devrait le faire. Marche. Donc je vais me mettre ici. Hop, et je ferai le pile-in juste. Ouais, bien, donc je le fais maintenant, comme ça c'est fait. J'ai pas de CB pour interrompre, tu peux commencer où tu veux. De toute façon. je connais pas la puissance des flammeurs. De toute façon, là je peux pas te reprendre le point, c'est juste pour te taguer. Je vais faire là-bas puisque c'est très rapide. Les 5 plus. Eh, attends, je vais les lancer un par un parce que je peux te le tuer en fait. Non. Est-ce que ça vaut un PC reroll? Non, vas-y. Eh ben, il te restera un point de vie. T'auras pas un moral d'ailleurs, en fait. Si, pendant 8. Et t'en as perdu 3. Non, 2. Je sais pas. Ok. C'était pas 5? Ah non, c'était. Si, c'est 5, mais tu m'en as tué 2 ou 3 avant. C'est, je l'ai tué un peu avant, ouais. C'est ça. Les 5 attaques sur les Marines, ici. Ouais. Tout qui touche. Facile. 4 blesses. PA. PA moins 2, dommage 2. Ah, 4 plus. Un mort. Un mort. J'ai le droit de riposter. Cette fera, ouais, ça en a fait 2 en moins, ouais. C'est ça. Un mort. Et voilà. Non, je suis pas trop mal. Je vais même se concéder pour l'état. Les 3 attaques du chef, parce que lui, il est puissant. Vas-y. Enfin, il est puissant. Pas tant que ça. Loupé. Un transhuman. Ouais. Les 2 attaques, les 4 attaques de mec derrière. Voilà. Les 6 attaques de flammeur. 7, c'est le chef. 7, parce que t'as la CF. Une save. Le PV de la honte? Non. Et là-bas? Et là-bas, 3 puissantes attaques. 4. 4. 3 touches. Oh, 2 saves. Et ben un petit PV de la honte. Facile. Ouais, faut que j'aille chercher les dés. On s'est trop enlevé de vie. J'ai l'impression de faire du parcours, moi. Ouais. Bon, tu m'as quand même bien entamé. La riposte, elle va devoir être vénère, là. Ouais, t'es pas obligé, tu sais, hein. On peut s'arranger.
Mais c'est vrai que lui, en fait, il est important. Hein. Petit pépère, finalement, il est pas trop mal. Ah bah là, il va t'embêter, là. Ouais. Bah, j'espère que ça va t'embêter, ce que j'ai ah fait. Ah bah, un petit peu, quand même. Hein. Alors, hop, j'ai ramené un peu de quoi mettre des points de vie. Donc lui, tu m'as enlevé un point de vie, donc il a 13. Ouais, bon. Il y a encore un peu de marche, quand même. Un petit peu. Voilà, voilà. Fin de mon tour, on va faire les points. Donc je contrôle quand même ce point-là. Sur ta liste de mémoire, c'était écrit 12 points de véhicule. Ils sont où les 12 points déjà? Il vaut 5. Ah oui, c'est vrai. Et ouais. Et il est où le stylo? Le stylo, il est disparu. Merci beaucoup. Regarde, il est là le stylo. Tiens, tu l'as trouvé? C'est bon. Donc je refais 2 points de tertiaire parce que ouais. On prend le point là-bas. Je fais 13 euros Faéon à 2 encore parce que je tiens le point là-bas. Et quart à 2. Et le quart à 2 encore parce qu'il est pas mort là-bas. Ah là-bas ah il bah, est... tu vois le reroll en fait Ouais peut-être Et toi tu fais 8 à nouveau. Ouais. Et protocole, donc lui il va prendre encore ignore cover à mi-portée. Ok. Et je reprends à nouveau le 3 pouces en aura. Très bien. Parce que c'est le deuxième en fait. Question, est-ce que tu as des désengagés tirés? Non. J'aurais pu le prendre là, mais je ne l'ai pas fait. Ok. Déjà que normalement rien ne peut étaguer ça. Je vois pas trop, mais si en fait c'est avec des charges et là je passe là et je... Ah là tu passes pas, la figurine passe pas. Non, c'est. J'ai pas le droit de passer en dessous? Non. C'est dans la règle T'as pas le droit, en fait c'est considéré comme une figurine comme, en comme une brique? Ouais. T'as pas le droit de mettre une figurine en dessous d'ailleurs. Okay. Toi, même moi en tant qu'allié, tu vois. Ouais. Bah, il y a juste par là si je fais un très beau jet de charge. Quoi. C'est ça. Il faut avoir un jet de charge à combien? Si on regarde, même en comptant potentiellement un double move ou carré comme ça, 10 en gros, j'arrive dans le coin là. Ouais. Globalement, il faudrait que ça change que je n'ai que 2. Ouais, il faudrait vraiment que je fasse déjà. Est-ce que c'est possible déjà? Un pouce là, 2 pouces là. Ouais. Là, t'en as que 2? J'en ai que 2, ouais. Ah ouais, oui. C'est compliqué aussi. Je sais pas si c'est possible. Mais... un là, je trouve que le plus facile c'est faire ça comme ça. Ouais, mais en étant à 2, je pense que t'es à plus d'un pouce de lui. Non, c'est plus but là. Je suis à pile à pouce. Hein. Attends, tu sais quoi, regarde. Hop, juste à la réglette, ça va être encore plus simple. Hein. Oui, c'est ça. Parfait. On va mettre un pouce de lui déjà. Ouais. Ok. Ouais. Ensuite, à 2 pouces de lui. Ouais, ça en était bon, j'avais un peu plus de marge. Et enfin là je suis moins en plus. Ok. Donc là, bon, faut j'arrive ici. Ça sera la position finale. Sachant que même en comptant un double move, avec 10, en gros je peux arriver dans le coin là. Non parce que là tu seras à portée d'engagement ici. Ok, donc faut juste là, je peux arriver derrière le mur. Bah oui, donc ça va être long. Ouais, du coup derrière le mur, globalement, il faut que la figurine la plus proche soit elle à la fin. Ouais. Mais sans passer à portée d'engagement. Hein. Il faut pas d'intervention aussi. Non mais c'est juste que tu seras la figurine la plus proche sûrement. Ouais, donc effectivement ça je pense que ça marche pas. Donc globalement effectivement je peux pas aller cliquer, par contre je peux cliquer ça. Ouais. Et ça suffirait parce que je suis. Et pour info, j'aurais pu prendre fallback tir. Ouais, je sais, mais c'était pour ça que je posais la question sur la même. C'est parce que pour moi, tu pouvais pas. Donc... non, mais sinon, je peux pas. Tu ne peux pas. Du coup, je peux mettre des super OP parce que là, t'as combien de figurines? T'as trop de figurines. J'ai 4 figurines. Ouais, du coup, j'ai pas le choix. Si je mets pas de super OP, tu gardes l'objet. Ouais. Donc, bon, bah, eux, ils vont partir en opération suicide. Hein. Alors, par contre, pour être sur l'objet, tu vas devoir être là. Oui, donc, oui, mais est-ce que je serais pas en portée? Non, non, mais regarde, je vais me mettre là et à la console, je vais venir là. D'accord, ok. Ça fait encore un tour, quête. Phase de co. Phase de commandement. Je vais donner plus 1 à la force des armes de ce pack-là. Enfin, je vais essayer en tout cas. Ça fonctionne pas. Ok. Là, ils ont que force 4. Bah, c'est 2 CP tous les deux. 2 CP tous les deux. Ensuite, est-ce que je crame le cristal? Là, pour l'instant, j'ai perdu 2 points de cabale. Je suis à 14. Là, ici, il bouge plus. Là, je pourrais venir à une TP à 9 pouces. Ça ferait là. Est-ce que là, je suis à 30? Ouais, ça me paraît un peu short, mais à moins que ça passe. Et derrière, du coup, là-bas au plus loin, tu fais 10 plus 24, 27. Ouais. 37 pouces. Ouais, ça fait quand même. Sauf le gros, il tire à ouais, mais le, 10 plus 39. Je prends que le gros, ça me va. Donc là, je pourrais peut-être venir pour tuer ça. Peut-être même que tu tues ça. D'ailleurs, bannière. Je marque 2 points de bannière. Ouais. Les 2 points de bannière.
Là, on va corrompre l'objet, donc eux, ils peuvent pas désengager. Donc lui, globalement, faut que je te le tue au psy. Il reste combien de PV? Il est full. Il est full. Il est full, il est full. Le psy, tout seul, ça va être un peu dur. Peut-être avoir un peu d'aide. Ok, donc faut que je tue ça aussi. Sinon, j'ai 5 flammeurs aussi qui arrivent. J'ai les flammeurs à 9 ici, lui, il me fait chier un peu. Ça va faire là. En gros, je devrais être là. Et là, je suis en pleine ligne de vue de ton mec là-bas. Les flammeurs vont probablement tomber pour tuer l'avion. En disant ça, ouais, c'est pas grave. Ok. Je fais 6 pour mes flammeurs, probablement les 5 flammeurs. Merde. Heureusement, c'est du métal, c'est solide. Je peux avoir un mec, s'il te plaît? Merci. Parce que du coup, à 12 ici, ça fait là, et là, je pense que je suis visible. Ouais, en gros, si je veux pouvoir te tirer dessus, j'ai l'impression que c'est un peu chiant. Parce que pour tirer dessus, c'est-à-dire que mon avant doit être là. Et je sais pas à quel point je peux être caché en étant là. C'est un peu ça ma question. Si je me mets là, là, en quelle mesure tu pourrais me voir avec eux? C'est eux que je veux éviter. Eux avec 10, sachant que la barge, on pourrait être dégagé. J'aurais 9 avec eux. Comment? De 9, potentiellement. 9, on aurait 1. Je pense qu'on aurait 2. N'oubliez pas que je peux monter sur les étages. Est-ce que là, t'arrives à voir les des étages? Avec l'arme? Ouais, donc, ça, c'est une bonne idée. C'est-à-dire qu'eux, ils ont aucun intérêt à venir là, parce que sinon, ils vont mourir. Et après, le seul truc, c'est la portée. Du coup, ça fait 27 et 9. Ouais. 27 et 9, ça fait 36. Donc, ouais. Moi, tu ne pourrais pas apporter. Ok. Ok. Donc, en fait, je peux venir là et je risque de prendre les tirs du roi. Et ça me paraît être à peu près tout. Donc, lui au psy. Lui, on le tue au flammeur. Je vais se mettre à plus de 37. Plus de 36, pardon. Plus de 36. Donc, ça, on le tue comme ça. Ça, on le tue comme ça. Là-bas, on va essayer d'aller aider un petit peu. Là, je me mets bien à 12 au max. Ça fait là. Très bien. Ici, on peut faire 3 là, voir ça. Ok. Donc, phase de co. Non, non, t'as oublié de bouger, c'est terminé, je crois. Phase de co. En fait, là, je les ai pas encore passés, j'ai encore. D'accord. Ça, c'est pour regarder pour la fin de la phase. Ok. Je veux voir est-ce que je passe en cristal, en gros, et TP. Je pense pas que ce soit forcément le tour où j'en ai besoin, donc non. Après, là-bas, si je peux te les tuer sans risquer grand-chose, en fait. Hein, puisque eux, à 36, en vrai, ils pourraient être au même endroit. Et si je TP en étant là, dans cet alignement-là, je peux voir tes trucs. Ok. Donc je vais utiliser le cristal et TP avec mes... T'es thermi? Mes thermis. On va fermer le cristal ce tour-là, de toute façon, il faut qu'il bouge. Donc eux, ils arriveront à la fin de la phase. Je ne peux pas les bouger. Les trois là, je vais bouger les autres. Soit ils sont à la fin de la phase, ils bougent, mais voilà, ils sont plus là. Je vais advance avec mon sorcier exalté. Attends, je fais ça là-dedans. 4. Ça fait du coup 16. Tu peux me dire où est-ce qu'il est? C'est lequel? Enfin, c'est lequel bâton qui est tendu? C'est lequel bâton? Bâton tendu. Là. Ok. Et bah, ça va sur la portée du coup pour mettre les sorts. Et 18, ça met où? 18 de ta commande barge, ça met là. Et du coup, je pourrais être à moins de 3. Ok, donc on va faire ça. Hop. Tac. Là, je te vois, je suis à moins de 3. Ouais. Donc ça, on va tuer ça au psy. Eux, ils ont TP, ils arriveront à la fin de la phase. Et du coup, là, j'ai 5 autres PV à faire au psy. J'arrive pas à les chercher, je vais en jouer. Bah, bouge tes persos devant, c'est pas grave. Bah, oui, mais... Lui, du coup, il va je vais advance avec lui. 5, il va juste venir là, se poser derrière. Tout le temps, il va venir là. T'as plus de manière de les avoir, ceux là, tu peux plus TP ni rien. Non, je peux pas TP. Ok. Harry Man, du coup, il va rester là. Il va voir qu'il se casse. Le perso démon, je vais advance avec lui. Ouais. Je vais arriver un jour. Pour les viewers. 2, 8. Mettre. Bon. Je peux voir. Merci.
Avec 8, j'arrive là. T'arrives à 3 pouces des deux ? Bah, eux, ils ont pas encore bougé. Ah, ils ont bougé, ouais. Donc, eux, tu vois, ils vont se mettre là. Ok. À 3. Et comme il y aura le chaos spawn, ce sera pas l'unité la plus proche. Sauf s'il meurt. Oui, il faut arriver à tuer le chaos spawn, sachant qu'il y aura les deux terminators là aussi. Est-ce que t'as moyen avec le roi, peut-être ? Alors, le roi, il peut bouger de 9, c'est ça ? Le chaos spawn, il est contre le mur, par contre, je peux le charger. Lui. Oui, je sais. Non, mais le but, c'est que tu puisses pas l'avoir lui au tir. Ok. 8, ça donne là. Bah, il va mourir avec eux, je pense. Non, mais t'achètes, mais en fait, je regarde, avec, ici, avec 8, en fait, le plus proche, ça restera toujours les terminators, qui seront ici et là. Je pense, c'est ce qu'il faut que je regarde, en fait. Parce que quand il y a ton socle, tu seras par là, et du coup, oui. D'accord. Voilà. Ok. S'il meurt, je pourrais tirer dessus, ok. Oui, si t'arrives à tuer et les terminators et le spawn, ouais. Normalement, et voilà, t'auras. Ok. Ouais. Le spawn, il va essayer de se cacher pour sa vie. Ce sera peut-être pas suffisant, mais au moins il aura essayé. Est-ce que je suis mieux caché là ou je suis mieux caché là? Je pense que ça change rien. Là, tu te décales, alors que là, tu t'avances. Ouais, donc tu le verras en plus. Je vais la donner avec le spawn, on va voir ça donne. 6. Si je suis mieux caché là, je peux aller chez 13. Je suis pas sûr qu'en gros, je puisse être mieux caché en fait. Ouais, ça me c'est pas obscuring, oublie pas. Hein. Oui, je sais, mais c'est pas décalé, donc globalement, si tu veux me voir, il faut plutôt que ce soit par là. Mais si t'es par là, du coup, tu vas en même temps les Terminators, alors que si je te mets caché là, il faut que tu sois là. Ouais, c'est bon, putain, il va rester là. Ok. Voilà. Tu pourras le charger, y'a pas de problème. Eux, ils vont pas trop bouger. Eux, ils sont là pour tuer lui. Lui, il a bougé, je suis à 3. Ouais. Là-bas, je le désengage pas. J'ai les Terminators qui arrivent en fin de phase de mouvement, et deux persos qui ont fait. Ok. Et là, les deux, oui, ça, je vais me mettre de manière à pas voir ta barge. Je peux me mettre de manière à pas avoir ta barge. Ouais. Là, je la vois pas, donc je vois que le roi. Pour commencer à l'entamer, on sait jamais. Et le flammeur, ça a intérêt qu'il va s'engager aucun. Donc, on va désengager le flammeur. Et il va venir là. T'as pas d'engagement, t'as pas d'héroïque? Non, c'est que le roi qui est héroïque. Voilà. Ok, alors, phase du coup de psy. J'ai 14 points de cabale. Avant la bastille, vous arrivez, excuse-moi. Ouais. Le but, c'est d'avoir ceux là-bas à 30 en étant à plus de 36 des autres là-bas. Oui, t'as loupé le plus d'un force, c'est ça? J'ai pas le plus d'un force, okay. Force 4. Force 4, d'accord. Hop. Tu veux que je te donne l'angle de vue? Ouais, je veux bien, c'est bien. En vrai, c'est chaud, mais... Il y en avait un qui était un peu chaud, ouais. C'est chaud patate. Ouais, c'était dehors, l'angle était chaud. Hein. En dessous, je peux me mettre dedans, je m'en fiche. Oui, mais c'est pas ça, c'est l'angle de vue, il est comme ça. Ouais, c'était ça. Ok. En fait, genre les armes qui vont t'aligner comme ça. Oui, mais là, c'est obscuring, donc. Mais si je suis dedans. Ah, il faut que tu sois dedans avec toi. Ou alors, non, mais juste comme ça, tu vois. Et tu peux mais, oui, mais regarde, là, en fait, ce que je veux te dire, c'est que là, pour moi, tu passes pas derrière. C'est que ceux qui sont dans la ruine qui voient. Tous ceux qui sont derrière, là. Ouais, bah, c'est bon. Bah, avec l'arme. Oui, mais c'est obscuring. Donc le premier, d'accord. Oui. Mais après, si tu me mets derrière. Ok, et si je les mets devant. Je te regarde en fait à 36 de toi, tes mecs. À 36 30, oui, pour 27 et 9. Ouais. Donc là, je suis large, je peux pas m'avoir. Donc je peux pas mettre même d'être plus devant. Et tu peux même te mettre à l'étage. Hein. Non, mais ça, je peux éviter quand même d'être trop visible. Hop, donc je vais faire tac, je vais mettre devant cette pile en fait. Tu peux les mettre dessus d'ailleurs, ça les met à couvert. Hein. Non, mais je sais que la couvert sert à rien contre toi. D'accord. Enfin, si elle met une portée quoi. Enfin, mais... Oh, après ça change rien parce que le roi, si vous me tirez dessus, il me tire dessus. Tu peux pas, mets-toi là. Faut que, en fait, la ligne, c'est pas compliqué, c'est comme ça en fait. Tu prends cette ligne comme ça. Et à 30, ça fait où? Ah, à 30, tu dois avoir la portée, je pense, de loin. Hein. C'est de mettre deux devant, c'est ça. Hein. C'est l'unité. Hein. L'unité, c'est fait là. Oh, il est large. Bah non, au tir, c'est le modèle, mais. Non, bah, c'est que tu vois que tu dois tirer. Okay. Donc, apparemment, c'est celui-là. Oh, c'est bon. Donc là, on est bon. 3, okay. 6, 7, 8. Et non, mais 9. Encore une fois, c'est ceux qui sont là, tu vois pas là. Faut que tu les mettes comme ça. Et c'est là où je... Bah, en fait, regarde, la ligne de vue, c'est ça, d'accord? Sauf que là, t'es dans la ruine, là. Donc c'est obscuring. C'est le modèle entier, hein. Enfin, c'est la base aussi, hein. Oui, mais... Bah, tu vois, pour moi, elle est là, en fait. Ça se joue au détail, mais j'ai l'impression que ça passe, quand même, non? En fait, si la base, c'est tout ça, c'est obscuring, pour moi, tu peux pas. Mais bon, c'est pas grave, vas-y, vas-y. Pour moi, c'est... Mais mets-toi en ligne, c'est bon. Et du coup, là, c'est bon. Faut juste que je passe ce sort pour monter à partir. À 30, mais bon, pas. Oui, parce que sinon, à 24, on a deux. Ça, okay.
J'ai pas le choix. Ok, on va donc pouvoir passer en phase de psy. Phase de psy. Le plus important, c'est probablement aller tuer la catacombe commande barge là-bas. Donc, bah, on va commencer par le sorcier exalté qui met Doombot là-bas dedans. Pour 3 BM. Bon, 5 et un 6, ça passe. Ok. Ensuite, je vais mettre un smite. Critique. Normal. Ça va. T'as combien de PV ? 4, 5 maintenant. 5 enfin, il me reste 6 avant que tu fasses le smite. Ensuite, Zinch Firestorm. Jette à 3 dépens, excuse-moi, c'est le, avec ma relique. Ça passe, mais pas en critique. Donc 9 dés sur du 6, sur prends BM. Tu prends qu'un dé ? Non ? Oui. Rien. 0. Et du coup, bah, j'aurais tué ceux là-bas. C'est pas très grave. Donc tu m'as fait 4 points de vie, il reste 5. Non, je te fais... Ah oui, ça. T'as fait une, un double et un... Je vais faire un smite avec les rubriques. Ouais. Attends, non, c'est quelle couleur les rubriques là-bas ? Le bâton ? C'est le vert, non ? Vert, ouais. Ouais, ça, je vais faire Gaze of Hate. Ça passe, donc jette 3D sur les 4 plus sur une BM. Ouais. 3 BM. Je vais cramer 4 points de cavale pour acheter des 3. Il est mort. Je vais cramer un CP. Tout va bien. Est-ce que t'exploses ? Non. Je vais cramer un CP, je fais une action psy. Et je vais corrompre l'objet. Quoique aussi, je ne pourrais pas le faire après. Pour l'instant, je l'ai fait ici et là. Voilà. Ça fait là et là, ouais. Ouais, ça au cœur, là, je le ferai le tour d'après. De toute façon, je le ferai jamais à 12. Enfin, je le ferai jamais à 15. C'est une par tour, donc là, j'en ai pas besoin. On va garder mes CP. Donc là, j'ai terminé avec eux. Eux, ils vont booster leur portée. Ça passe. C'est où ? Vision Périen. Maintenant, il faut que je bute ça. Je vais faire mon sorcier démon qui va faire ses BM ciblés là-dedans. Sort ciblable. Ça passe, donc 9D sur un 5+, sur une BM. 6, 7, 8, 9. Tu prends 2 BM. Ok. Ça se prend, BM. Ensuite, il va faire son sort qui fait des BM explosifs. Donc bah, sur lui, ça se proche. 8, ça passe, tu prends 2, 3 BM. 2 BM. Toujours, je sais pas, son 4 points de cabale. Ouais. J'ai Ahriman ensuite qui va faire un smite là-dedans, faut que ça passe, mais c'est peut-être pas le prioritaire. Pour l'instant, les smites, j'en ai fait un. Enfin, pourquoi t'as dépensé 4 points de cabale des cabales ? Pour acheter les 3 BM là-bas. Ah oui, d'accord. Lui, au pire, il rushera le sort démon. Je vais regagner un point de cabale, il y aura vraiment intéressant. Tu t'as oublié un thermi ? Ils sont pas neufs là ? Ils sont que 9. Ah, mais non, si, ils sont que 9, ouais, c'est là. Je veux bien tricher, hein, mais ça va se voir. Smite. Reroll sur Ahriman. Ça passe à 8. Ce, je crame un PC pour te mettre. C'est le deuxième. J'ai quoi encore ? J'ai encore lui potentiellement. Non, je vais te mettre des 3. Bon, 3. Combien de PV, les monsieur, là ? 6 et 4. Si j'explose ? Non. Ahriman, si je n'ai plus un hit au pile de Terminator. Reroll sur Ahriman. Ça passe. Faut le louper. Il loupe jamais les sorts, les TS, c'est bizarre. Et ensuite, il va donner 4 plus 1 vue au pack de. Non. Si, celui-là, tu pourras pas leur tirer dessus. Lui, de toute façon, rien. Au pack de Terminator. Ça passe. En plus, il y a rien besoin de ligne de vue d'ailleurs sur les buffs non, des TS. Les buffs, ils n'ont pas besoin. Ouais, ouais. C'est Tisseur de Destin. Tous les termes, alors. Ouais. Ok. Ensuite, il me reste ceux-là, et franchement, j'aurais terminé globalement. Est-ce que je préfère regagner un CP ou alors te mettre des BM ? Eux, ils peuvent. T'as combien de points de vie ? 6 ? Oui. Eux, ils vont mettre un smite là-dedans. C'est le troisième, ça ? Ouais. Ça a loupé. Ça passe pas. Et eux, ils vont mettre un smite là-dedans. 8. 7 et un 8, ça passe. Ça passe. Tu peux pas mettre 19. Oui, je peux deny, oui. C'est, il me reste juste le sort de... Je crois qu'attends, il me reste que... Il me reste plus c'est fini, c'est dernier, oui, c'est fini, ouais. C'est deny. J'aurais dû jouer à je savais que j'étais un meilleur psychien. Fin de mon tour. Enfin, fin de mon tour, non. D'accord, ok, alors à moi. Je vais faire tirer les 5 flammeurs là-dessus. Vas-y. Pas fou. 9... C'est pas mal, hein, stats. 15, 17, 32, non, pile la stat. 5... Fais vraiment 16 10, et puis fais 2x2. Ouais, 13, 16.
sur 5. Ça en fait. Alors, j'allais dire je vais le lancer tout de suite parce que je vais tous mourir, mais. Ça en fait 4. 3. La 4, bah retiens-les et refais tout. Je fais jet de merde et ça en fait 5 là. Donc 9. 9 au total. Et moi aussi je fais ça. T'as des tirs après ou pas hein? Bah j'ai Terminator. Ouais mais si tu dois tirer là-dessus ça me va. Mmh. À 5, 4 PV. Ouais ouais non mais... C'est mort. Non mais j'ai 6 PV. Ah bon je vous bon. Allez. 1 PV. Je vais faire tirer les rubriques là-dedans. Il veut pas mourir. 8, les tirs de Walter. À 4. À 5. T'as une blesse, deux blesses. Et après j'ai le cheval ouais, chef, t'es mort. Je vais auto-explose. D'accord. Parce que t'as tout à portée en fait. De 6, ouais. C'est 6, c'est ça? Ouais. Ok. Donc c'est... sur Harryman. C'est combien, c'est D3 ou D6? C'est D3. Oh, ça oui, non. ça va. D3. 3 sur Harryman. Sur l'Infernal. 3 sur l'Infernal. Ah, il n'y a plus envie de prendre de péril là. Ah ouais. Les rubriques. 2, donc il y a un mort. Et sur le machin là, 3. Okay, ah ouais. Elle était efficace. L'explosion auto, elle est pas mal. Il a fait autant que ses dégâts au tir. Ouais. J'avais hésité à faire péter le premier, mais. Ouais, je comprends. Bah, t'as bien fait de faire péter le deuxième apparemment. Bah, il était mieux placé. Ouais. Donc lui, il reste un PV. Et un PV aussi. Un PV. Ah, t'as fait que les 3. Non, t'as fait sauf deux. Sauf eux, ouais, je vais deux. Ça va m'aider pour la suite. Non, c'est possible. Ensuite. Juste des petits pop shots, ça suit là. Moi. Globalement, j'ai des terminators qui vont tout mettre dans les motos. Ouais. Et si je crame. T'as moins un touche ou pas? T'as moins un touche de base moto. Et si je crame 2 CP, oui, je crame mes 2 CP. Ok, plus un wound. Ouais, parce que là, t'es force 4, donc sinon ça ferait 5 plus pour blesser. Ouais. Alors, du coup, je vais commencer par. T'as 2 PV, donc la. J'ai 2 PV. Ouais. À 3 plus. 2 plus. T'as une blesse de missile. À 5 plus un vœu. D3. T'as un PV. La Gatling. T'en as des points de vie partout, j'ai allé rechercher des dés. Force 6, donc à 2 plus. T'as 4 en vue. C'est la Gatling, ça. Oula, je ne fais rien du tout. Donc il y a 2 morts et 1 PV. 2 morts et 1 PV. Et après, j'ai du coup 32 tirs de Voltaire. 5, 10, 15, 20. Je vais faire 2 fois 16. À 3. Et relâche. C'est le temps de s'exalter. À 4, ça en fait 3, et la vague d'après 5, 4. Donc 3. T'en as. Oui, c'est bon, il me reste 4, donc vu qu'il y a 20 dés, c'est bon. Oula, il est mieux celui-là. Ouais, après, faut blesser. Là, à 4 plus, j'en ai fait 3 quand même. Hein. Je veux bien la même. C'est pas encore terrible, mais il y a moins. 5 de plus, donc 5 8. Et 3, 8. Et il me reste 5 points de vie. T'as perdu, non, t'as perdu. J'ai 2 morts et 1 point de vie. C'est 10 points de vie le pack. C'est de la 5. Donc 8, et il me reste 5 points de vie, donc je vais en jeter 4 déjà. 3, donc je passe 2 PV. Ouais, bon. Ouais, bon. Ok. Ça c'est wipe. Les Terminators, ils vont tout mettre dans le roi. Hop. Donc, les 4 tirs de Voltaire, 3 touches, 2 blesses dans le roi, ouais. Avec les Voltaire. Voilà. Les missiles. Rien. Rien. Et la Gatling. Genre là tout. Oui, non, c'est bon. En 17 de 4 plus. Ok. La force 6, ça manque. Ça, j'ai demandé. Que 2 alors. Un point de vie. Bon, s'en fout. Je vais pas le mettre. Hein. Si tu. Non. Ah non, tu vas pas me charger lui. Tu vas pas me charger lui. Non, j'ai pas très envie. Phase de charge, les Terminators sur la barge. 7, donc là, on va faire ça. Là, lui vient là, et on conso, j'en ai là. Ok. Bah, close, conso. Vas-y. Je sais pas si j'arrive à passer en dessous, je pense que oui. En mettant là. Je le rejoins. Oui. Je sais même pas si j'ai envie. Non, j'ai pas envie de le faire. Est-ce que j'ai envie d'avoir le chef rien, là mais oui. Ou si je pars en chose. Ouais. Ok. Et bah, j'ai quand même mes attaques sur lui. Vas-y. Les 3 attaques de mon bonhomme, et j'ai les 3 attaques du chef. Le chef, c'est en bleu. À 3 plus. C'est probablement à jour. Oui, c'est à jour. Les bleus, on va le remplir avec sa fin. Les bleus à 4, les jaunes à 5. Les bleus à 4, les jaunes à 5. T'as une PA moins 1, dégâts 3. C'est bon. Ok.
voilà. Tu as 3 plus de base. Attends, je te tape dessus, moi. Ah oui, c'est vrai. Et Terminator. Et une. Ah, j'ai de la honte. Non. Ok, fin de mon tour. Donc, t'as repris un point, ça c'est comme d'hab, hein, ça change pas. 2 points. La feuille, s'il vous plaît. Le match, il a commencé d'ailleurs, non? Hein? Le match a commencé là, au de foot ou pas encore? Je sais pas. Donc, ça, tu fais 2 points, c'est sûr. Ouais. Mutated Monsky, je l'ai pas fait ce tour. Non, tu l'as pas fait, t'as dit que tu voulais pas le faire. C'est et ça, c'était quoi ça, déjà? Ça, c'est 5, c'est Bridge Down, j'ai tué 2 véhicules. T'as tué pour l'instant? 2 véhicules et une barge. Et la commande barge? Donc 5. Et bannière, c'est déjà mis. Ça. Début de ton tour? Ok, moi je refais 4 de toute façon. Ouais. Est-ce que j'ai un moyen de faire autrement? Non, il n'y a pas de tricherie possible. Pas que j'en vois. Bon, donc là, le but c'est de virer de ce quart de table là tout ça hein, et de commencer à faire mon score. Bon, là-bas, l'échec de la barge me coûte très cher. Hein, ouais. L'échec de tous ces tirs là, ça m'a coûté cher. Hein. Ouais, bon. Comme moi, ça m'a l'échec sur les avions. Hein. Ouais, bah, bon, c'est là pour le coup, je paye. Moi, le problème c'est que là, je peux plus revenir en fait, entre guillemets. Enfin, du coup, moi, je passe à 2 CP. Tu vas gratter. C'est déjà mis. On va prendre l'affiche. Ouais. On va laisser à jour. Vous faites les phases de mouvement? Ouais. Okay. On va passer en. Alors, comment je peux faire pour m'en sortir? Parce que là, je peux plus le reprendre pour l'instant, c'est pas une question. Je peux encore t'embêter pas mal quand même, parce qu'au final, là, je suis encore en aura à 12, donc eux, ils vont prendre les bonus. Là-bas, ils vont prendre l'invue, on sait jamais. D'ailleurs, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Fairing, Zenmoject. C'est table combien? On est sur nous? Ah, c'est bon, on est sur nous. Ah, bah, zut. C'est quelle table? Je ne sais plus. Sven. C'est Nicolas Botin. Non, c'est une Symmetide. Donc non, j'ai dû rater. Non? Bon. Non, ils ont pas fini. Ils ont peut-être fait faire une pause. Non, mais ils ont fait une pause. Alors, ok. Ouais. On est en live, on est sur Twitch, et on est toujours sur Creative Wargame, et on est toujours au FTC. C'est ça. Alors, du coup, là, la partie Ashorn LBS a bien avancé. Là, ils vont faire leur phase de mouvement. Donc, on va repasser sur un petit point sur les games. Ouais. Donc, dis-nous tout, Ben. Alors, ou Balo. Ben, bah, peu importe. Voilà. Donc, la partie LOL Aimé, elle est assez disputée, dans le sens où Aimé a un peu pris la table et a réussi à tomber une fortresse sur les deux. Il y a LOL qui a malheureusement quand même un des objectifs qui est de la fin de partie. Et elle commence à bien... À souffler, quoi. Elle a sorti beaucoup de choses. Et pour l'instant, elle mène au score de 30 à 21. Donc ils sont côté 3, hein, mais pour l'instant, d'accord. Elle a, d'après ma lecture de table, elle a un petit avantage. Peut-être finir en égalité, cette histoire. Peut-être finir en égalité, c'est peut-être, voilà. La partie Salizia-Guilou, c'est très très serré, ils sont 50 à 48. C'est vraiment, là, le moindre point compte. Ils se rendent coup pour coup, quoi. Ils se rendent coup pour coup, ils savent pas qui va gagner. Donc là, vraiment, c'est la partie la plus serrée, je pense, de toute la ronde. D'accord. À l'inverse, donc je sais pas si ça a été annoncé, mais bon, Zig contre Vroom, la partie est déjà terminée, c'est un score de 100 à 39. Bon, concrètement, il avait complètement rebondi, on le savait, on s'y attendait, mais voilà. Donc c'est plié. Ce qui, du coup, grâce aux 100 points, offre potentiellement une place en finale à Zig en fonction du score des autres finalistes. C'est ça, parce qu'il faudrait. Demi-finalistes, pardon. Alors, si on prend les scores, il faudrait que Salizia fasse plus de 50 points. Donc ça. Non, il les voilà. A déjà atteints, puisqu'il est déjà à 50 points. Il est déjà à 50 points. Donc. Thibaut Duhamel, du coup c'est le Linaric. Non, c'est qui? C'est Guilou. Ah oui, c'est Guilou qui est en face. Donc lui il a 349. Donc il faudrait qu'il fasse 50, 75, 76 points. C'est lui, hein, je pense. Ouais. 76 points pour battre les ouais. 425. Donc, même 76 77. Points, il était à 48. Et honnêtement, en TS Démon, 77 points, ça se fait. Ça se fait. Donc ça peut se faire. Il est sur un objectif. À mon avis, il y a peut-être. C'est sur le primaire qu'il va avoir des problèmes. Mm-hmm. Donc ça se fait, mais voilà. Grosso modo, Salizia lui a complètement éteint son primaire. C'est pour ça qu'il est aussi haut dans le scoring. Et si peu Guilou. D'accord. Après, on a du coup. Attends, c'était quoi? C'était. Alors après, sur d'autres parties, on est sur des parties qui ne vont pas des demi-finalistes. D'accord. Donc, enfin, même d'ailleurs, LOL et Aimé ne sont pas des demi-finalistes. Hein, ils ne peuvent pas prétendre mm-hmm. à la place en finale. Donc là, on a El Gringo, Quentel. On est sur du 26 pour El Gringo et 36 pour Quentel pour l'instant. Mais j'ai l'impression, vu de la table, que El Gringo a pris un avantage.
D'accord. Voilà. C'est, très honnêtement, j'ai du mal à lire cette table parce que c'est pas une armée que j'ai l'habitude de voir. C'est surtout, c'est la même armée. Donc c'est la même armée. J'ai du mal à savoir quelle figue est à qui. Qui est à qui. Voilà. Sachant que ça bouge partout, voilà. Mais j'ai l'impression, ne serait-ce que si je lis, on va dire ce qu'on appelle le body language, enfin excusez-moi, un peu ouais. racisme, mais la façon dont se tiennent les joueurs, je sens que Galgringo semble avoir un avantage. Bien qu'au score il soit mené, mais voilà, sachant que il y a un secondaire qui à mon avis va être compliqué, j'ai l'impression à faire pour Quentel qui est War Ritual. J'ai D'accord. l'impression qu'il pourra pas le faire plus que ce qu'il a déjà fait, je crois qu'il a fait 7. Et Wrath of Kane, il faut faire de la létalité. Et j'ai l'impression qu'il y a plus de figues d'Algringo que de figues ouais, de Wendt. Donc au bout d'un moment, il va plus tuer grand chose, et par contre, lui se faire tuer. Et bien l'ennemi line, il n'a mis que 2 points, il n'en a pas mis d'autres à son T2, donc ça veut dire qu'il n'a pas réussi à rester et à reprojeter, alors que Galgringo a commencé à mettre 4 points lui à son tour. D'accord. Donc voilà, pour moi, l'avantage de Galgringo. Lucas Bob, on est sur un 41 pour Lucas, 34 pour Bob. Grosso modo. Lucas a perdu toutes ses ressources de type GSC, il ne reste plus que les ressources tyrannides, D'accord. tout le psy. Bob a encore beaucoup de ressources. D'accord, donc ça peut donc, s'inverser d'un côté ou de l'autre. Le problème, c'est que le psy, on sait bien que la DG n'aime pas ça. Hein. D'accord. C'est clairement ce qui lui fait le plus mal. Là où on a un petit problème, c'est que ce qui reste, c'est 2 packs de zoanthropes et un malceptor. Donc c'est quand même du gros psy. Voilà. D'accord. C'est du gros psy qui tâche. Il y avait une autre partie que j'en avais pas parlé mais qui était un match-up intéressant qui était Necron-Démon, qui s'est terminé avec une victoire du démon. Voilà, c'était un match-up qui était intéressant. 94 à 87. Donc, gros avantage au début pour le Necron. C'est la partie en fait, de Willow et Fifi. Il se fait battre et il marque quand même 87 points. Mais il marque quand même 87 points alors qu'il se fait table rasée genre T4. C'est à la fin du T4 du démon qui joue en deuxième, il est table rasée. Et voilà. C'est de la folie. C'est de la folie. Bah, c'est le Necron. Et du coup, le démon, c'est la liste, je crois, où il y a Bellacor, Imbuveur et Scarbrand. Tout à fait. Donc Scarbrand qui a très très bien marché. Hein, avec, je ne vais pas donner les tricks du joueur, mais clairement, il a bien joué. Il a surpris son adversaire avec 2-3 tricks. Mais Scarbrand, très bonne unité dans certains match-up. Alors Scarbrand, il a du mal à se déplacer parce qu'il ne vole pas. Mais par contre, pour venir à côté de Bellacor avec la faible de Bellacor, la convergence soir, c'est très bien. Parce qu'en plus, je crois, si je dis pas de bêtises, que Scarbrand il a un socle rond. Alors que le buveur a un socle ovale. Tout à fait, il a un socle rond. Et pour placer le buveur, pas dans un décor, dans les 6 de Bellacor et à 6 de l'ennemi, c'est compliqué. Alors que le socle du Scarbrand passe beaucoup plus facilement. Il y a ça, il y a le fait que Scarbrand est immunisé au psy, ce qui va énormément chaîner le TS ou l'Eldar, qui compte sur la phase de psy quand même pour le tomber un peu. Le GK dans une moindre mesure. Et puis il empêche de désengager. Il empêche de désengager, mais surtout, il ignore les invus. Mais il tape comme un buveur. Allez, 3 plus 3. Donc je vous le donne Emile, hein, le roi silencieux il a pas aimé. Bref, donc voilà. Donc, voilà. La partie Sven Mojet, donc j'ai l'impression qu'elle est terminée, mais pas tout à fait. En tout cas les scores n'ont pas été rentrés. Il semblait avoir un avantage pour Sven quand je suis parti. Bon voilà, il n'y a pas pour l'instant pas grand chose à dire sur la partie. Et puis c'est tout. Hein, pour l'instant, c'est tout pour ça. Parce que voilà, Zig ça s'est terminé, Willowfus est terminé, il reste aussi ici une partie de Mine et Conrad qui était un Necron contre Votan. D'accord. Là pour le coup au niveau scoring on était avec un avantage pour le Necron, oh surprise. Mais le Votan a pris que des trucs qui se scorent en fin de partie, donc impossible de voir D'accord. tant qu'on n'aura pas tout vu. Donc là, on est sur le round 3 et c'est autour du Necron, d'accord. Oui, c'est le Necron qui joue en deuxième et il a son T3. Et il a son T3. Donc, au niveau de la mission, je ne sais pas si c'est le scoring qui a déjà été mis, mais en tout cas, il ne met pas beaucoup de primaires. Hein, il faut le rappeler, hein, la spécificité de la liste d'Ashord par rapport à tous les autres Necrons, c'est qu'il est méfrite. C'est-à-dire qu'il n'y a que les 5 immortels et les 10 warriors qui sont obsèques. Sur une liste, face à une liste TS, qui a les Terminator, donc 19 Terminator et je crois 15 rubriques qui eux sont obsèques, forcément. Donc en fait. Le scoring primaire, c'est pas déconnant. Donc ça veut dire que Alban, LBS, du coup, lui nulle son primaire quoi. Lui nulle son primaire en tout cas. Surtout, alors par contre, sur cette mission, ce qui est intéressant et en même temps ce qui permet de garder un peu de suspense, c'est que vous êtes sur une mission où si vous perdez le vous n'avez plus de CP, mais surtout si vous tenez l'objectif à votre tour dans la zone de l'adversaire, vous avez 4 points. Ces 4 points se cumulent aux 2 points qu'on a dans le No Man's Land. Donc ça veut dire que si on tient chez l'adversaire, en tertiaire, on fait 6 points par tour.
Donc si on arrive chez l'adversaire en face, on peut marquer facilement. On peut marquer facilement 12 points quoi. 12 points de plus. Parce que là la game, alors si on regarde, on voit il y a son roi silencieux du coup qui s'avance, qui est plutôt pas mal. Ouais. Sa barge avec ses nécrons et tout ça. Il est planqué dans sa ruine chez lui. Oui. Donc par contre, il a encore tous ses destros. Hein. Oui, il y a encore tous les destroyers. Les avions sont morts. Il y a encore un gros pack de Terminator. Mais il reste encore la barge. Il reste encore les deux menhirs. Alors, le roi silencieux, malheureusement, n'a pas de grosse létalité dès qu'on commence à avoir du moins un dommage. Donc, ouais. Je ne sais pas si il peut le faire sur ces Terminators-là actuellement. Mais il a. Là, je ne sais pas si les locustes ont déjà bougé ou pas. S'ils ont déjà bougé, malheureusement, ils ne vont pas avoir, je pense, la portée nécessaire pour tirer sur les Terminators. Ouais. Donc ça veut dire que ce qui est très bien joué, hein, de toute façon, le joueur TS doit jouer sur cette portée améliorée, puisqu'il peut tirer à 30 avec un sort, on le rappelle, ouais. Avec toutes ses armes, ce qui est quand même très 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 fort. Alors par contre, oui, mais les locustes en méfrite tirent non pas à 24, mais à 27 pouces. Donc, est-ce qu'il les a pas mis à 27? Est-ce que c'est pas pour ça qu'ils sont dans cette position-là? Je ne sais pas. On va vérifier sur la table. Ouais, parce que là, ça veut dire que au niveau des points, ils vont tous les deux marquer leurs points en fait. Ils vont continuer à marquer leurs points, marquer leurs points, marquer leurs points. Voilà, c'est ça. Et après, ça va être le winner des deux quoi. Parce que si Ashord gagne, vu qu'il a beaucoup de points, s'il gagne à 70-80, je pense que il est en finale. Ça va être difficile de qu'il soit en finale. Finaliste avec soit Salizia, soit Guilou. C'est ça, Salizia ou Guilou qui sont clairement sont tous les deux assez hauts et qui, voilà. Et par contre, si c'est LBS qui gagne, lui, ouais. Il faut qu'il marque 95, plus de 95, donc 96 points. 96 points, donc ça fait beaucoup. Pour aller en finale. Ce qui veut dire qu'on aurait, je pense qu'on peut dire de manière assez certaine que ou bien Salizia ou bien Guilou vont être en finale. Ouais. Et donc, après, derrière, si Alban gagne et fait beaucoup de points, c'est Alban. Donc LBS, pardon. Si Ashord si gagne, c'est Ashord. Et si jamais Alban gagne 100 mètres de Zig. Points, c'est Zig qui, grâce à son gros score, donc se place. Rien n'est fait encore à ce moment. Ce qui est intéressant. Ok. Bon, je pense qu'on va pouvoir repartir sur les joueurs là qui ont fini leur mouvement, j'ai l'impression, et qui vont passer en phase de tir. Ah, donc, chez le Nécron. C'est ça. Donc, on se revoit tout à l'heure. Touche. Ouais. Non, 3D3, non. J'ai 4 PV. Ah oui. C'est sur triplas. Bon, okay. Là, on est bon. Les deux dans le flammeur. Les deux sur le flammeur. Ouais. À 3, reroll. Reroll. Ouais. Je vais te faire. Je raterai rien. Bon, je crois que ça va. Okay. Le kiki, il est mort, là. Et maintenant. Il t'en reste 4. Sur les thermies, ouais, tu aurais 5 plus 1 juste. Ouais, c'est ça. TP à moins 3. Je suis à moins 4 là, voire moins 5. Et tu ignores le cover ? J'ignore le cover. Okay. J'aurai une 5 plus. C'est à moins 1 que ça le fasse. J'ai une P1 pour la touche déjà. Et la blesse. Et ça fera ça. Il va falloir des très très belles sauvegardes. Beaucoup de 5. Allez. Ça va pas, ils sont morts. Donc, tout ça pour essayer de tuer un pauvre mec à 80 points. Je sais pas si ça valait vraiment le coup. Bon, au moins ça nettoie ce purge vermine. Donc ça, ouais. C'est bien. Oui. Le roi, on avait dit à 24. De toute façon, le roi ne voit pas les thermies. Non. Donc, on a le roi, il va tout mettre là-dedans. Ouais, t'es plus proche que de eux. Ça va être plus un point différent. J'en ai voir. Excuse-moi. Pas de si, monsieur. Là. Ça va être bon, non? Ça va être bon, vas-y. Ok. Non, je dois juste reculer un peu parce qu'il est en un angle, tu sais. Plus j'avance par là, plus je suis proche d'eux. Donc, je recule un peu pour être là. Bon, ouais, vas-y, très bien. Les deux menhirs vont tirer sur les. Écoute, je vais essayer de t'abîmer les thermies. Il a une 3 plus pareil, en cas où on lui. Oui, je sais. Okay. C'est pour ça que je mets tous les petits tirs. Tous donc les je mets tirs. Les 9 tirs et les 3 tirs dommage 2 sur lui. D'accord. Et je mets les deux menhirs sur le thermi parce que je suis. Ouais, si je vais mettre sur le thermi quand même. Amuse-toi, vas-y. Parce que les thermi, j'ai deux flammeurs en moins, est-ce que c'est pas mieux que deux thermi en moins, ouais. ouais, mais t'as une 3 plus 1, vu la différence. J'ai une 4 plus là-bas et moins 1 hit. Ouais, je sais, mais j'ai déjà le moins 1 hit, je crois. Ah oui, c'est vrai. Attends, je l'ai passé. J'ai même pas le moins 1 hit. Pas le moins 1 hit ? Non. Non, celui-là il a fait un smite. Non, j'ai pas le moins 1 hit. Mais de toute façon, t'as moins 1 avec lui, non ? Ouais, mais dans ce cas-là, regarde l'ombre quand même. Ouais, j'ai du mal à. J'avoue qu'à la base, ouais, je pensais qu'elle avait moins. Non, mais moi aussi en fait, et je vais m'en souvenir. Parce que sinon, je peux me mettre comme ça, tu vois. Pour pas avoir le moins 1. T'arrives à avoir l'entièreté d'un socle, sûrement.
Ouais, c'est bon, ça me va. Donc dans ces cas-là, je tire vraiment sur les thermiques. Ok. À deux. Bon, sans rien changer. À deux. Facile, et un quart en vue. Allez. Un mort. Un mort. On va c'est bien. Hop. Ouais. Les 9 tirs de... Je vais commencer par les petits tirs, si on a plus. Force 6, endurance. J'ai 3 ou 4, je sais même pas. Faut que je cherche mon téléphone, attends, bouge pas. C'est comme il s'est jamais fait tirer dessus, ouais. J'en ai pas la moindre idée. Pas, c'est entre le gros et le petit. Alors attends, bouge pas, hop. Parce que j'avoue que j'ai un doute. Je vais te l'aider. Ça vaudra le coup pour 2 tirs. Et lance ça déjà et vois si ça. Bah peut... non, ça peut changer en fait, du coup. C'est un change caster. Non, mais si tu fais déjà un... En du 4. D'accord, ouais, c'est bon. Et du coup, bah et à 3. 3 tirs après. À 3 plus, à 3 plus, à 3 plus, à 3 plus. Un CP. Ouais, je sais. Tu peux juste me faire les 3 tirs, voir ce que, combien de save j'ai. C'est des tirs forcément avec. Normalement, c'est l'inverse. Normalement, c'est toi qui dois faire. Non, je vais avoir toutes les sauvegardes et par contre, tu me dis en quelle heure je fais. Non. Ok, non, bon, bah, il est mort, allez. Tac. De toute façon, lance le dé, tu verras, mais. Ça, c'est, en fait, c'est juste. Bon, pour te donner un dé. Ouais, ils sont morts, ils sont morts. Est-ce que ça change quelque chose? De toute façon, non, c'est du no prisoner que je dois faire, mais c'est pas grave, ça m'évite d'avoir trop de psy au prochain tour. Bah en fait c'est fini. Oui c'est fini hein. J'allais dire, je peux en faire d'autres. Non. Parce que là, je vais faire ça c'est... Ça c'est mort. Hop, ça tout est nettoyé. Ouais. Ouais bon bah maintenant c'est permis contre le roi. C'est tout ce qui reste, la bataille. Ouais c'est pas que le plus quand même. Non mais c'est pas... Il reste encore. Il reste encore. Et au score tu... Bah on verra hein. Comme d'hab, ça changera pas. Ah ouais, ça c'est vrai que j'ai l'avantage, c'est que je suis deuxième, donc si je prends celle-là là-bas, ça fera des points. Crésure à Faillon, je fais toujours 2 parce que je contrôle 1 point. Ouais. Purge et Vermine, cette fois-ci je fais 3, 3. Donc je passe à 7. Ouais. Et nos prisonniers, on verra après. Ouais. Peut-être que je refais 2 de bannière de toute façon, donc oui. Je passe à 5. Et je fais 8 à nouveau. 8. C'est ça. Phase 2. Et on passe, je passe à 2 et je passe à 7. Ouais. Je sais d'avoir la plus 1 à la force. J'ai pas le droit, je les vois pas. Donc bah j'ai tenté d'avoir le droit de relancer un dé. Non. Bon il est, le chaplain il est pas motivé cette partie, hein. Il est en petite forme. J'ai lancé le sparring, j'ai toujours du mal avec ce principe de... De quoi? Sur un 2+, un 3+, tu as un buff sinon... Bah... En fait pour un CP je peux le donner automatiquement. Je passe ah, à 2 oui. CP. Il est où le... là. Je passe à 2 CP. Et je passe à 3. J'ai déjà mis un 2. J'ai déjà mis le plus 1 là. Ah oui c'est dans ce sens là, excuse-moi pardon. Moi j'étais à 0. Oui non mais comme j'ai retenu que toi t'étais à gauche. Alors comment est-ce qu'on va faire cette merde? Là je peux pas. Donc là je peux pas t'empêcher ici. Là ta zone de déploiement elle s'arrête où? Elle s'arrête là. Ouais. Donc là effectivement on peut venir faire des bêtises. On peut peut-être venir faire des bêtises en faisant ça comme ça. C'est tuer ça à la mortelle. C'est que elle lui. Ne me rappelez pas que ma barbe est morte contre les marines, c'est vrai. Non mais elle est pas morte contre les marines, elle est morte contre lui. Ah, ah ouais. Allez, j'ai mis l'épée à voir la tête parce que je suis encore en corps à corps. J'ai tiré et chargé ces trucs-là, j'en ai tué les deux quoi. Des marines de base. Vraiment. Ah oui, non, mais je sais pas pourquoi. En fait, j'ai cru qu'ils étaient engagés l'un avec l'autre. Ah bah. Mais en fait, non, c'est la même armée. Fais-le d'ailleurs, tapez-vous. Hein. Toujours le même jeu. Hein. Non, non, non. D'accord. Alors. Surtout les flammeurs encore à corps, moi j'avoue qu'il est tapé. Est-ce que là je peux être dans le décor et il y a plus d'un pouce ou ça fait pile un pouce? Ça fait pile un pouce, ça fait plus d'un pouce ça. Je pense que c'est plus d'un pouce, hein. Moi je pense aussi que c'est en haut. Normalement c'est plus d'un pouce. C'est parfait. Que si oui, tu parce rentres que pas dans la ruine, t'as l'épaisseur en si fait. Si tu rentres pas dans la ruine, on peut pas te charger à travers. Mais... Sauf avec un saut de 25. Mais du coup même si je mets un micro-pied dans la ruine, tu peux pas me charger au travers de la ruine. Ouais, c'est ça. Ok. Parce que du coup l'idée en gros c'est que je vais être à 18 du roi pour mettre des BM avec lui, ou à lui, à voir. Ouais. Te voir, donc pour voir, faut que je sois là, et que derrière ton roi soit à plus de 18 pour venir me charger, probablement comme il doit contourner vers 19-20. Donc tu puisses pas venir me charger. Ah d'accord. C'est ça l'idée. Et j'ai l'impression que ça peut marcher. Ceux-là peuvent faire 8. Ah, c'est quoi du coup ton protocole? Je vais gagner un point de vie de plus. Ok. J'ai envie de changer avec plus un mouvement. On va prendre le plus un mouvement à la place avec le roi quand il est encore en ligne. 9. Ok. Donc là au plus loin tu arrives ici. Hop, c'est l'arrière du dé. Tac, donc la ligne de vue la mieux que tu puisses avoir, c'est celle-là. Fermez-toi.
Ah, je peux juste confirmer avec toi. Ah, t'es en train de voir pour le micro ? Vas-y, vas-y. Ok, c'est pour vérifier en fait pour qu'on soit d'accord sur un truc. En gros, je regarde où est-ce où tu peux avancer au max avec ton arme. Là, j'ai bougé de 9, c'est compté. Bah, 10, ah, potentiellement 10. Donc là, j'ai mis le protocole plus 1. Okay. Et d'ailleurs, lui, il aura. Plus 1, il bouge de 9. Il y aura le cover à mi-portée. Très bien. Donc alors, là, du coup, 10 de ton arme. Là, c'est l'arme lourde, elle. Non, c'est celle-là. D'accord. Donc là, t'aurais peut-être un qui peut me tirer dessus, on va voir. 10 de ton arme, ça fait là. Bon, le premier, ça me gêne pas s'il peut me tirer dessus. 10, ça fait ici pour le deuxième. Et du coup, pour pas me faire voir, on accorde, c'est cette ligne-là. Ok. Ensuite, ici ton roi il peut pas passer, comme en charge c'est un véhicule, il ignore pas les décors, donc il faut qu'il fasse tout le tour pour bien le charger. C'est censé être aussi proche parce que là-bas c'est plus loin. Pas tant que ça, mais j'ai pas l'impression que ton roi passe quand même là-bas, peut-être ça a bougé. Hein. Ah, j'ai oublié le match. J'allais regarder le terrain. Dans tous les cas, j'ai pas l'impression. Même là, je pense que le roi il passe pas. Ok. Ok, donc là le roi, c'est vrai qu'il doit faire tout le tour s'il vient me charger. Et donc là, tac. C'est-à-dire que là je peux me mettre. Comme ça, là je suis pas visible et le roi, si il veut venir me charger, doit faire tout le tour. D'accord, mais tu mets pas un pied dedans alors. Bah si, mais. Je mets... Si tu mets un pied dedans, t'es visible. Oui, ça va, en soi. Mais pas avec eux, c'est pas avec eux que je veux faire ça. C'est avec le sorcier exalté. C'est lui qui met beaucoup de BN. Eux, c'est des kiki random. D'accord, donc eux, ils sont pas dedans. C'est ça. Et du coup, le sorcier exalté, lui, il va advance maintenant. Enfin, d'ailleurs, j'aurais dû le faire avant, mais. 4 avec 16. L'idée, c'est que lui, il mette un pied dedans. Ouais. Et maintenant. Faut juste que je check, est-ce que la barge pourra quand même me tirer dessus à mi-portée. Ouais, elle pourra m'avoir. Elle bouge de combien? Là, elle bouge de 14. Du coup, ça sera. Ouais, tu pourrais m'avoir lui au plus près si elle survit. Ouais. Ok. Et alors, du coup, si je me mets juste à 18 de la barge. En fait, je peux me reculer peut-être un poil. À 18 de la barge. Là, j'ai encore un peu de marge. Donc... Là, je suis à 18 de la barge avec lui. Et là, par contre, même en bougeant de 13, ce ne sera pas elle la plus proche. 14 toujours, mais oui. Oui, oui, ça. Okay. Donc là, je peux lui mettre des BM, on peut les mettre gratuitement. Et eux, ils sont pas visibles ni par là. Et pour le roi, il faut qu'il fasse. Ouais, avec le bâton. C'est ça. Et le roi, il est. Voilà, plus de 21. Il faut que tu décales. 21, tu bouges de 9, sur une charge à 12. Ok. Je peux pas vraiment l'empêcher, peut-être en reculant un poil, mais voilà. Sinon, tu as plus de 12, et voilà. Ok, il me reste les flammeurs et les terminators. Je vais advance commencer par les deux flammeurs qui sont derrière. 2, ça fait 14. Je peux avoir. Je passe le mien ou bien. Merci. Avec 14, bon, eux ils arrivent pas à être entièrement dans ta zone de déploiement, mais ils vont quand même y aller. Ça va pour le prochain tour. C'est ça. 14, ils viennent. Les Terminators, donc là on a dit que je pouvais pas te voir là dans tous les cas. Est-ce que là, avec la hauteur... Non, si je te vois, tu me vois, j'ai vraiment pas envie que ça arrive. Ce tour-ci, on va encore temporiser un tour. Donc eux, ils vont TP venir se planquer là. À plus d'un pouce. On verra probablement rien. Le prochain tour, on pourra faire des trucs plus gros. Ah non, ce prochain tour, de toute façon, tu scoreras à la fin de ton tour. Oui. Sachant que eux, ils donnent 3 points de nos prisonniers. Oui. Enfin, il en reste 8, mais c'est beaucoup de points, quoi. Si on peut essayer de les protéger encore un peu, c'est pas mal. Et ensuite les flammeurs. Il me reste les flammeurs et eux. Donc, eux peuvent TP en soi, ils peuvent aller à peu près où ils veulent. Mais il reste les flammeurs. Les flammeurs, je vais donner ça avec eux, on va voir ce qui se passe. 2. 14. Avec 14, 14, 14. Ouais, ils vont venir à côté en fait. Ils vont venir se planquer pareil. Pour pas être chargeable. Pas être visible. Bon, on va essayer de tenir un tour de plus. Qu'est-ce à là-bas, on fait ça comme ça. Et eux, ils vont TP et probablement aller là-bas. Parce que là, il n'y a rien d'intéressant. J'ai pas de nos prisonniers, donc j'ai aucun intérêt à te tuer. Et j'ai lui qui te voit au psy. Et peut-être même que si je me démarre pas trop mal avec lui, je peux peut-être même en mettre un deuxième. Qui te verrait aussi au psy et faire la même merde. Il reste 3 points de vie, Alistair. 3. T'as pas de truc qui pourrait le cibler, si? Les agents sont morts ou ils sont sortis de table? Ils sont morts. Ils sont morts. Ouais. Donc là, t'as plus de 20. Ah oui.
On est d'accord, là t'as plus de 21. Ouais. Tu peux pas le charger. De toute façon, à part au tir, je les aurais pas. Le tir, tu peux pas les avoir. Si, parce que je tue avec lui, ça, et c'est bon. Bah, faut que tu tues effectivement deux packs. Ouais. Enfin, faut que tu en tues beaucoup. Tu en tues trois. Non. Là, je suis pas. Enfin, lui, il est pas en cohérence. Je vais pas rebouger, effectivement, ça, je l'avais pas anticipé, donc lui, il est protégé par les deux, mais pas lui. D'accord. Ça me va, moi. Donc, bon, faut que t'arrives quand même à en tuer beaucoup. De toute façon, j'ai aucun intérêt à tuer tes persos. Hein. Non, je sais. Oui, je me doute, hein, mais. En vrai. Oui, c'est vrai. En fait, je sais pas, je me fais chier. Face petit, il me reste combien de points de cabale? Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est toujours le petit derrière l'objectif. 11 points de cabale. Et bah. 4, 7 points de cabale, je TP automatiquement. Ouais. Tac. De toute façon, on va voir, mais je pense que le dernier tour, ça va être rapide. Et celui-là, je peux rentrer entièrement dedans, étant tout entier, sans trop risquer. 9, ça me paraît compliqué. En gros, je vais voir si je peux t'enlever 2 points ce tour-là, ou est-ce que si je fais ça, je risque beaucoup. Si tu peux quoi? Est-ce que je peux t'enlever sans risquer trop, en me foutant à peu près comme ça? Ou est-ce que ça pue du cul, et je vais en prendre plein la mouille? M'enlever des points? Bah, pour les purges, je suis dans ta zone de déploiement et en quart. Ça vaut 2 points. C'est ce que j'essaie de voir. D'accord. Bah enfin, oui, mais là tu seras visible si tu joues le jeu. C'est ce que j'essaie de voir à quel point. Et si je viens là, je pense que ça marche pas. Je sais pas si t'es. 9, là ça me paraît compliqué, j'en passe pas. Bah tu passeras pas tout le monde quoi. Pour ça. Ouais, c'est ça, non. Donc effectivement, eux ils vont plutôt venir là. Ça fait 1 point en fait. C'est ça. Donc je vais TP. En phase de mouvement, ils bougent de 5. C'est là. Ils viennent là et c'est j'ai TP automatiquement avec eux. C'est pour faire quoi? Je vais TP du coup avec les squads là. D'accord. Ok. Ouais. Oui, tu veux faire ton psy? Mais de toute façon, il y avait aussi. Ils vont juste se mettre là. À plus d'un pouce, on sait jamais ce qu'on fait un gros truc. Et là, par contre, je vois pas trop par quoi ils pourraient être visibles. À part eux là. Eux, ça me va. Eux, j'avoue que le dégât 1, ça me terrifie pas. Ouais, je serais PA à moins 2, voire moins 3. Il m'en manque. Tu m'en as tué un seul, donc 7-8. J'en ai combien là? C'est toi qui l'as mis là? Ah oui. C'est l'arme lourde. Ouais, bah attends, je vais le planquer. C'est caché là? C'est ça, le but c'est de cacher et l'arme lourde toujours à côté du sergent. J'ai pas où il est le sergent. C'est ça, je fais le bâton pété, du coup il est plus dur à voir. Okay. Et là, attends, lui, il y a moins qu'il soit visible, si tu viens par là, du coup on va vraiment pas être visible. Ok, on se met par là. Comme ça? Ouais, là on a torche, t'as aucun moyen de me voir. Par là-bas, il y a rien qui te verra. Et par là, je sais que tu pourras me voir, mais ça me va. Juste là, j'ai pas beaucoup bougé, mais bon, je sais planquer comme ça. Bah, c'est juste que je pense que j'ai aucun intérêt à pas te tirer dessus, je pense au prochain tour. Mais... Ici, je vais faire l'action aussi. Télé là-bas, toujours. Ça passe, donc je marque 3 points. Ok. Donc, du coup, mutate landscape, hop, je l'ai fait ici. Donc là, on est d'accord que normalement, si je mets quelque chose au milieu et là, tu pourras pas le faire si, au prochain. Si, je le contrôle. Oui, mais il faudra que tu le contrôles. Oui. Donc tu pourras pas le faire, normalement, si je gère bien, quoi. Ça dépend comment tu passeras. Bah, si je mets assez de trucs pour pas que tu puisses me tuer aussi, plus TP, quoi. C'est ça. Donc tu sais pas, c'est pas forcément évident. Je vais commencer par lui qui va mettre des BM là-dedans. Ouais. Lui, il a plus du roi, ils vont mettre Doombolt. Toujours là, mais non, c'est pas... 9, ça passe. Vas-y. 3 BM. C'est bon. Il va mettre un smite. Ça passe à 7. Tu prends... Attends. Je peux faire des... Bon, j'ai fait 8, ouais. 7, c'est 2. Je peux faire des... quand même des deny. Donc ça passe à 8. Parce que t'as pas d'autres gros sorts, en fait, à part après le Doombol. 8, donc ça passe, donc 2 BM. 2 BM. Le Dinge Firestorm, que j'ai rajouté à 3D. Elle a pas tuer la barge avec un mec 9, quoi. Ça passe, donc c'est en critique, 9 sur du 5 plus, point de BM. J'ai essayé d'aller là parce que les autres on les voit mal. 9, avant. Ouais, 9. Donc là j'en ai 6, 9. Une BM. Ok. Ça se prend de PV? 8. Ok, on va faire Harryman. Ouais, vas-y. Faire 3. Là je peux faire 3 encore. Et lui il a 18, c'est ça? Lui non, pas du tout. Non, les deux sont trop loin. Ah, d'accord, ok. Les deux sont trop loin qui sont pour faire ça. Qu'est-ce qu'il me reste comme truc intéressant? J'ai encore 4 points de cabale. Smite 3-3. Ah, ça peut passer, hein? Harryman, il va jeter un sort. Je vais cramer un CP, il va jeter Gate of Hate. Ouais. Voilà. 7, ça passe. 3D sur le 4+. Elle est pas 3 là. 1. Pression de PV? 7. Je peux pas le tuer. Non, mais c'est... Elle va sourire un PV. Ça me va, moi. Ah si, sur un smite critique. Smite. Je vais relancer les deux. 2, 4, 5, 6, 5, 6, ok. 5, loop. 10, 8, ça passe. Mais c'est pas un critique. Tu vas prendre
3 BM, je remets 4 points de cabane, donc les 4 derniers, pour remettre 3. Vas-y. Donc ça fait 4 au total. Ouais. Donc il me reste 3 points de vie. Et ensuite, eux, ils vont donner moins 1 hit. Lui, il va donner moins 1 hit à la... au petit qui est pépère devant. Ça passe, à 6. Fin de ma phase. Ça, est-ce que j'ai envie de le deny? Ah d'accord, c'est lui, d'accord. Fin de ma phase, fin de mon tour. Ok. Bon bah de toute façon là je vais on va réfléchir. J'ai marqué 2 points de là. Mutate je l'ai fait. Banner on l'a pas compté mais j'ai marqué 3 encore. Tu sais t'as fait 2 1, 2, 2. Oui. Alors bah, tour 2, tour 3, tour 4, c'est bon. Donc de toute façon le but c'est que tu fasses bannière, que tu sois limité, donc tu feras 9. 7, 9 potentiellement. Mmh. Si on laisse ça comme ça. De toute façon je vais avoir du mal je pense à te l'empêcher. Ouais. À part si ici je viens, je fais un tout droit, mais bon, ça m'étonnerait. Même en bougeant très vite, voilà. T'as combien de PC ? 2 et toi t'es à 2. Je fais 8 points de primaire. Ouais. Je peux lui regagner un point de vie déjà. Le stylo, tu l'as mis où ? Là-bas. Là, pardon. Merci. Plus 1 pour toucher pour les deux. Ouais. Tac et tac. Il y a l'invu, ça va aller sur les scarabs à nouveau. Enfin, plutôt, je vais le mettre sur les scarabs. Ok. Alors. En gros, qu'est-ce que tu peux faire pour m'embêter ? Qu'est-ce que je peux faire, moi ? Parce que là, en fait, si je viens là et que je tire de ça, je fais des points. En gros. C'est le principe. Est-ce que je paye un CP pour le mettre full profil, lui ? Parce que là, j'ai 2 CP. De toute façon, on a dit qu'il voulait pas. Hein ? Il y en a un qui voit. Ouais, c'est ça. Non, mais eux, de toute façon, je pense qu'ils vont juste bouger. Ils vont s'avancer gentiment. En fait, je pense que je vais venir là, en fait, pour bloquer le chemin avec la barge. Ouais. Enfin, quoi que tu me diras, lui, c'est 2 points. Hein, ouais, mais il va mourir, il a 4 points de vie. Il y a le technomancer qui va la soigner de D3, mais ça suffira pas. Le roi, je vais le mettre au centre, en fait, parce que ça va me donner des points d'Aéon, en fait, automatiquement. Oui. Puis ça apporte rien, en fait. Ça apporte rien, ouais. Je vais me mettre en plus ici, comme ça, tu pourras pas me... T'auras moins un si tu veux me tirer dessus. Quoique, en fait, on s'en fout, ça te sert à rien de tuer. Si, tu peux essayer de tuer le roi, ça te fait des points. Hein. De toute façon, dans tous les cas, je fais plus de points, moi, en allant dessus, donc... Je vais me mettre juste pour t'empêcher de venir facilement dessus. Ok. Donc lui, on avait dit que personne pouvait tirer. Tu t'étais mis, t'avais pas dit que... Non, t'avais... Il y a un qui peut. Ouais, c'est ça, il y en a un qui peut. Je suis même pas sûr, parce qu'en fait, le premier, j'avais de la marge. Donc peut-être un, je suis même pas sûr. D'accord, bah, c'était 10. Faut juste checker avec 10 que ça marche. Il y a moyen, mais c'est pas sûr. Et que je vais prendre son arme, ce sera plus simple. Ouais, c'est son arme. Hop. L'arrière du dé. L'angle, c'est ça. L'arrière du dé, c'est l'angle. Ouais, ça me paraît compliqué. Mort, hein. Ouais, ça y arrivera. Ok, c'est mort. Je suis en train de réfléchir à ce que je peux... Aïe. Je suis en train de me mettre doigt dans l'œil, Boris. Donc, parce que là, tu vas faire 8, en gros. Si je mets le roi ici, c'est quand même dur de se déloger le roi pour faire les points de machin. Opsi. T'as pas un point de vie, te reste plus rien, là ? Si, te reste celui ? Lui a un point de vie et lui a 3. Ah, mais non, mais j'ai plus le Tesla, mince. Ouais, ça, ouais. Non mais j'avais une strat en Tesla pour faire un AOE. J'ai plus de Tesla. Je sais. Dommage. De toute façon, lui il a plus de 3 de tout, mais oui. Lui là-bas derrière, il est en haut. Oui, là c'est trop loin. Bah écoute, on va faire ça. Lui il va venir ici. Hop, je vais juste bouger au minimum pour... Donc, t'as cramé ton CP pour être en full profil ? Oui, je vais cramer. Puisque je peux pas tirer avec eux, je vais cramer. Tu passes à 1. Je vais faire en sorte voilà, d'être comme ça. Ah mais non, mais j'ai même pas besoin. Je me mets sur le mur, je te vois. Oui, si tu peux descendre, ouais. Mais oui. Bah donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir comme ça. Pourquoi ? Parce que comme ça, je vais mettre le roi et tu pourras pas venir facilement là-dessus. D'accord. Attends, c'est pas une connerie, ça. Parce que là, si tu bouges de 5... 6. 6. Avec la charge. Ouais, si je fais une grosse advance, le roi il pourra tirer dessus quand même. Hein. Donc on va faire ça. Ok.
6, il faudrait que tu fasses une charge à 12, ouais. Si je me mets comme ça. En fait, je vais essayer de t'encercler ici en tombeau, quoi. Je vais faire une advance avec le roi. Ouais. 6. Donc il bouge de 8 plus 6, 14. Donc 14, c'est là. Ouais, donc à l'arrière, ok. Donc le but, c'est que je vais mettre le roi ici. Ouais. Je sais pas si les menhirs vont passer, par contre. Non, les menhirs, ils vont venir là. Ah oui, ok, j'ai compris. Les menhirs, de toute façon, ils peuvent pas tirer, ils sont heavy. Ok. Le but, en fait, c'est que lui, il tire et il te bloque le chemin. Ouais. Et que si tu charges, bah tu te retrouves sur le roi, quoi. Ouais. Et puis de toute façon, je m'en fiche, c'est à la fin de mon tour que je fais les points, je suis bête. Et donc, eux, vu qu'on a dit qu'ils faisaient rien, enfin qu'ils peuvent rien faire en tout cas, oui. Ils vont advance, puis on va voir. 3. Je vais juste essayer. Je pars pas, moi, je pensais qu'il y avait une capture par là. Des chats ou c'est... Non, non, parce qu'en fait, il y a la létalité, on verra bien. Ah non, non. Technomancer, il va advance. S'en fout, ça. On a 13. Après, ouais. Oui, c'est vrai que on finira la partie, y a pas de problème. Hein. C'est le tour 4, là, ça va aller vite. Hein. En gros, est-ce que j'ai un intérêt de sortir là-bas? Qu'est-ce que tu peux faire là-bas si je te sors, si je sors pas? Qu'est-ce que tu peux faire en fait? En points. Parce que moi je scorerai après. Ouais. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est là, c'est screen pour pas que tu viennes là me tuer ça. Parce que lui il est protégé par eux et puis voilà. Là tu bougeras de 5. Tu peux rebouger de 5. Bah oui, en fait, eux, je vais les envoyer en avant pour tirer dessus. Ouais. Parce que ça sert à rien. Pas pour essayer d'avoir nos prisonniers. Et c'est pour ça que j'aurais pas dû utiliser mon CP, mais c'est pas grave. Hop. Oui. Pour avoir nos prisonniers. Ah bah sans le TP, tu faisais pas ça là. Hein, hein? Sans le TP, tu faisais pas ça là. Hein. Non, le... Pour remettre les points de vie à l'autre, mais c'est pas grave. Ah oui. En fait, même si tu me reprends ce point-là, est-ce que ça change quelque chose? Bon, je vais me mettre à 19,5, c'est rien que je me rapproche plus. Ok. Ah mais oui, je sais ce que je vais faire. Hop. Explique-moi. Bah, je t'ai divisé par de la zone de charge. Ah, tu peux. Donc comme ça, en fait, tu pourras pas me... Avec le chronomancer. À 18 pouces en ligne de vue. Très bien. Donc il peut rester là où il est. Et il est bien. Et lui, il va rester sur le pont aussi. Et comme ça, ça fait que même si tu fais double move, lui, t'es à 18, donc à 18, tu bouges de 10, 5. Plus 3, 5 si je veux. Et donc tu seras encore à 8, donc, je peux donc tu peux pas me charger. Ok. C'est pas visible, t'as besoin de voir. Non, sans ligne de vue. C'est 18 pouces en ligne de vue à la phase de tir. Donc je commencerai par non, ça. Très bien, pas de problème. Je te le mets maintenant, comme ça j'oublie pas. et donc maintenant, il me reste plus qu'à faire le screening ici. Donc pour dire que lui, normalement, il est increvable. Ouais. De quoi? Celui-là, il est increvable. T'as rien qui pourra le tuer normalement? Les flammeurs. Je fais une putain d'advance, peut-être que je peux venir là. D'accord, mais si je me... Donc il faut que tu puisses me cibler. Oui, ça. Donc ça va, faut que tu tues d'abord. Est-ce que tu arrives vraiment à avoir. Mais 18, je sais même pas. Hein. 18, 18 t'es là. Chaud. Non, à mon avis, si je suis complètement là-dedans, non, tu vois pas. Non, je suis d'accord, ça me paraît chaud. Hein. Ok. À mon avis, là, c'est là. L'arrière du truc. Non, tu pourras pas, ça c'est bon. 9, 9. On a une petite. L'autre finale, ça donnait quoi? Elle est finie ou pas l'autre partie? On doit pas dire le résultat? Donc je fais la même pour pas d'accord. Que tu puisses venir ici, d'accord? Ok. Et puis eux, ils vont rester comme ça, hein. Ils sont bien là. Hein. Ça ne joue pas grand chose. Hein. Ils ont la 5 plus 1 vue, ça sert à rien, mais on sait jamais. Et c'est qui est le plus 1 là? Oui, c'est là-bas. C'est la Ghost Ark. Ouais, toi. Enfin, si ça change quelque chose pour la Ghost Ark. Oui, la Ghost Ark, oui, j'ai vu que tu disais sur les. Pour le coup, j'ai payé mon CB pour que ça change quelque chose. Ok, et ben, bah, on va finir le travail. Donc, qu'est-ce qui est le plus intéressant? De toute façon. Eux, ils ont moins envie de ceux de moi. C'est ce que je t'avais dit, j'étais là.
Eux, ils ont moins 1 hit, tout. Ouais. Au bout de toute façon, faut que je me pose la question, qu'est-ce que je veux tuer entre les deux. De toute façon, c'est pas compliqué. Lui, il a plus de chances de tuer ça, en fait. Parce qu'ils sont 2 plus sur lui. Oui. Ah, quoi que je suis pas à moins 2, est-ce que ça change chez nous? Ils sont 3 plus. Ils sont 3 plus, oui, t'as raison. Et sur les 6 pour blesser, je suis même en 4 plus. Oui. Donc non, en fait, c'est peut-être mieux que je fasse ça. En vrai, les flammeurs, je m'en fiche, même peu importe ce que ça fait au prochain tour, on s'en fiche un peu. Le roi, par contre, il a pas, il ignore juste les covers, donc ce que j'avais dit que j'ignorais les covers, ce qui était dommage. Donc ça veut dire que lui, par contre, les petits tirs, ils feront rien. Hein. Donc en fait, je vais peut-être faire ça d'abord. Okay, donc le roi, il va tout faire, il va tout tirer sur les flammeurs. Ouais. Okay. Donc, c'est pas le roi qui a 4 points de vie, c'est lui. Pas de blague. Juste au cas où, est-ce que ça ferait quelque chose? Non, ça ferait rien, de toute façon, je m'en fous, il peut me rire. Ça change plus rien. Les dommages 2 d'abord. Eh ben, que 2. T'as 2 saves pour 2 dommages à chaque fois. 1, 3. Rien. Rien. Et les dommages 1. Oula. Ça passe. 1, 3. Eh ben, c'est pas... On verra. Voilà. Bonk. Ok. Bon bah le roi ça va le coup de venir. Hein. Bah c'est cool. Qu'est-ce que je te dise? Que je peux rien faire. Est-ce que j'ai plus intérêt à tuer des 2 points de vie ou des 3 points de vie? Disons que les Marines, j'ai une chance de faire, comme j'ai dit, on va faire les Marines, je vais payer un CP, okay. Et les 6 pour blesser, ça fera une Mortal Wound. Ok. Ouais, mais dans ces cas-là, il vaut mieux que je tire les Flammeurs, en fait. Non, je vais faire les Marines. Yep. Ouais. Ça fait 20 tirs, en full reroll. Je peux me trouver les 3 dés qui manquent. Il m'en manque un. Non, mais c'était le but, c'était pour les voir sur le... Ouais, bon, ça va, on voit pas, mais ça va. Ça sera un 6 pour la peine. Full reroll à 3 plus, plus t'as moins 1. Ouais. Ah, c'est vrai qu'il y a le moins 1 aussi. Change de 1. Voilà. À 4. Tiens, bah regarde, ça, je peux remplacer ce dé là. Force. Force 4, donc c'est du 4 plus et les 6. Une BM. Enfin, sérieusement, j'ai vraiment pas de chance quoi. C'est censé faire. Bah, c'est censé faire 3 BM. En fait. Celle-là, c'est une BM et c'est tout. En plus, non, en plus, en plus. Donc, ok. Et bah voilà, on se garde. Attends, et celle-là, c'est. Ah, j'ai pris la part. Celle-là, c'est moins 1, du coup, c'est à 4 plus. Ouais. À 4 plus. C'est bon. À 3 plus. Un mort et une BM, 2 morts. 2 morts. C'est déjà ça, c'est déjà ça. Ça me fait 4 points de plus. J'aurais dû compter d'ailleurs à combien je suis en fait. Je sais pas. J'ai 131 dans la liste. Si on peut compter maintenant, à peu près. Ouais, je veux bien pour savoir. 131. Ouais. Il manque 6 plus 15, donc il manque 21. Et là-bas, il en reste 8. Il en manque 21 plus 24. Il en manque 55. T'as compté eux? Ah non, 55. Et là, il y en a 4. 3. 3. 3. Donc ça fait 6. Donc il manque 61. Donc t'es à 70. Donc t'es à 8 pour l'instant. Tu as 70 pour l'instant. Ok. Je suis à 8 pour l'instant. Ça va être dur de faire plus. Les autres secondaires, je vais remonter. Je vais remonter aux primaires. Ouais. Si, bah eux, ils vont tirer, hein, tant qu'à faire. Ouais. Si je peux gratter des points. Mmh. Donc je suis à mi-portée. C'est du blast, mais malheureusement, c'est 3D3, donc c'est 3 tirs minimum. Il faudrait que tu sois 11 pour que j'ai le maximum de tirs. Ça fait ça. Ça fait 4 en plus là. Ouais. 5 ici. Et c'est tout. En 3 plus reroll 1. Ouais. Ils ont plus de buff hein, maintenant. Hein. Non. Ils sont trop longs pour des buffs là. Et B. Par contre, tu reroll les as. Je joue pas Gusto. Hein. Force 7, 3 plus. Et bah il n'y a qu'un seul 6. Est-ce que alors c'est ça... PA moins 2. Alors j'ignore couvert et ça se paie à moins 3 et ça se paie à moins 2. Donc ça c'est de la c'est dégâts. Ça c'est de la 3 plus, ça non, c'est de la. Dégâts 1. Ouais non bah non, ça c'est de la 2 et ça c'est de la 3. Ouais bon. Ok. Fin du tour. Ok. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vas-y. Au début de mon tour, je marque 8. Attends, je fais juste 2 points là. Purge de vermine, je fais pour 3. L'instant encore 3.
donc je passe à 10. Ouais. Trésor à Fémon, je fais 3 parce que j'ai le non centre et l'autre. Ouais. Et nos prisonniers, on s'en fiche, on verra après. Et là, j'ai mis, donc toi, tu fais 8. Bah, vas-y, hein, je sais pas, on va voir. Alors, normalement, là, je suis à combien? Je suis à 32. Là, même si je passe à 10, ça fait 42. Donc là, ça peut être intéressant d'aller prendre là pour gagner 2 points et passer à 44. Ça fait 4 points quand tu prends le. Et ça? Donc ça passe. J'ai 32. Et comment tu fais pour aller là-bas? Bah, double move. Advance. Je pense qu'il faut que je vois. Ah, tu peux advance double move, ouais. Toujours? Ah, putain, ouais. Vous avez fini? Attends, non, non. Non. Okay. Je suis à. De toute façon, je suis à 10 pas. Ouais, ouais, ok. Là, je pourrais y aller. Et avec 10, même avec un 11, j'arrive à être, je pense, quasiment pas entièrement planqué, mais bien planqué. La zone se divisait par 2, hein, pour rappel. Oui, je sais, mais il faut un 2, tu vois. Même avec un 1, je pense que je suis quasiment planqué. Ok. J'ai 2, et du coup, là, ça me permet de faire ça. Ok. Phase de coup, je vais m'autoriser à relancer un dé. Enfin, je vais essayer. Le chaplain a pas été bon. Le premier tour. Après, c'est un 4. Ouais, donc non, mais de toute façon, ouais, ça va être. Ensuite. Tu fais juste 2 points de bannière encore. Je vais advance avec mes. Ah, j'ai aussi 2 flammeurs ici que j'ai pas compté. Donc t'es à 64. Qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant? Tu vas tuer 10 Terminators, tirer de ça fait ça. Advance avec les 2 flammeurs. 2, ouais. Enfin, ça fait 14. Tiens, c'est celui qui voulait. Qui voulait la. C'est qui voulait la feuille? C'est toi qui voulais la feuille? Ah oui, c'est moi. Ça vaut quelque chose, ça en tête de me mettre là, non, de toute façon eux ils vont y aller, donc non, ça sert à rien. Avec 14, je vais plutôt me barrer là en fait derrière pour peut-être te filer les points de nos prisonniers. Ils vont faire ça. L'advance est au tort. Attendez ça. Ça fait 3, ça fait 8. Voilà, à part si tu rates un sort. Je vais passer au tour. Voilà. Ils sont pas drôles ces TS, j'ai toujours dit moi. Il a pas raté un sort. Ouais. En fait, quand tu loupes 0 sort de la game, ça fait quand même mal. Quoi. Le problème, c'est pas le TS, c'est la partie démon. Le TS, quand c'était tout seul, ça allait, c'était une bonne armée, mais c'était pas aberrant. Être capable de louper 0 sort de toute la game, j'appelle pas ça. Ça dépend vraiment, ça dépend des parties, hein. Mais oui, il y en a où je vais. J'avoue que ça te met tranquille, quoi. Je vais ensuite advance avec le pack de rubrique, non, ou de flammeur d'abord. Pack de flammeur d'abord. Hein? Est-ce qu'ils arrivent à se fuir? Courage, fuyons, courage! Avec 13, ouais, large. Je les mets à l'étage en dessous, hein, jusque j'ai. Vas-y. À plus d'un pouce, ils se mettent comme ça, voilà. De toute façon, il n'y a que 5 d'engagement vertical, donc tu pourras même pas. Oui, tu te mets au dernier étage, je peux pas te taper au corps à corps. Donc, bonjour, comme ça. Ok. Les persos, de toute façon, on a dit qu'on s'en foutait. Les persos s'en tapent. Tu gagnes pas de points en les tuant. Donc, les persos, ils vont essayer de buter du véhicule. C'est ce qu'on peut faire. Il vient là. Toi, t'as vraiment 0 points en tuant les persos. Tu n'as rien. Je pense non. Pas. Hein. Advance, ensuite avec les rubriques. 3. C'est 8. C'est un peu léger. Ouais. Ne s'échapperont pas. Comment? Eux ne s'échapperont pas. Non. On va avoir un peu de mal. Hein. Tout le monde ne peut pas s'échapper, hein, au bout d'un moment. Ça fait des petits points, hein, bon. Et les persos, ils se mettent de manière à voir les deux. Attends, tu peux même te bloquer la route quelque part. De toute façon, tu pourras toujours me deny. Tu fly, donc... Juste... Oui. En fait, le seul but, c'est de t'empêcher l'accès. Comme ça. Voilà. La manette de repousse à moi. De toute façon, là-bas, je me cache. Et voilà. Ouais. Ok. Lui, t'es sûr de le mettre là, parce que là, il voit rien. Et je vois pas. Il est dedans. Ah oui, pardon, je suis dedans, de côté. Oui, non, t'as. Ça, je vois pas le problème. Oui, t'as. J'ai tellement pas l'habitude de me dire je suis de l'autre côté du mur si tu me vois. De toute façon, je vais commencer là-bas par cramer un CP pour changer de sort et je cramerai un CP pour en faire une action psy après avoir jeté de double move. Ce qui fait que j'irai corrompre le jeu là-bas. Qu'est-ce que je te dis? Donc je vais cramer 8 points de cabale, ça passe automatiquement mon double move. Ok. Le 5. Mec, il vient de m'expliquer, je fais rien, mais il y a tout qui se passe auto. Oui. C'est beau, hein. Faut quand même que tu lances l'action psy. Oui. C'est surtout que je peux rater. Non, mais c'est très marrant. Tu payes 2 CP, tu dis bah voilà, alors là je fais ça, tu peux rien faire, ça je fais ça, tu peux rien faire et ça passe auto tout. Bon bah. L'action psy. Ça passe. Voilà. Ensuite, ici, c'est là où on va faire des mortels. Je vais commencer par mon exalté. Pardon. On va commencer par lui qui va mettre un smite là-dedans. Ouais, les smites, hein.
Péril, mais ça passe, donc il va mourir, mais il y a moins qui te tue. Vas-y. Il reste un seul PV, il fait une BM, mais il meurt. Tu exploses, tu vas faire un... des D3 mortels à tout le monde autour. Ensuite. Bah vas-y, hein. Mais t'exploses, c'est le péril du warp, t'es mort avec le péril du warp. Tu fais D3 BM à tout le monde. Non, 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 je rigole pas du tout. Ah, je sais vraiment pas, ça m'est jamais arrivé. Donc tu vas faire du BM à tout le monde en fait autour. Bah, sauf lui. Et eux donc moi, et eux sont trop. Oui, parce que tu les as mis là. Donc j'ai mon mec. Lui et lui. Deux. Bah tu peux le mettre. Il a 4 normalement. J'avais mon mec là. Il a combien lui à la base? 5. Donc il a 3. Mes rubriques, 3. Donc j'ai un mort. Ah putain, ça leur suffit même pas à s'échapper. Et ta barge. La barge, je ne voulais pas. Ensuite, lui va mettre un smite là-dedans. Au moins, il fera plus d'autres sorts. Critique. Alors. Après, les critiques, j'ai plus que les as. Mais attends. Parce que là, il te reste quoi, lui, là? Il me reste lui et eux. Mais là, le sorcier, il est là. Oui. Donc, il peut pas faire de sort. Pas de sort de dégâts, non. D'accord. Donc, si je te dénaille lui, on est d'accord que tu peux plus le tuer, là? J'ai 3 sorts avec lui, et lui, il a encore 3 sorts. Ah bon, d'accord. J'ai fait du coup 11 là. Bah vas-y. D6, 3. Il est mort. C'est qui explose. Oui. Oui. Ça, ça peut être rigolo pour le coup. Ouais. D3 sur lui. Et bah il est mort. Bon, c'est lui qui faisait le sort ? Non, c'est pas lui. Il faisait mal, oui. C'est trop loin, je pense. C'est 6 pouces. Non, non, tu veux tout utiliser lui. Ah, par contre, je vais toucher aussi des. Les peu. Attends, je vais aller regarder que c'est bien 6 parce que c'est important. On a dit que tu le faisais. Alors, on est revenu, on est à la fin de la round 5, il reste 3 minutes, donc on est vraiment sur la fin. On a déjà quelques résultats qui sont tombés. Ouais. La table, par contre, Necron TS, elle a commencé un petit peu en retard par rapport aux autres, donc ils ont encore un petit peu de temps. Oui, tout à fait. Mais ils arrivent aussi sur la fin, ça commence à se préciser un petit peu. C'est alors, ça. Dis-moi quelle table on finit. Alors, donc Salizia Guilou, donc c'est Guilou qui a gagné. D'accord. Il a réussi à remonter le primaire en réussissant deux charges à 9 après du TP qui fait que bah, ça plie la game avec 14 points d'écart. Donc 14 points d'écart, ça fait la diff. D'accord. Il a réussi à choper en fait l'objectif chez Salizia. D'accord. Ce qui dans ce scénario crée tout de suite un énorme différentiel puisqu'on gagne 6 points. On gagne on a 2 points dès qu'on est un des 3 objectifs, on en a toujours un. Et on gagne 4 points quand on a celui chez l'adversaire. Ça en plus, ça enlève un point de primaire à l'adversaire. Enfin bref, ça va très vite du coup. D'accord. Et par contre, ça c'était quelque chose qu'il avait prévu dans son game plan. T'en as pas parlé forcément. Alors avec lui, c'est ça ? Non, mais c'est du gamble. Hein, mais c'est-à-dire que Guilou a calculé, j'imagine. Hein, j'ai pas parlé avec eux, mais j'imagine qu'il a calculé que si ça continuait comme ça, il allait perdre à cause de ça. Il a donc tenté un. C'est très bien joué de sa part. Il a tenté un gamble avec une charge à 9 après un TP. Mm-hmm. Et il a réussi. Et puis c'est comme ça. En fait, Salizia était obligé d'envoyer beaucoup de ressources à cause de son secondaire Behind Enemy Lines. Mm-hmm. Il était obligé d'envoyer beaucoup de ressources chez l'adversaire, donc il était quasiment chez Guilou là sur Stalin. Il avait sur la fin de la game, il avait plus que quelques figurines qui protégeaient son objectif sur la grosse ruine là, comme qu'on voit en bas. D'accord, à gauche. Okay. Et donc en fait tout simplement il est venu mais en face hein, vraiment avec des rubriques marines, il a chargé, il a repris l'objectif parce que l'objectif est quand même essentiellement en dehors de la ruine. D'accord. Et donc à partir de là, c'était fini. Ouais, il s'est TP ici. Et ouais, puis, il s'est mis sur l'objectif comme en bas à gauche là et okay. en chargeant. Et donc il a repris le point. Okay. Donc voilà, la partie aimée LOL termine sur une victoire d'aimée. Elle m'a donné d'accord. le score. Elle a bien réussi à gérer apparemment. Elle a géré une des forteresses et bon, elle a réussi à gérer les motos. Elle m'a donné le score en format WTC, ce qui est un 13-7. Donc victoire. D'accord. Victoire. Donc voilà. On a du mal avec les vieilles habitudes. Hein. On a du mal avec les habitudes. Elle m'a déjà donné son premier score en WTC. Voilà, c'est comme ça. C'est l'habitude. Hein. C'est l'habitude, c'est normal. Bon, ça veut dire 13-7, si je ne dis pas des bêtises, c'est un écart de 16 points. Ouais. Donc voilà. Entre 16 et, entre 16 et 20. D'accord. Donc, El Gringo Quentel, c'est toujours serré, c'est toujours pas terminé. D'accord. Sven et Modjet, c'est toujours pas terminé non plus. Lucas et Bob, victoire de Lucas, 84-66. Essentiellement parce que Bob n'a malheureusement pas réussi à faire son fameux secondaire de Despoil the Ground, là, qui est un secondaire Death Guard assez complexe, où il faut 5 conditions à la fin de la partie, et il n'en remplissait aucune.
il faut avoir encore des ressources sur la table. Et bah là, clairement, il n'a pas pu. Donc, il a fait zéro. Il a fait zéro sur ce secondaire. Donc, c'est 15 points qui s'envolent. Ce qui ne le faisait pas gagner. Mais il mettait à 3 points. Quoi. Il était sans réflexion. Ouais, donc peut-être que oui. C'était. Voilà. Et bon, en fait, c'est un secondaire. Et puis, s'il le mettait, c'est qu'il avait encore des ressources. Donc, peut-être qu'il marquait du primaire et autre chose. C'est ce que j'allais dire. Donc, le problème de ce secondaire, c'est que c'est quand on. En fait, ce secondaire a le défaut de si on le marque, c'est qu'on est déjà plus ou moins en train de gagner en Death Guard. Parce que si à la fin du T5 on a encore suffisamment de ressources pour le faire fort, eh ben ça veut dire qu'on a déjà suffisamment de ressources sur la table. Donc soit on le fait, soit on le fait pas. Quoi. Voilà, c'est... donc ce que j'appelle moi les secondaires gamble. Quoi. C'est vraiment si je gagne plus fort. Mais ça vaut le coup hein, en solo. De toute façon, on n'est pas en scénario d'équipe, donc ça vaut le coup. Tu t'en fiches, tu veux gagner le plus fort possible. Donc, voilà, donc on veut snowball la game le plus possible. On veut vraiment gagner l'avantage dès qu'on l'a et le rendre écrasant pour empêcher l'adversaire d'en venir. C'est tout pour l'étape qui restait hein, en place. Le reste, donc voilà, El Gringo est encore en cours et c'est Sven Mojet encore en cours. Donc là, on attend la fin de Necron TS. Franck, est-ce que tu peux nous afficher les scores, s'il te plaît? Alors, les scores, je voulais les afficher. Queen Ashord qui est secondaire. Alors, oui, Manol Dress Ashord Queen, mais je rappelle, attention, qu'il est en méfrite. Et donc, comme il est en méfrite, il ne il score pas super OP, il ne score pas beaucoup de primaires. Il score beaucoup moins de primaires, ce qui va d'ailleurs être, je pense, sur cette partie, le facteur déterminant, parce qu'il est parti, je pense, là, sur une défaite. Et en grande partie à cause de ça. Le fait de ne pas être obsèque, ça a permis, si je ne dis pas de bêtises, au tour 3, d'avoir deux Terminators qui ont gardé qui ont pris un objectif, tous les Locust Destroyers. Et donc cet objectif, gardé par le joueur TS, fait marquer 4 points de primaire à Ashord au T2 et au T3, ce qui le met bien derrière cette partie-là. On le voit, de toute façon, un 16, on est à 22 points de primaire pour Ashord, donc un écron, alors qu'on est à 36 pardon, pour le joueur TS. Par contre, le joueur TS, je crois, tout joué. Je ne sais pas s'il a joué tous ses scores. Je ne sais pas si la feuille de score est à jour, par contre. Je pense pas. Mais parce qu'il a joué son T5, hein, si je ne dis pas de bêtises. Je pense pas. Le joueur TS, alors que Ashord va jouer son T5, mais jouer en deuxième, va scorer à la fin. Il y a de grandes chances, vu les ressources qu'il a sur la table, qu'il marque 12 points à la fin de son, T5. Mais est-ce que ce sera suffisant? On va essayer d'aller voir là si on peut remettre les scores à jour. Le petit move intéressant, hein, c'est qu'il y a eu en bas, donc on a eu le Terminator qui s'est. Les 10 Terminators qui est arrivé chez l'objectif d'Ashord, mais qui n'ont pas pu charger. Alors pourquoi ils n'ont pas pu charger? Parce que Ashord a sur son Chronomancer un Arcana qui divise l'advance et la charge roll par 2. Et du coup, même avec un double move, il le fait à 18, sans ligne de vue, et même avec un double move 5 puis 5 du Temporal Surge, qui permet de bouger en TS, et ben 12 divisé c'est par 2, 6, 6. On n'atteint pas l'engagement range, et donc il ne pouvait pas charger. Il n'avait pas de cycle de charge. Ceci dit, ces Terminators sont là et sont, entre guillemets, protégés de la menace létale que représentent les Locustes, ce qui pourtant ferait du No Prisoner à Ashord, et donc potentiellement pourrait lui rapporter des points. Et là, de toute façon, le moindre point qu'il veut... Là, clairement. Après, si vraiment le score du TS est à jour, c'est-à-dire qu'ils ont 16 points d'écart, si Ashord met 12 en fin de game. Et là, son prisonnier est à 0. Là, il est à 0 sur le score, son prisonnier. Oui, donc ça veut dire que Ashord peut gagner si les scores sont à jour, en tout cas. Si les scores sont à jour, après, je pense pas qu'ils le sont. T'as pas le T5 du joueur. Parce que, à mon avis, de mémoire, je suis quasiment sûr que le joueur NTS a marqué 3 points de Mutated Landscape de plus. Ouais. C'était pour ça que c'était important, hein, ce move de Terminator. J'imagine qu'il a. Je vais voir s'il l'a fait, parce que s'il a fait un double move puis qu'il a marqué le Mutated Landscape avec un CP, eh bien c'est faux, il n'a pas le droit. Il doit d'abord faire l'action psychique et après il a le droit de cast. Donc son mouvement d'initial ne lui permettait pas d'arriver sur l'objectif, et donc il n'a pas le droit de faire le Mutated Landscape avec son pack Terminator chez l'objectif de l'adversaire. On va le vérifier, mais je suis quasiment sûr que c'est la séquence qui a été faite. Donc ça ferait moins 3 points sur le Mutated Landscape du TS. Je pense qu'il pouvait le faire au milieu du coup. Mais du coup, il est obligé d'exposer ses Terminators. Donc, son plan de jeu, c'est une erreur. Mais on va le voir. Qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, je pense aussi que le joueur TS a dû marquer à minima
comment ça s'appelle ? Les points de la mission, déjà. Les points de la mission, et il a marqué 4 points, du coup. Il a marqué 4 points de primaire supplémentaires, puisqu'il a tenu l'objectif chez l'adversaire. D'accord, ouais, donc faut vraiment qu'on aille voir les scores. Alors. Ouais, faut qu'on aille voir les scores. On va remettre les joueurs le temps qu'ils fassent leur truc, et puis on va essayer de mettre à jour les scores. Il faut éclaircir ces trucs, parce que ça peut être important, ces 3 points de match. Ça marche, bah on va te le remplir, si tu peux remettre les joueurs. On va juste, voilà. J'ai rien à tirer. Non. J'ai rien à faire. Ouais. Là-bas, c'est important. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un mutant de skate qui a été fait là-bas ? Oui. Alors, est-ce qu'il a été fait avant ou après le temporal surge ? Après. Et tu n'as pas le droit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la CP, c'est après une action si tu peux lancer un sort. Mais si tu lances un sort, tu ne peux pas lancer une action si. Ok. Suis sûr. D'accord. Voilà. Donc, ah. Est-ce que. Oui. Bah, du coup, avant. Avant, c'est fait. Suffisamment, du coup, j'avais juste à foutre les persos, en fait, à les mettre là. J'en ai deux et faire l'action plutôt que faire des BM. Mais. C'est effectivement. Mais ce match, tu n'es pas la Ghost Arc potentiellement, ni le Menhir. Si, parce que je peux faire un petit une action, mais oui, bon, c'est pas grave, ça se fait. D'accord, ok, je savais pas. Pas de problème. Bah, de fond, bah, c'est trop. Donc, ça fait quoi ? Ça fait 3 points de moins sur la Mutagen Landscape. Tu perdais 3 points. Sur Mutagen Landscape. De toute façon, tu serais dit avec les Terminators pour tenter la charge. Donc, ça, c'est. Non, c'est pas pour charger, c'est pour reprendre le point en fait. Pour reprendre le point, d'accord. Et par contre, ici. Tu dis qu'en fait tu serais venu ici. C'est ça. Et qu'est-ce que ça aurait changé ? Que j'aurais juste fait l'action au centre. Et au pire, tu laisses juste. En fait, je peux faire l'action puis un psy. J'aurais juste fait dans ce sens-là. Après, c'est comme tu veux. Je peux mettre un autre mec à la place ici. Hein. Ça pour la charge, ça change rien. C'est ah, en que fait, ça change ça tout. Change... Si, ça change tout. Explosé, ouais, ça change tout. Fait, non, mais y'a pas de problème. On reste comme ça. C'est moi qui me suis trompé. Okay, non, mais pas de soucis. Voilà. Du coup, donc. Je suis pas sûr que tu penses. De toute façon, c'est bon quand même. Tout est smooth. Allez, une advance avec les rubriques là-bas. Si je fais beaucoup, peut-être que je peux arriver dessus. Non, même pas. Non, on s'en fout. Vas-y. On va pas revenir. Tu peux essayer là, mais je pense qu'à 11. Même avec 12, ça fait trop loin. C'est fait. Le tour est fait. Vas-y. Je vais pas revenir 15 fois dessus. Brigand Dunn, par contre, t'es pas à 8. Si. Si, si. Bah, si t'as tué le 2, 4, 5, 6. Ça, t'as un Ménéen. Ah oui, c'est un Ménéen. Donc, okay. Non, mais okay. Tu tueras très pas bien. Plus. Alors, attends. Je remets TS. Ouais. C'est souvent. Ok. C'est le cas où tu peux pas faire temporaire, tu fuis l'action. D'accord, je pensais. Je vais commencer par le Chronomancer. Ouais. Verser les 3 tirs. Bah, les 3 tirs, t'es blast. Ouais. T'es 10. Enfin, t'es trop plus de 5. Trop, ouais. Bon. Bon. T'en as un. Non. Bon, voilà. Je fais à 9. Ouais. Bon, ça va dépendre de ce qui va se passer là. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je vais payer un CP ? Pourquoi ? Pour mettre des mortels en plus là-bas. Ok. Avec les 9 des 3 tirs. Et peut-être que je ferai plus que. 1. Ouh ! Ça y est, c'est bon. Ça repart ? Ça va me faire. Il faut que je fasse combien de points d'emprisonneur d'ailleurs ? Attendez, ça m'intéresse. La feuille, s'il vous plaît. Alors attends, on va raconter si tu m'as tué, tu sais quoi ? Ouais, je veux bien. Tu m'as tué. C'est important. Tu m'as tué 2 packs de 5 rubriques. Donc t'es déjà à 20. Ouais, ça, à 20. 20 de rubriques. Plus là-bas 3 rubriques, donc t'as 26 sur les rubriques. On était sur. 26 sur les rubriques. Les flammeurs, tu en as tué 5 ici, 2 là-bas. Attends, il m'en manque 1. Ouais, 2 là-bas. Tu as tué 7 flammeurs, donc 21. 21. Les Terminators, tu en as tué 10 plus 1. Donc ça fait 33. Et le Chaos Spawn plus 4. C'est ça, j'avais oublié le spawn. Donc là, t'as 30, 30 et 5, 80, 84. Tu dis à 84. C'est ça. Donc faut que tu fasses 16. Donc je fasse 16, c'est pas possible. Mais en tout cas, je peux faire encore. Je peux faire encore. Pas de il suffit que j'en tuerais encore 2, et comme ça, ça me permettrait d'avoir 90, ça me ferait 10 points, quoi. Ouais. Donc. Ça m'intéresse beaucoup. Donc de toute façon, les mortels, plus, donc faut que j'en tue 2. Donc en gros, faut que mes tirs en tuent 1. Ouais. Et que je fasse 6 mortels, mais bon. Ouais, ouais, ouais. Je vais espérer que je fasse ça. 1, 2, 3, 4, combien il me faut ? Il me manque 8 là. 8. Hop. C'est du 3 plus reroll 1. Hop, hop, ça c'est pas bon. Et ça c'est un 2, ça c'est un 2, ça c'est un 2. Ça c'est un 1. Normal. Ouais. Et ensuite. Allez, 3-6 déjà, ça, ça serait bien que je te tue. Enfin, que des 6 en fait. Hein. C'est au strat, sert à rien. Ouais. Donnez-moi des BM sur les 6 pour toucher. Non, non, j'en rends rien du tout là. Ça. À 2 plus, ouais. C'est rare, ouais. Je t'ai fait un PV. Wouhou. Non, 2-2. Ça change rien, je. Ah si, par contre, je peux être les tuer au corps à corps. Je vais venir. Eh, franchement, il est dommage. Ah, mais non, il est dommage, là.
Ouais, non, va, je sais pas, de toute façon je vais tout envoyer. De toute façon tu vas tout envoyer puis on verra si ça passe. De toute façon, et même si ça meurt, ça te donne pas de points alors. Ah ouais, non, ça vaut rien. Hein. Ah la vache. C'était joke quoi. Bon, bon. Ce qui fait que bah y a plus. Parce que là je vais pas tirer évidemment. Non. Ah bon? Je vais charger avec lui d'abord pour faire de la place. 7. Donc en gros le but c'est juste alors, de passer au-dessus. Ouais. Je sais pas si tu vas pouvoir éclairer ton socle. 7 j'arrive. 7 ouais. Et maintenant le menhir, le problème c'est que la cohérence aura du mal. Oui mais je fais ça. 7, ouais, donc il est là sur le côté. Tu arrives là? Parce que tant faut que lui. En fait, il faut que ça, ça fasse ça. Et après, du coup, t'as. En fait, t'as 5 comme ça. On est d'accord? Plutôt 5 comme ça. Ouais, ouais, je passe le tour, là, je fais ça. Ouais, mais donc c'est bon. Je fais 7, et effectivement, du coup, t'arrives là. Vu que lui, il arrive là. Non, ça, on est bon. Ok. Okay. Venir arrive là. Donc je fais comme ça. Tu restes à 2 pouces de lui, voilà. On est d'accord. Socler le plus proche ouais. possible, c'est juste que j'ai pas envie d'abîmer ta figue. Je peux. Tu joues le bouche? 7, regarde. Ouais, c'est bon. C'est ça? Ouais, c'est ça. Tu peux, vous pouvez même être plus loin, mais. Ok. Je vais mettre le plus par là possible par contre. Faut okay. essayer de le plus, maximum de place ici. C'est quoi ça? C'est personne? Ça c'est des 3 points de vie, mais bon ça je pense que tu veux. Hein. On lancera les dés. J'ai oublié, j'aurais dû cramer un CP pour ignorer le péril. Ah. Vas-y. La charge des autres. 5. T'as plus de CP. Il n'y a plus de CP parce que je suis un débile. Et du coup, est-ce que t'arriveras à mettre plus je pense pas. T'en mettras pas plus que moi en fait. En fait, on sera au pire égalité et c'est coup, tout. Ça change rien. Et du coup, ça changera rien. On est d'accord? T'as... Ah, j'en peux plus. Je peux faire là-bas. Ouais, ici, ouais. Ça ne tiendra pas. Décidément. TS. J'ai assez de CP pour intervenir. Ouais, t'inquiète, tu vas. Tu peux intervenir? J'ai 2 CP, ouais. Ouais, mais je vais en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais taper en premier avec 1. Ouais, dis ce que tu veux. Hein. En gros, je vais charger avec eux. Ouais. Je vais te socler tout ça. Ouais. Ok. Et tu vas le mettre lui loin et du coup il va. Voilà, en fait en gros lui va être à 1 pouce. Parfait, ça me va. Du coup on s'en fout que j'intervienne. Et si à limite tu peux intervenir sur ça. C'est ça. Ça tu peux intervenir sur ça. Très bien, vas-y. Ça meurt. Quoique non, attends, tu me diras. T'as pas besoin. Je vais me mettre là. Je vais faire la même. J'ai compris, pas de soucis. Est-ce que je buff les locustes? Ouais. Est-ce que je m'en tue un? Non. Non. En fait ça peut changer juste pour que je prenne moins de pertes. Oui, c'est moi le but c'est que je fasse des points de nos prisonniers en fait. En fait, si m'en tue 1, ça change rien, si m'en tue 2, c'est chiant. Locus, c'est 9 attaques, 3 plus re-rollin. Et bah, j'ai plus 1 en fort, donc c'est du 3 plus. Ouais. Et j'ai de la 2. Voilà. Bah, je peux les faire 3 par 3 parce que en soi, je m'en fous. C'est que le dernier PV qui est chiant. Un PV donc 1 mort, ça change rien. Ok. Rien. Il me reste 3 CP. Je crois qu'il me reste même pas de quoi te. Bah, j'interviens. Tu t'as même pas de quoi si? T'as combien d'attaques? J'ai une attaque avec le Chronomancer plus 3. Bah, et une attaque avec le truc. Donc en vrai, j'ai 5 attaques, ouais, faudrait que tu loupes tout. Le techno, je vais quand même lui mettre. En fait, le techno, je lui mets un mec dedans et un mec dans le plasma. Ouais, vas-y. Le mec dans le plasma. Le chrono, je pense que tu peux pas le tuer, le chrono, il a 4 points de vie. Bah, déjà, j'arriverai pas. Ouais. Et le plasma site. Voilà, à toi. Bah, le chrono, là, le truc qui ignore un vu, ça touche, ça blesse. Il perd moins 2. Donc, mais... il y a 2 plus. Voilà. Bah, c'est. Je peux plus. Ah, si, attends, je peux encore te tuer. Ouais, bah, non, c'est bon. Bon, et bah, Jean, on va compter le score. Ouais. Alors, attends. Allez-y, dites-moi tout. Donc, fin de partie. Donc là, parce que là même en contestant, ça fait pas Trésor Déon, est-ce que tu remarques des points? Oui. Moi, Trésor Déon, j'avais marqué 3 de plus. Donc, tu passes à 12. 9, 10, 11, 12. Tu passes à 12. Donc, ça, on est d'accord. Ouais. On a oublié les primaires. Ouais. Primaire, est-ce que là, tu peux. Là, je fais que 8, en fait. Ouais. Et je fais 2 moins 1, 8. Donc je fais 1. C'est ça. Pourquoi 2 parce moins 1 parce que je perds, j'ai pas mon objet chez moi. Alors, par contre, tu fais pas de. Tu l'as celui-là ou pas? Oui. Celui-là, il l'a pas. Il a celui-là. Ah, celui-là. Non, j'ai celui-là. Celui-là en fait, c'est là que j'ai loupé. Sinon, je faisais 12 de primaire, c'est etc. Et donc là, donc, tu fais une charge à 5. C'est ça. Tu fais 2 moins 1, donc 1. C'est ça. Ok, donc en primaire, du coup, là, tu vas marquer plus 8 et plus 1. Ok, là, 12, tu as marqué donc plus 3. De quoi, je comprends ce que tu fais. Mais c'est parce qu'ils ont fait les comptes là-bas. Ah, ok. Et là, 10, plus je vermine, je vais mettre que 1 de plus. Ouais. Là, tu as fait plus 1. Nos prisonniers. Nos prisonniers. 87. Coup, 87. Donc ça donc fait 9. 9. Moi je veux bien les comptes pour savoir en fait. Vous aurez... Je veux juste revérifier tout. Alors, donc là tu as 9. Là ouais. Tu as 11, on est d'accord. Ouais. Là tu as 12, on ouais. est d'accord. Et donc là tu as 4, 4, 8, 8. Ouais. Ok. Donc ça fait 24. Tu as plus 8. Et tu as 2, 2, 2, 2, 1. Ouais. Donc, ça 24, fait, ça fait 33. 4, 6, 8, 9. 9 et 24, ça fait 33. 10, 20, 32. 10. 10, 3, 3, 6, 7, 75. Est-ce que moi j'ai 30? Je crois que tu gagnes. Ouais, je crois que tu gagnes. Ah bon? Ouais. Bah, ouais. Là, j'étais persuadé que tu gagnais parce que je croyais que tu avais maxé les primaires. J'ai maxé les primaires, mais après j'ai même pas 30 points ici.
Ah, parce que t'as pas tué le roi. Alors, ah oui, t'as 9. Mais ça suffit pas. En fait, c'est les 3 points de l'escape. Ah oui. 9 et 9, 18. 18 et 8. 27. 8 et 8, 16. Ça fait 26. 26. Et 45. Vas-y, c'est bon, tu gagnes. 4, 5, 6, 7. Ah oui, non, c'est bon, 80. 80. Ouais, c'est. C'était chaud quand même. Bah, j'aurais pas emmené mes frites au bout. Non. Ah bah, ça veut dire que c'est vraiment ce truc-là, le fait que je te loupe ça. Mais non, c'est 8 points de primaire. Ouais, c'est ça. Alors, Guilou a gagné contre Salizia avec 2 charges à 9 qui passent, qui fait qu'il inverse le score au T5. Et il gagne Guilou, sinon c'est Salizia qui gagne. Allez, bah moi c'est une charge à 5, ouais. Il me manquait quoi En vrai, bah attends, il me manquait pas mal, moi, quand même. Mais je pouvais pas la reroll. Mais t'as cramé le CP là-bas. Bah en fait, j'aurais jamais dû cramer le CP là-bas. Là, t'aurais pu avoir la reroll. Après, parce qu'il était là, regarde, il a pas bougé lui. Oui, mais là, ça fait long. Oui, non, mais avec le pile-in conso. En vrai, avec le pile-in conso, ça passe. Oui, oui, c'est du coup. Parce qu'en plus, je le tue avec lui, donc ils font les 6. Donc en fait, il me suffisait d'avoir. 14. 15. Ouais, 15. Même 15. 15, sachant que tu fais plus 6, donc tu fais 9. Ouais, c'est une charge à 9. Ah, ça se sentait, hein. Ouais, après, moi, tu vois, là, c'est le truc random, ce qui fait que là, je te l'ai pas tué, ce qui fait que t'as un mec de plus, j'explose, ce qui fait que je tue mes mecs. Enfin, c'est. Ouais. La partie était tendue, tu vois. Je pense que c'était bien ce que j'ai fait, mais je pense que j'aurais dû venir juste ailleurs. Moi, j'ai fait une grosse connerie, j'aurais dû vraiment t'envoyer le chat 1. Donc, Alban. Ouais. Final. Pas de finale. Pourquoi? Parce qu'avec tes 80 points, il te manque 16 points pour passer devant Zig qui a marqué 100 points. T'es le troisième sans défaite. J'ai un peu la haine. C'est le pire. Je pensais que c'était la demi. Non, bah, en fait, c'est ça la demi en fait. La demi, mais Zig lui, en fait, il y avait 3 demi. Ah. Zig a mis 100 points. Oh non. Et du coup, toi, il te manque 15 points parce que Achor. J'avais 5 de plus. Bien deny. On est toujours là. Je suis un spécialiste a priori de deny les gens d'aller au final. C'est la troisième fois que je le fais. Je suis désolé. Ah mais dis pas rien. Hein. Pour le coup, en fait, ils gagnent de 6 ou 7 points, ouais, je sais plus. Ouais, on va faire le debrief avec eux. Ouais. Tu veux qu'on se mette où, qu'on se mette là-bas? Tiens, moi j'ai le micro, il y a plus besoin, du coup. Ouais. Si, micro, vous faites le début. Et donc? Il manque 14 points sur en fait, 10 ans pour aller au final. Oui, je sais. Ah, là, je sais pas, moi. Allez, les gars. Ah, on t'avait pas dit? On regarde. On avait calculé, c'était impossible pour toi. Vous regardez la caméra? Ouais, voilà. Moi aussi? Attends, mais attends, c'est juste qu'on t'entend. Oui, là, ça va. Je vais te. Attendez les gars, on est en live là. C'est bon? Bon, bah du coup la partie se termine. Ouais. Ça a été serré jusqu'au bout. Il y a eu des charges ratées, il y a eu des charges réussies, il y a eu des bons coups qui se sont passés. Du coup, au niveau des points, tu gagnes la partie. Ouais. C'est ça. Donc c'est 80 ça. À 75. 80 ou 81, je crois. 75, à 75, ouais. C'est ça. Donc c'est très serré. Ouais. Très serré. De toute façon, c'est sûr que par rapport au jeu où le Necron t'a bien tué, c'est ça. Parce que là, il ne te reste pas grand-chose. Non. Hein. En fait, c'est Terminator, il a esquivé les Terminators et il a tué le reste. C'est ça. En fait, dans les deux cas, on s'est un peu tué. En fait, lui, il avait besoin de me tuer pour scorer. Moi, j'ai pas besoin de le tuer pour scorer. Ouais. D'accord. Ce qui fait qu'en fait, je cherche à tuer que ses véhicules. Donc bon, à part le roi où j'ai pas eu la létalité pour l'avoir, j'ai réussi à tuer à peu près le reste. Ouais. Alors que lui, il avait plus pour but de me péter la gueule, il a plutôt bien réussi. D'accord. Ça s'est bien passé. Enfin, donc, sauf ça. Oui. Ouais. Donc ça, c'était vraiment bien. Ouais. Là, avec les points que tu fais, donc, c'est ce que je te disais avant. Ouais. En fait, sur les autres rondes qu'on a eues, donc il y a eu le match Salizia-Guilou. Guilou a gagné au T5 sur des charges à 9, apparemment. Donc vraiment, ça s'est joué comme vous, à vraiment rien. Ça s'est joué à vraiment rien et du coup, c'est Guilou qui va en finale parce qu'il a 5 victoires et un très gros score. Du coup, Salizia n'aura que 4 victoires, il n'ira pas en finale. Ouais. Achor, tu n'iras pas en finale non plus, ouais. Parce que tu n'as que 4 points. Même si, du coup, Salizia est le meilleur Harley du tournoi, tu es le meilleur Necron du tournoi, un des meilleurs aujourd'hui, je pense, même en France. Et toi, Alban, malheureusement, tu te retrouves à la 3e place. À la place du con. C'est ça. Et ça s'est joué à 16 points sur 500 ouais. Pour être en finale. Ah, donc tu as fait. Donc tu as fait. Par contre, tu as fait un très beau parcours. Ouais. Tu as fait un très beau parcours avec une armée qui marche bien en ce moment, mais
Mais en vérité, c'est pas si. Parce que là, ça joue à 5 points, hein, c'est à 6 points. Hein, j'ai gagné contre Duvotan à 1 point à la ronde 2. C'est ça, hein, c'est pas. Donc, voilà. C'est jouable, ouais. Et là, c'est donc la finale. Ouais. Ce sera donc Zig et Guilou. Donc la France contre la Belgique. Ah, on se croira au foot. J'aurais aimé supporter bon. La Belgique. Voilà. Elle me prend la place en finale. Donc, pour une fois, je serais belge. Tu veux des points, j'en ai plein. On peut pas écrire 100 là-bas. Parce que Victor et Point avant, moi j'étais bien. Hein. Donc, voilà. Donc on va distribuer par contre, on va faire la finale. Parce que je sais pas toi si tu veux partir ou pas. Je sais aucune ce que font les autres. On va ils sont là, les autres. Ils sont là. Donc non, je vais rester, je pense. Tu vas rester. Parce qu'après, il y aura la remise des prix. Ouais. Et tu es troisième. Tu n'es pas quatrième. Non. J'ai pas encore vu les scores, donc je sais pas si. Achard à la place du con, à la quatrième place. La deuxième place du con, c'est-à-dire que t'es à la première place du con. C'est ça, mais suite, t'es encore en dessous. Ouais, même à la limite, je me dis si je suis le premier de ceux qui ont une défaite. Mais c'est vrai qu'un vaincu sans aller en finale. Par contre, quelque chose de très important, sauf erreur de notre part, enfin très important à noter, aujourd'hui, Zig du coup est sur le podium. Ouais. C'est-à-dire que c'est le premier Votan dans le monde à faire un podium dans un GTA. C'est bon Non, je l'ai déjà vu, mais... Je sais pas. Est-ce qu'on peut lancer le PM En tout cas, merci pour la game. C'était tendu. Ouais, mais j'ai voulu les amener jusqu'au bout, ces petits méfrites. Là, pour le coup, je sens qu'eux, ils servaient à rien dans le match-up, les gros, hein, les Locust Heavy solo dégâts. Dans les conneries, j'aurais dû vraiment focus 1 et tenter de le finir. Après, je sais pas à quel point ça aurait changé. De tuer quoi L'avion, j'ai tenté de speed un peu. Ah oui, après, par contre, il fallait tuer les avions. Bon, après, ils ont loupé un peu, mais... Les gars, si vous avez plus rien à ajouter sur le game, on va muter un petit peu tout, le temps qu'on fasse le changement. On va ranger tout ça. Faut qu'on fasse le ménage, parce qu'on est viré, c'est ça Nous, on a pas rendu, on a joué pour rien. Comme je disais, moi, je suis spécialiste, ça fait 3-4 fois que je fais ça. Avec chaque mec qui va aller en finale, c'est moi qui mets le blocus. Ah, mais ça arrive, hein. La prochaine fois, c'est moi qui t'empêcherai. La prochaine fois, je gagnerai. Les amis, on se retrouve à 17h. Je vous remercie, merci pour la game, les gars.